Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, la préparation, volume I. Préface Maria Valtorta naquit à Caserte, Italie, le 14 mars 1897. Elle était fille unique d'un sous-officier de cavalerie, Joseph Valtorta, né à Mantoue en 1862, et d'une enseignante de français, Isis Fioravanzi, Née à Crémone en 1861, elle avait à peine dix huit mois lorsque ses parents durent s'établir avec leur enfant au nord de l'Italie, se fixant d'abord à Fuanza et après quelques années à Milan, où ils lui firent fréquenter l'école maternelle chez les Ursulines. C'est là qu'elle eut le premier signe de sa vocation. Elle voulait s'identifier au Christ dans la douleur volontairement acceptée par amour. À sept ans, toujours à Milan, elle fréquenta les écoles primaires à l'Institut des sœurs marcelliennes où, en 1905, elle reçut le sacrement de la confirmation des mains du saint cardinal André Ferrari. Elle continua ensuite ses études à l'école publique de Voguera où la famille se fixa en 1907. Elle fit sa première communion à Casteggio en 1908. C'est sous la contrainte de sa mère, femme très autoritaire, qu'elle dut rentrer en 1909 au collège Bianconi de Monza où elle se distingua par son intelligence très vive et son caractère bien trempé. Elle était très douée pour les matières littéraires mais pas du tout pour les mathématiques. C'est à la suite d'efforts constants qu'elle obtint son diplôme d'études techniques, études qui lui furent imposées par sa mère. Malgré cela, elle était satisfaite du collège. Mais voilà que sa mère, quatre ans après, voulut qu'elle en sortît. Maria, alors, adressa sa fervente prière à Dieu, qui, encore une fois, ne manqua pas de l'éclairer sur son avenir. En attendant, son père prenait sa retraite pour des raisons de santé, et la petite famille alla vivre à Florence, où Maria se fiança avec un brave jeune homme, qu'elle dut pourtant quitter à cause du mauvais caractère de sa mère. Après une période de grande crise en 1916, elle eut de la part du Seigneur un autre signe révélateur, et en 1917, elle entra dans les rangs des infirmières samaritaines et prodigua pendant dix-huit mois tous ses soins aux soldats de l'hôpital militaire de Florence. Le 17 mars 1920. Pendant qu'elle marchait dans la rue en compagnie de sa mère, un extrémiste la frappa au rein avec une barre de fer qui laissa sur elle les premiers signes de sa future infirmité. Après avoir gardé le lit pendant trois mois, c'est en octobre de cette même année qu'elle se rendit avec ses parents à Reggio de Calabre où elle demeura deux ans environ chez ses parents maternels, Belfanti, propriétaires d'hôtel. La longue période qu'elle passa dans cette belle ville maritime au sud de l'Italie fut riche d'expériences fortifiantes pour son esprit, mais elle fut aussi marquée par l'aversion de sa mère qui s'opposait à de nouvelles offres de mariage. Maria retourna alors à Florence, c'était en 1922, et y séjourna pendant deux autres années, parmi des souvenirs douloureux. En 1924 eut lieu le déplacement définitif à Variaggio qui marqua le commencement d'une nouvelle vie toute tendue à une continuelle montée vers Dieu. Elle observait en cachette, à cause de l'intolérance maternelle, toutes les pratiques religieuses, et elle réussit ainsi à s'engager dans l'action catholique, toujours animée du désir de se donner. En 1925, elle s'offrit à l'amour miséricordieux, et en 1931, après avoir prononcé ses vœux, c'est avec une conscience plus résolue elle voulut s'offrir aussi à la justice divine. Affligée par des souffrances croissantes, elle ne quitta plus son lit à partir du 1er avril 1934. La voilà dorénavant, instrument docile dans les mains de Dieu. L'année suivante arriva chez elle Marthe Dicciotti, qui resta sa fidèle compagne et qui ne la quitta plus pendant toute sa vie. C'est à ce moment-là que Maria eut la très grande douleur de la mort de son père, qu'elle aimait et considérait le meilleur des hommes. En 1942, elle reçut la visite d'un pieux prêtre, autrefois missionnaire, le père Romuald Migliorini, des servites de Marie, qui fut son directeur spirituel pendant quatre ans. En 1943, l'année même de la mort de sa mère, Maria Valtorta, commencer son activité d'écrivain. De l'autobiographie voulue par le père Migliorini, et écrite selon ses capacités, Maria passa aux dictées et aux visions qu'elle déclarait recevoir par révélation. Tout en gardant son lit, et malgré ses grandes souffrances, elle écrivait de sa propre main et d'un seul jet, à n'importe quelle heure, même pendant la nuit, sans se sentir nullement dérangée par des interruptions occasionnelles, Gardant toujours son aspect naturel. Les seuls livres qu'elle pouvait consulter étaient la Bible et le catéchisme de Pidis. À partir de 1943 jusqu'en 1947, mais en mesure moindre jusqu'en 1953, Maria écrivit environ quinze mille pages de cahiers. Ce sont des commentaires sur l'Écriture sainte, des leçons de doctrine, des récits des premiers chrétiens et martyrs, des compositions de piété, sans compter des pages de journal spirituel. Mais les deux tiers à peu près de la production littéraire de Maria Valtorta ont été occupés par l'œuvre monumentale de la vie de Jésus. Après avoir offert tout à Dieu jusqu'à sa propre intelligence, Maria commença à se renfermer graduellement, pendant plusieurs années, dans une sorte d'isolement psychique, jusqu'au jour où elle s'éteignit comme si elle obéissait à l'exhortation du prêtre qui appelait à son chevet de mourante, prier avec les paroles « Pars aux âmes chrétiennes de ce monde ». C'était le 12 octobre 1961. Elle avait laissé comme souvenir la phrase suivante j'ai fini de souffrir, mais je continuerai à aimer. Ses funérailles eurent lieu à la paroisse de Saint-Paulin le 14 octobre, de bon matin et très simplement, selon ses volontés. Et tout de suite après, sa dépouille mortelle fut enterrée au cimetière de Viareggio. Mais le 2 juillet 1973, les restes mortels de Maria Valtorta purent avoir leur sépulture privilégiée à Florence dans la chapelle du chapitre au grand cloître de la Santissima Annunziata. Son œuvre la plus importante, celle sur la vie de Jésus, fut écrite à partir de 1944 jusqu'en 1947, à l'exception de quelques chapitres des années suivantes. Elle est publiée en Italie dès 1956 sous le titre Il Poema del Umo Dio. La première édition parut en quatre grands volumes. Elle fut suivie d'une nouvelle édition critique en dix volumes avec des notes théologiques et doctrinales du père Conrad Berti, euh, des Servites de Marie. L'œuvre, continuellement réimprimée et diffusée sans aucune publicité, est désormais largement connue en Italie et dans le monde entier. En 1971, un professeur français, M. Félix Sauvage, lut « Il poema del homo dio » et se sentit poussé à le traduire en sa propre langue. De pont aux deux mer, où il habitait, il nous informait continuellement sur les progrès de son travail et nous sollicitait à prendre nos décisions pour la publication étant donné son âge bien avancé. Il ne nous parlait jamais de lui-même, sauf lorsqu'il voulut nous assurer sur ses propres capacités, nous déclarant qu'il avait fait des études de philosophie et de théologie et qu'il avait passé toute sa vie dans l'enseignement. Ce fut au mois de décembre 1976 que nous nous rendîmes en Normandie pour retirer la traduction française des dix volumes que Monsieur Sauvage avait écrite de sa propre main. Mais ce n'est qu'après quelque temps que nous commençâmes à l'examiner. Nous nous aperçûmes qu'il fallait la réviser. Cette traduction, bien que corrigée amplement, a le mérite d'avoir été réalisée par un homme âgé, soutenu dans son travail par une foi qui le rajeunissait. Malheureusement, Félix Sauvage n'a pas pu voir la publication de l'œuvre traduite. Il est mort le 16 septembre 1978, à l'âge de 87 ans. Nous avons respecté son ferme désir de ne point ajouter des notes explicatives et de commentaires au texte de Maria Valtorta et de faire rejaillir la nature de l'œuvre de son titre même. Toutefois, nous prévenons nos lecteurs que pour toute explication et approfondissement restent toujours valables les notes de l'édition italienne. Pour ce qui concerne la nature de l'œuvre, nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une des plus grandes révélations privées. Elles sont d'ailleurs admises par la théologie catholique comme des manifestations possibles, subordonnées à la révélation publique, et dignes de foi humaine, que Dieu accorde à certaines personnes pour le profit spirituel de tous les hommes. Nous demandons à nos lecteurs de nous excuser pour quelques imperfections de cette première édition française. Isola del Liri, Italie, le 12 octobre 1979. Emilio Pisani, éditeur. Dieu me posséda au commencement de ses œuvres. Salomon, Proverbe 8, 22. Chapitre I. On peut appeler Marie la puinée du Père. Jésus m'ordonne Prends un cahier tout neuf. Copie sur la première feuille la dictée du 16 août 1944 dans ce livre on parlera d'elle j'obéis et copie Jésus dit aujourd'hui écris seulement cela la pureté a une telle valeur que le sein d'une créature put contenir celui qui ne peut être contenu parce que Possédait la pureté absolue, la plus grande pureté que puisse avoir une créature de Dieu. La très sainte Trinité y descendit avec toutes ses perfections, y habita avec les trois personnes, enferma son être infini dans un petit espace. Elle n'en fut pas moins diminuée, parce que l'amour de la Vierge et le vouloir divin dilatèrent cet espace jusqu'à en faire un ciel, et se manifesta avec ses caractéristiques. Le Père, en tant que Créateur, renouvela son œuvre du sixième jour, ayant une fille vraie, digne de lui, à sa parfaite ressemblance. L'empreinte de Dieu était imprimée en Marie avec une telle netteté que seul le premier né du Père lui était supérieur. On peut appeler Marie la punée du Père par la perfection qu'elle reçut et sut conserver, par sa dignité d'épouse et de mère de Dieu et de reine du ciel. Elle vient en second lieu après le Fils du Père et en second lieu dans son éternelle pensée, parce que, éternellement, il se complète en elle. Le Fils, étant aussi pour elle le Fils, lui enseignait par mystère de grâce sa vérité et sa sagesse, alors qu'il n'était encore qu'un germe qui se développait en son sein. L'Esprit Saint, en apparaissant parmi les hommes par une Pentecôte anticipée, par une Pentecôte prolongée, amour en celle qui aima, consolation pour les hommes, pour le fruit de son sein, sanctification par la maternité du Saint. Pour se manifester aux hommes sous la forme nouvelle et complète qui inaugure l'ère de la rédemption, Dieu n'a pas choisi pour son trône un astre du ciel, ni le palais d'un souverain puissant. Il n'a pas voulu non plus les ailes des anges pour y poser ses pieds. Il a voulu un saint sans tâche. Ève aussi avait été créée sans tâche, mais spontanément elle voulut se corrompre. Tandis qu'Ève se trouvait dans un monde pur, Marie vécut dans un monde corrompu sans consentir à blesser sa pureté par la plus petite pensée dirigée vers le péché. Elle savait l'existence du péché, elle en a vu les divers aspects et les plus horribles. Elle les a tous vus, jusqu'au plus horrible, le déicide. Mais elle les a connus pour les expier et être éternellement celle qui a pitié des pécheurs et prie pour leur rédemption. Cette pensée sera une introduction à d'autres saintes réalités que je te communiquerai pour te réconforter, toi et beaucoup d'autres Jésus. CHAPITRE II Joachim et Anne font un vœu au Seigneur. Je vois un intérieur Assise devant un métier, une femme d'un certain âge. À la voir, avec ses cheveux qui autrefois étaient noirs, maintenant grisonnants, avec son visage sans rides mais déjà plein de cet air sérieux qui vient avec l'âge, je dirais qu'elle peut avoir de cinquante à cinquante-cinq ans, pas plus. Je la vois qui tisse. La pièce est toute illuminée par la lumière qui pénètre par la porte ouverte sur un vaste jardin potager, une petite propriété, dirais je, parce que le jardin se prolonge en ondulations qui aboutissent à une verte pente. Cette femme est belle, avec ses traits spécifiquement hébreux. L'œil est noir et profond, je ne sais pourquoi il me rappelle celui du Baptiste mais ce regard, noble comme celui d'une reine, est rempli de douceur c'est comme si sur l'éclat d'un regard d'aigle s'étendait un voile d'azur. Il est doux, avec un léger voile de tristesse, comme si elle pensait à des choses perdues. Le teint est légèrement brun la bouche, un peu large et bien dessinée, a une expression austère mais sans dureté. Le nez est long et fin, légèrement courbé à la base, un nez aquilin qui s'harmonise bien avec les yeux. Elle est robuste mais pas grasse, bien proportionnée et grande comme on peut le deviner alors qu'elle est assise. Il me semble qu'elle tisse un rideau ou un tapis les navettes multicolores passent rapidement sur une trame marron foncé. La partie déjà faite montre un vague entrelacement de grec et de rosaces dans lesquels le vert, le jaune, le rouge et un azur au reflet de cuivre se croise et se fonde en une mosaïque. La femme a un vêtement très simple et foncé. C'est un violet rouge qui paraît emprunté au ton violet de certaines pensées. Entendant frapper à la porte, elle se lève. Elle est en effet assez grande. Elle ouvre. Une femme lui demande Anne, veux-tu me donner ton amphore Je te la remplirai. La femme emmène avec elle un petit gamin de cinq ans. Il s'attache tout de suite à la robe de celle qu'on vient de nommer Anne. Elle le caresse tout en allant dans une autre pièce d'où elle rapporte une belle amphore de cuivre. Elle la présente à la visiteuse en lui disant. Toujours bonne, toi, avec la vieille Anne. Que Dieu te récompense en ce petit et dans les enfants que tu as et que tu auras, toi, bienheureuse. Anne pousse un soupir la femme la regarde ne sachant que dire après ce soupir pour adoucir la peine qu'elle devine elle dit je te laisse alphée si cela ne t'ennuie pas ainsi je vais faire plus vite à te remplir plusieurs brocs et jarres alphée est bien content de rester et on s'explique pourquoi la mère partie, anne lui passe le bras autour du cou et le porte au jardin elle le lève à la hauteur d'une tonnelle de raisin d'un blond de topaze et lui dit mange, mange, c'est bon. Et elle couvre de baisers le petit visage tout barbouillé de jus de raisin que l'enfant égrène avidement. Puis elle rit, elle rit, et semble tout à coup plus jeune avec les rangées de perles qui lui ornent la bouche et la joie qui éclate sur son visage effaçant les années, lorsque l'enfant lui dit. Et maintenant, que vas tu me donner? et il la regarde, écarquillant ses yeux d'un gris d'azur sombre elle rit plaisante et en s'inclinant sur ses genoux elle dit que me donneras-tu si je te donne si je te donne devine quoi l'enfant battant des mains tout rieur des baisers des baisers je t'en donnerai anne belle anne bonne anne maman anne quand elle l'entend dire anne maman pousse un cri de tendresse et de joie elle serre contre son cœur le petit en disant oh joie Cher, 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 à chaque chair, un baiser descend sur les joues roses. Et puis, ils vont à une étagère et d'un plat sortent des galettes de miel. Je les ai faites pour toi, beauté de la pauvre âne, pour toi qui m'aimes bien. Mais dis-moi, combien m'aimes-tu Et l'enfant, pensant à la chose qui l'a le plus impressionné, répond. Comme le temple du Seigneur, Anne baise encore ses yeux pétillants de vie, ses lèvres roses, et l'enfant se frotte contre elle comme un petit chat. Sa mère va et vient avec le broc plein. Elle rit sans rien dire. Elle les laisse à leurs épanchements. Un homme âgé arrive du jardin. Il est un peu moins grand que Anne, la tête couverte d'une chevelure toute blanche son clair visage s'encadre dans un carré de barbe, deux yeux d'azur comme des turquoises entre des cils d'un châtain clair presque blond. Son vêtement est marron foncé. Anne ne le voit pas car elle tourne le dos à l'entrée. Il lui prend les épaules en disant. Et pour moi rien? Anne se retourne et dit. Oh. Joachim, tu as fini ton travail? En même temps le petit Alphée lui serre les genoux et lui dit À toi aussi, à toi aussi Et quand le vieillard s'incline et le baise, l'enfant lui passe les bras autour du cou, lui caresse la barbe de ses petites mains et l'embrasse. Joachim aussi a son cadeau. Il va prendre de sa main gauche, derrière son dos, une pomme brillante comme un fruit de céramique et dit à l'enfant qui lui tend avidement les mains Attends que j'en fasse des bouchées. Tu ne peux la manger comme ça. Elle est plus grosse que toi. Et avec un couteau qu'il porte à la ceinture, un couteau de jardinier, il en fait des tranches et des bouchées. Il semble donner la béquet à un oiseau au nid, tant il met de soin à présenter les morceaux à la petite bouche ouverte qui ne cesse d'ingurgiter. Mais regarde quels yeux, Joachim! Ne dirait-on pas deux petits fragments de la mer de Galilée quand la brise du soir étend un voile de nuages sur le ciel? Anne parle en tenant la main appuyée sur l'épaule de son mari et en s'appuyant légèrement sur lui, un geste qui révèle un profond amour d'épouse, un amour intact après de nombreuses années du mariage. Et Joachim la regarde avec amour et marque son assentiment en disant Très beau Et ces cheveux frisés, n'ont-ils pas la couleur des blés mûrs Regarde à l'intérieur ce mélange d'or et de cuivre. Ah Si nous avions eu un enfant c'est comme cela que je l'aurais voulu, avec ses yeux et cette chevelure. Anne s'est inclinée, agenouillée même, et elle baise avec un soupir ses yeux gris azurés. Joachim soupire lui aussi, mais il veut la consoler. Il met sa main sur la chevelure crépue et blanchie d'Anne et lui dit Il faut encore espérer, Dieu peut tout. Tant qu'on est vivant, le miracle peut survenir surtout. Quand on l'aime et l'on s'aime. Joachim appuie fortement sur ces derniers mots. Mais Anne se tait, humiliée, et baisse la tête pour dissimuler deux larmes qui coulent et que voit seul le petit Alphée. Il est douloureusement surpris de voir pleurer sa grande amie comme il lui arrive parfois à lui. Il lève sa petite main et essuie ses larmes. Ne pleure pas, Anne, nous sommes heureux tout de même. Moi, du moins, parce que je t'ai, toi. Et moi aussi, je suis heureuse par toi, mais je ne t'ai pas donné un enfant. Je pense avoir déplu au Seigneur, puisqu'il a rendu mon sein infécond. Ô oh, mon épouse, en quoi veux-tu lui avoir déplu, toi, toute sainte Allons encore une fois au temple, pour cela. Pas seulement pour la fête des tabernacles. Faisons une longue prière. Peut-être t'arrivera-t-il la même chose qu'à Sarah, à Anne d'Elcana. Elles ont longtemps attendu et se croyaient réprouvées à cause de leur stérilité. Au contraire, dans le ciel de Dieu, se préparait pour elles un fils saint. Souris, mon épouse, ton chagrin m'est plus douloureux que de n'avoir pas de postérité. Nous porterons Alphée avec nous, nous le ferons prier, lui qui est innocent, et Dieu prendra sa prière et la nôtre, et nous exaucera. Oui, faisons un vœu au Seigneur. Il sera à lui, notre enfant, pourvu qu'il nous le donne. Oh, m'entendre appeler maman! Et Alphée, spectateur étonné et innocent, moi je t'appelle ainsi. Oui, ma joie. Mon chéri, mais tu as une maman, toi, et moi je n'ai pas d'enfant. La vision cesse. Je me rends compte qu'avec cette vision commence le cycle de la naissance de Marie. J'en suis charmée, je le désirais tant. Avant que je commence à écrire, j'ai entendu la maman me dire Ma fille, écris donc sur moi ce sera une consolation pour toute ta peine. Et tout en le disant, elle posait sa main sur ma tête avec une douce caresse. Après la vision est venue. Mais au début, jusqu'à ce que je n'entendis pas le nom de cette personne âgée, je ne pouvais comprendre que j'étais devant la mère de la maman et qu'il s'agissait de la grâce de sa naissance. Chapitre 3 Anne prie au temple et Dieu exauce sa prière. Avant de continuer, je fais une remarque. La maison ne m'a pas semblé être celle de Nazareth que je connais bien. La chambre au moins est très différente. Le jardin potager lui-même est plus grand et en plus on voit des champs, pas beaucoup, mais tout de même, il y en a. Par la suite, après le mariage de Marie, il n'y a plus que le jardin grand, mais sans rien d'autre. Et cette pièce que j'ai vue, je ne l'ai jamais vue dans les autres visions. Je ne sais si je dois penser que, pour des motifs pécuniaires, les parents de Marie se sont défaits d'une partie de leur avoir, ou si Marie, à la sortie du temple, est venue dans une autre maison que peut-être lui aurait été donnée par Joseph. Je ne me rappelle pas si, dans les visions passées ou dans les enseignements que j'ai reçus, j'ai eu l'indication certaine que la maison de Nazareth était la maison natale. J'ai la tête très fatiguée. Et puis surtout, pour ce qui m'est dit, j'oublie tout de suite les paroles, bien que persistent les ordres qui me sont donnés, et dans l'âme reste la lumière. Mais les détails disparaissent immédiatement. Si, une heure après, je devais répéter ce que j'ai entendu, à part une ou deux phrases plus importantes, je ne me rappellerai plus rien. Tandis que les visions restent vivantes en mon esprit, parce que j'ai dû les observer par moi-même. Les dictées, je les reçois. Les visions, je dois les percevoir. Elles restent donc plus vives dans ma pensée, qui s'est efforcée de les noter au fur et à mesure. J'espérais des explications sur la vision d'hier. En réalité, rien. Je commence à voir et j'écris. Hors des murs de Jérusalem, sur les collines et au milieu des oliviers, il y a une grande foule. On dirait un immense marché, mais il n'y a pas de bancs ni de boutiques, pas de voies de charlatans et de marchands, pas de jeux. Il y a quantité de tentes de laine brute, certainement imperméables, étendues sur des pieux fixés au sol, et attachées aux pieux des branches vertes qui y font une fraîche décoration. D'autres, par ailleurs, sont constituées de branches fixées au sol et faisant de petites galeries vertes. Sous chacune, des gens de tout âge et de toutes conditions parlent doucement avec un recueillement que troublent seulement les cris d'un enfant. Le soir descend, et déjà les lumières des petites lampes à huile jettent çà et là une lueur sur ce campement étrange. Autour des lumières, des familles prennent leur repas assises à même le sol les mères avec les plus jeunes sur leurs seins beaucoup de bébés fatigués s'endorment avec encore une bouchée de pain entre leurs petits doigts roses et laissent tomber leur tête sur la poitrine de leur mère comme les poussins sous les ailes de la mère poule et les mamans achèvent comme elles peuvent leur repas avec la main qui leur reste libre pendant que l'autre serre sur leur cœur leur enfant D'autres familles, par contre, n'ont pas commencé leur repas et parlent dans la demi obscurité du crépuscule, en attendant que la nourriture soit préparée. Des feux s'allument çà et là autour desquels s'affairent les femmes. Une berceuse lente, lente, je dirais une complainte, berce un enfant qui tarde à s'endormir. Là-haut, un beau ciel serein prend de plus en plus les teintes d'un azur sombre. Il devient comme un énorme voile de velours soyeux d'un noir azuré, sur lequel, tout doucement, des artificiers et des décorateurs invisibles fixent des gemmes lumineuses, les unes isolées, les autres groupées en de bizarres figures géométriques, parmi lesquelles brillent la grande ours et la petite, avec leur forme de char, dont le timon reste attaché au sol après avoir détaché le joug des bœufs. L'étoile polaire a allumé tous ces feux. Je comprends que c'est octobre, parce qu'une grosse voix d'homme le dit. Un bel octobre, comme on en voit rarement. Voici Anne qui vient d'un bivouac avec des choses dans les mains, étendue sur un pain qui est large et plat, comme une de nos galettes, et fait office de plateau. Elle a, à sa jupe, Alphée, qui fait entendre sa petite voix enfantine. Joachim, au seuil d'une petite cabane de feuillage, parle avec un homme d'une trentaine d'années. Que Alphée salue de loin avec un cri aigu, Papa! Quand Joachim voit arriver Anne, il se hâte d'allumer une lampe. Anne passe comme une reine au milieu des rangées de cabanes, allure royale et humble pourtant. Elle n'est pas fière et avec personne. Elle relève le marmot d'une pauvresse, une vraie pauvresse, qui a fait une chute en trébuchant dans une démarche maladroite tout à fait au pied d'Anne. Il a tout son petit visage barbouillé de terre et se lamente. Elle le nettoie et le console et le rend à sa mère qui est accourue. Anne dit Oh ce n'est rien, je suis contente qu'il ne se soit pas fait de mal. C'est un bel enfant. Quel âge a-t-il Trois ans, c'est l'avant-dernier, et d'ici peu j'en aurai un autre. J'ai six garçons. Maintenant je voudrais une petite fille pour une maman c'est beaucoup une fillette le très haut t'a bien consolé anne soupire et l'autre oui je suis pauvre mais nos enfants sont notre joie et déjà les plus grands nous aident pour le travail et toi madame tout montre que anne est d'une condition plus élevée et la femme l'a bien remarqué combien d'enfants as-tu aucun aucun il n'est pas à toi celui-là non c'est celui d'une très brave voisine. Il fait ma consolation. Les tiens sont morts, ou bien? Je n'ai jamais eu d'enfant. Oh. La pauvresse la regarde avec pitié. Anne la salue avec un soupir et se rend à sa cabane. Je t'ai fait attendre, Joachim. Je me suis entretenue avec une pauvresse, mère de six garçons, pense donc. Et sous peu elle aura un autre enfant. Joachim soupire. Le père d'Alphée appelle son petit qui lui répond. Je reste avec Anne pour l'aider. Tout le monde se met à rire. Laisse le, il ne dérange pas. Il n'est pas encore tenu à l'observance de la loi. Ici ou là, ce n'est qu'un petit oiseau qui mange, dit Anne, et elle s'assied avec l'enfant sur son sein. Elle lui donne de la galette, et il me semble du poisson grillé. Je vois qu'elle travaille avant de le lui donner. Peut-être elle enlève les arêtes. Elle a d'abord servi son mari, elle mange en dernier. La nuit fourmille de plus en plus d'étoiles et les lumières se font de plus en plus nombreuses au campement. Puis, insensiblement, beaucoup de lumières s'éteignent. Ce sont celles de ceux qui ont pris leur repas les premiers et qui maintenant commencent à dormir. Le bruit aussi s'amortit insensiblement. On n'entend plus des cris de bébé. Seul quelque enfant qui n'est pas sevré. Fait entendre sa voix de petit agneau qui cherche le lait de sa maman. La nuit souffle son haleine sur les choses et les gens, endormant peines et souvenirs, espérances et rancœurs. Au contraire, peut-être, tout cela survit dans la mesure où le sommeil et le rêve leur apportent le calme. Anne le dit à son mari pendant qu'elle berce Alfée, qui commence à s'endormir entre ses bras. Cette nuit. J'ai rêvé que l'an prochain, je viendrai à la Cité Sainte pour deux fêtes au lieu d'une seule. Et l'une sera la présentation au temple de ma créature. Ô Joachim Espère, espère, Anne. Tu n'as rien appris d'autre Le Seigneur ne t'a pas secrètement parlé au cœur Non, rien. Un songe seulement. Demain, c'est le dernier jour de supplication. Déjà, toutes les offrandes ont été faites mais nous les renouvellerons encore demain solennellement. Nous vaincrons Dieu par la fidélité de notre amour. Je pense qu'il t'arrivera la même chose qu'à Anne cana Dieu le veuille, et que je puisse vite entendre une voix me dire « Vas en paix, le Dieu d'Israël t'a accordé la grâce que tu lui demandais. Si la grâce arrive, ton enfant te le dira » en se retournant pour la première fois dans ton sein. Ce sera la voix de l'innocence, donc la voix de Dieu. Maintenant, dans le camp, tout se tait dans la nuit. Anne ramène Alphée à la cabane voisine et le met sur la litière de foin où dorment déjà ses petits frères. Puis elle se couche à côté de Joachim, et leur petite lampe s'éteint, elle aussi. C'était une des dernières petites étoiles de la terre. Il n'y a plus que les étoiles du firmament qui restent, plus belles que jamais, pour veiller les dormeurs. Chapitre IV. Joachim avait épousé la sagesse de Dieu renfermée au cœur de la femme juste. Jésus me dit Les justes sont toujours des sages, amis de Dieu. Ils vivent en sa compagnie. Et lui les instruit, lui l'infinie sagesse. Mes grands-parents étaient justes et possédaient donc la sagesse. C'est avec vérité qu'ils pouvaient dire ce que dit le livre quand il chante les louanges de la sagesse dans le livre qui porte son nom. Je l'ai aimée et recherchée depuis ma plus tendre jeunesse et j'ai résolu de la prendre pour épouse. Anne d'Araon était la femme courageuse dont parle notre aïeul. Et Joachim, descendant du roi David, n'avait pas tant recherché la grâce et la richesse que la vertu. Anne possédait une grande vertu. En elle, toutes les vertus s'étaient rassemblées en un bouquet odorant pour former une réalité unique, la plus belle de toutes, la vertu. Une vertu réelle, digne de paraître devant le trône de Dieu. Joachim avait donc deux fois épousé la sagesse en l'aimant plus qu'une autre femme la sagesse de Dieu enclose dans le cœur de la femme juste Anne d'Aaron n'avait recherché rien d'autre que d'unir sa vie à celle d'un homme droit sûre et certaine que la droiture est la joie de la famille et pour être le symbole de la femme vaillante il ne lui manquait que la couronne d'enfants gloire de l'épouse, justification du mariage dont parle Salomon. À sa félicité il ne manquait que ses fils, fleurs de l'arbre qui s'est unie à l'arbre voisin, d'où s'ensuit une abondance de fruits nouveaux, où deux bontés se fondent en une, parce que de la part de son époux aucune déception ne lui était arrivée. Anne, désormais une vieille femme, épouse de Joachim depuis tant de lustres, était toujours pour lui l'épouse de sa jeunesse, sa joie, la biche bien-aimée, la gracieuse gazelle, dont les caresses avaient toujours la fraîcheur de la première soirée nuptiale et charmaient doucement sa tendresse, en la conservant fraîche comme une fleur humide de rosée et ardente comme un feu qu'on ne cesse d'alimenter. Aussi, dans leur affliction de n'avoir pas d'enfant, ils se disaient l'un à l'autre des paroles de consolation dans leurs soucis et leurs tristesses. Et sur eux se leva la sagesse éternelle. Quand l'heure fut venue, après les avoir instruits le long de leur vie, elle les illumina par les songes de la nuit, Diane du poème glorieux, qui devait naître d'eux et qui était Marie, la toute sainte, ma mère. Si dans leur humilité ils ne s'arrêtèrent pas à ce rêve, leur cœur pourtant trembla d'espoir à la première annonce de la promesse de Dieu. C'est déjà une certitude dans les paroles de Joachim. Espère, espère. Nous vaincrons Dieu par la fidélité de notre amour. Ils rêvaient un fils, ils eurent la mère de Dieu. Les paroles du livre de la sagesse paraissent écrites pour eux. Par elle, j'acquerrai la gloire devant le peuple. Par elle, j'obtiendrai l'immortalité et laisserai un éternel souvenir de moi à ceux qui viendront après moi. Mais pour obtenir tout cela, il leur fallait acquérir la royauté d'une vertu véritable, immuable, qu'aucun événement ne saurait atteindre. Vertu de foi, vertu de charité, vertu d'espérance, vertu de chasteté. Chasteté des époux, ils la possédèrent, car il n'est pas nécessaire d'être vierge pour être chaste. Les ménages chastes sont gardés par les anges, et d'eux descendent de bons fils qui font de la vertu de leurs parents la règle de leur propre vie. Mais à présent, où sont-ils Maintenant, on ne veut pas d'enfants, mais pour autant, on ne veut pas de chasteté. Donc, je vous dis, l'amour et le talam sont profanés. CHAPITRE V. Anne, avec un cantique, annonce sa maternité. Je revois la maison de Joachim et de Anne. Rien de changé à l'intérieur, à part une multitude de branches fleuries disposées çà et là dans des amphores, et qui proviennent certainement de la taille des arbres du jardin, tout en fleurs. C'est une nuée de bouquets dont la couleur varie du blanc-neige au rouge de certains coraux. Le travail d'Anne aussi est différent. Sur un métier plus petit que l'autre, elle tisse de belles toiles de lin et chante en marquant avec son pied le rythme du chant. Elle chante et sourit. À qui? À elle-même, à quelques visions en son intérieur. Le chant est lent et pourtant joyeux. Je l'ai écrit à part pour l'avoir complet, car elle le répète plusieurs fois, y trouvant une sorte de béatitude. Elle le chante avec toujours plus de force et d'assurance, comme si elle en avait trouvé le rythme en son cœur. D'abord elle le murmure en sourdine, et puis, plus assurée, elle le chante sur un ton plus haut et plus rapidement. Je le transcris parce qu'il est si doux dans sa simplicité. Gloire au Seigneur Tout-Puissant qui a aimé la descendance de David. Gloire au Seigneur. Sa suprême grâce depuis le ciel m'a visitée. La vieille plante a poussé une nouvelle branche et je suis bien heureuse. Pour la fête des lumières, l'espérance a jeté sa semence, l'air embaumé du mois de dix ans, la voix germée. Ma chère au printemps est comme l'amandier en fleurs, au soir de la vie elle sent qu'elle porte son fruit. Sur cette branche est une rose, un fruit des plus doux. Une étoile qui scintille une jeune vie innocente c'est la joie de la maison de l'époux et de l'épouse louange à Dieu au Seigneur qui de moi eut pitié sa lumière me l'a annoncé, une étoile viendra vers toi. Gloire, gloire, c'est à toi que sera le fruit de la plante, le premier fruit et le dernier, saint et pur comme un don du Seigneur. C'est à toi qu'il sera, et par lui arrive joie et sur la terre, Vole navette, ton fil tissera la toile de l'enfant Il va naître Adieu dans l'allégresse Va le chant de mon cœur. Joachim entre quand, pour la quatrième fois, elle va redire son chant. Tu es heureuse, Anne. Tu me sembles un oiseau qui prélude au printemps. Qu'est ce que ce chant? Je ne l'ai jamais entendu de personne. D'où vient il? De mon cœur, Joachim, Anne s'est levée, et maintenant va vers son époux toute riante. Elle paraît plus jeune et plus belle. Je ne te savais pas, poète, dit son mari en la regardant avec une admiration manifeste. On ne croirait pas de vieux époux. En leur regard, c'est une tendresse de jeune mariée. Je viens du fond du jardin, t'ayant entendu chanter. Cela fait des années que je n'avais entendu ta voix de tourterelle énamourée. Veux-tu me répéter ce chant? « Je te le redirai, même si tu ne me le demandais pas. » Les fils d'Israël ont toujours confié au chant les cris les plus vrais de leurs espérances, de leur joie, de leur peine. J'ai confié à mon chant le soin de me dire et de te dire une grande joie. Oui, même de me la redire. Ces choses si grandes que bien qu'en étant certaines, elles me semblent encore irréelles. Et elle recommence le chant mais, arrivée à ce passage Sur cette branche est une rose, est un fruit des plus doux, c'est une étoile, sa voix vibrante de contralto devient d'abord tremblante, et puis se brise. Avec un sanglot de joie, elle regarde Joachim, et levant les bras, elle crie. Je suis mère, mon aimé. Et elle se réfugie sur son cœur entre les bras qu'il lui tend et que maintenant il resserre autour de son heureuse épouse. Le plus chaste et le plus heureux embrassement que j'ai jamais vu depuis que je suis au monde chaste et ardent dans sa chasteté puis le doux reproche à travers la chevelure grisonnante d'Anne. Et tu ne me l'as pas dit? C'est que je voulais en être certaine vieille comme je suis, me savoir maman Vraiment, je ne pouvais le croire, et je ne voulais pas te causer une déception plus amère que tout. C'est depuis la fin de décembre que je sens un renouveau de mes entrailles, la poussée d'un nouveau rameau. Mais maintenant, sur ce rameau, c'est le fruit, c'est sûr. Tu vois, cette toile est déjà pour celui qui va arriver. N'est ce pas le lin que tu as acheté à Jérusalem en octobre? Oui, puis je l'ai filé dans l'attente et l'espoir. J'espérais, le dernier jour, pendant que je priais au temple, le plus près possible de la maison de Dieu qu'il soit permis à une femme, il se faisait tard, tu te souviens, que je dis, encore, encore un peu, je ne pouvais m'arrêcher à ce lieu sans avoir obtenu la grâce. Eh bien dans l'ombre qui déjà descendait de l'intérieur du lieu sacré, dont je sentais une forte attraction de toute mon âme pour y arracher un oui du Dieu qui y est présent, j'ai vu partir une lumière, une merveilleuse étincelle de lumière, claire et douce comme la lumière lunaire. Pourtant, elle portait avec elle l'éclat de toutes les perles et gemmes de la terre. Il me semblait, des étoiles précieuses du voile, les étoiles qui sont sous les pieds des chérubins se détachaient et prenait la splendeur d'une lumière surnaturelle. Il semblait que de l'au delà du voile sacré, de la gloire elle même, un feu rapide était venu vers moi, et en traversant l'air disait comme une voix céleste. Ce que tu as demandé t'arrive. C'est pour cela que je chante. Une étoile viendra vers toi. Quel fils sera ce jamais que le nôtre qui se manifeste comme la lumière d'une étoile dans le temple et qui dit. C'est moi dans la fête des lumières. Je pense que tu avais vu juste en me regardant comme une nouvelle Anna d'El Cana. Comment l'appellerons nous, notre créature, que doucement comme le murmure d'un ruisseau, je sens en mon sein, qui me parle par les battements de son petit cœur comme une tourterelle que l'on tient au creux de la main si c'est un garçon, nous l'appellerons Samuel. Si c'est une fille, étoile. Le mot qui a terminé ton chant pour me donner la joie de me savoir père, la forme qu'elle a prise pour se manifester dans l'ombre sacrée du temple. Étoile, notre étoile. Oui, je ne sais pas, je pense, je pense que ce sera une fille. Il me semble que des caresses si douces ne peuvent venir qu'une très douce petite en effet, je ne la porte pas, je ne souffre pas. C'est elle qui me porte sur un sentier d'azur et de fleurs comme si j'étais la petite sœur des anges saints et que la terre fût déjà lointaine. J'ai souvent entendu dire à des femmes que concevoir et porter l'enfant était douloureux mais moi je n'éprouve pas de douleur. Je me sens forte, jeune, fraîche, plus que lorsque je t'ai donné ma virginité à l'époque de ma jeunesse lointaine. Fille de Dieu, car elle est de Dieu plus que de nous, cette fleur éclose sur un tronc desséché, elle ne cause pas de peine à sa maman, elle ne lui apporte que paix et bénédiction, fruit de Dieu, son vrai père. Alors nous l'appellerons Marie, étoile de notre mère, perle, bonheur. C'est le nom de la première grande femme d'Israël, mais elle n'offensera jamais le Seigneur. À lui seul, elle chantera le poème de sa vie, car elle lui est offerte, hostie avant de naître. C'est notre offrande à lui. Oui, garçon ou fille, lorsqu'elle aura fait notre joie pendant trois années, nous donnerons notre créature au Seigneur, hostie nous aussi, avec elle pour la gloire de Dieu. Je ne vois ni n'entends plus rien. Chapitre 6 La tache ne fut jamais privée du souvenir de Dieu. Jésus dit La sagesse, après les avoir éclairées par les songes de la nuit, descendit elle-même, émanation de la puissance de Dieu et de la gloire du Tout-Puissant. Et se fit parole pour la stérile. Celui qui voyait désormais très proche le temps de la rédemption, moi le Christ, petit-fils d'Anne, opéra des miracles sur les stériles et les malades, les possédés, les affligés sur toutes les misères de la terre. Mais cependant, dans la joie d'avoir une mère, voici que je murmure une parole cachée dans l'ombre du temple qui renfermait les espérances d'Israël, du temple qui était désormais à la limite de son existence, puisque le nouveau temple, le vrai, qui ne contient plus les espérances d'un peuple, mais la certitude du paradis pour la population de toute la terre, à travers la succession des siècles jusqu'à la fin du monde, est sur le point d'être sur la terre. Cette parole opère le miracle de rendre fécond le saint stérile. Elle me donne une mère qui n'eut pas seulement une parfaite nature, comme ce devrait être, puisqu'elle naissait de deux saints, elle n'aurait pas seulement une âme bonne comme beaucoup d'autres, un développement continu de cette bonté par les excellentes dispositions de sa volonté, pas seulement un corps immaculé, mais seule entre toutes les créatures, elle eut l'esprit immaculé. Tu as vu la génération continuelle des âmes par Dieu. Maintenant, pense quelle devait être la beauté de cette âme qui était objet des prédilections du Père avant que le temps existât, de cette âme qui faisait les délices de la Sainte Trinité, la Trinité qui brûlait de l'ornée de ses dons pour s'en faire don à elle-même. Ô oh, toute sainte que Dieu créa pour lui-même et après pour le salut des hommes devant porter le Sauveur, tu fus l'origine du salut. Paradis vivant, par ton sourire, tu as commencé de sanctifier la terre. L'âme créée pour être celle de la Mère de Dieu. Quand d'un plus vivant tressaillement du triple amour jaillit cette étincelle vivetale, les anges en éprouvèrent une joie extraordinaire, puisque le paradis n'avait jamais vu une lumière aussi vive. Comme un pétale d'une rose célestiale, un pétale immatériel et précieux, qui semble gemme et flamme, qui était le souffle de Dieu, qui descendait pour animer une chair bien autrement que pour les autres, qui descendait si puissante en son incandescence que la faute ne put l'atteindre. Elle traversa les espaces et alla s'enfermer en un saint sanctifié. La terre possédée elle ne le savait pas encore sa fleur, la vraie la fleur unique dont l'épanouissement est éternel, lys et rose violette et jasmin élantes et cyclamène fondues ensemble et avec eux toutes les fleurs de la terre fondues en une seule fleur marie en qui s'unissent toutes les vertus et toutes les grâces en avril. La terre de Palestine paraissait un immense jardin où parfums et couleurs étaient au cœur des hommes un don délicieux. Mais elle était encore ignorée, la rose la plus belle. Déjà elle fleurissait pour Dieu dans le secret du saint maternel, car ma mère aima dès le premier instant de sa conception. C'est seulement le moment où la vigne donne son sang pour en faire du vin, quand le mou sucré et fort emplit l'air et les narines, qu'elle avait souri, d'abord à Dieu, puis au monde, disant en cet ineffable sourire, la voilà, la vigne qui donnera la grappe destinée à être foulée au pressoir, pour devenir à votre mal une médecine éternelle, voilà, elle est au milieu de vous. J'ai dit, Marie aima dès le premier instant de sa conception. Qu'est-ce qui donne à l'esprit lumière et connaissance La grâce. Qu'est-ce qui les fait disparaître Le péché d'origine et le péché mortel. Marie, la sans tache, ne fut jamais privée du souvenir de Dieu, de son voisinage, de son amour, de sa lumière, de sa sagesse. Elle put donc comprendre et aimer. Quand elle n'était encore qu'une chair qui se formait autour d'une âme immaculée qui continuait d'aimer. Plus tard, je te ferai contempler en esprit les abîmes de la virginité en Marie. Tu en éprouveras un vertige céleste, comme quand je t'ai fait considérer notre éternité. Déjà, considère comment le fait de porter en son sein une créature exempte de la tâche qui prive de Dieu puisse donner à la mère qui l'a seulement conçue naturellement, humainement, une intelligence supérieure et en fait un prophète, le prophète de sa fille qu'elle déclare, fille de Dieu. Et pense qu'elle aurait été l'état des premiers parents innocents s'il leur était né des fils innocents selon la volonté de Dieu. Voilà, ô homme, qui dites viser au surhomme, et qui avec vos vices vous vous dirigez vers le super démon. Il y avait là le moyen d'arriver au surhomme, savoir échapper à l'influence néfaste de Satan pour laisser à Dieu l'organisation de la vie, du savoir, du bien, en ne désirant rien de plus. Et c'était un peu moins que l'infini, que ce que Dieu vous avait donné pour pouvoir engendrer en une continuelle évolution vers la perfection des fils qui auraient été hommes en leur corps et fils de l'intelligence en leur esprit, c'est-à-dire triomphants, c'est-à-dire puissants, c'est-à-dire géants face à Satan, qui auraient été cloués par terre tant de milliers de siècles avant l'heure où il le sera et avec lui tout le mal qu'est en lui. Chapitre 7. Naissance de la Vierge Marie. Je vois Anne qui sort du jardin potager. Elle s'appuie au bras d'une parente, sûrement parce qu'elle lui ressemble. Elle est très grosse et paraît fatiguée, peut-être aussi du fait de la chaleur, toute pareille à celle qui m'accable. Bien que le jardin soit ombragé, pourtant l'air est brûlant, accablant, un air à couper au couteau comme une pâte molle, et chaude tellement il est lourd sous un ciel impitoyablement azuré que la poussière en suspension dans l'air assombrit légèrement. Depuis longtemps, ce doit être la sécheresse, parce que la terre là où elle n'est pas arrosée est littéralement réduite en une très fine poussière presque blanche, d'un blanc qui tend légèrement vers le rose sale, tandis qu'elle est marron rouge foncé à cause de l'arrosage au pied des plantes ou le long des plates-bandes où poussent des rangs de légumes et autour des rosiers, des jasmins et autres fleurs et fleurettes qui se trouvent surtout devant et en bordure d'une belle tonnelle qui coupe en deux le verger jusqu'au commencement des champs dont les avoines sont récoltées. Même l'herbe du pré qui marque l'extrémité de la propriété est sèche et rase. À la limite seulement, là où se trouve une haie, d'aubépines sauvages, déjà toutes constellées des rubis de ses petits fruits, l'herbe est plus verte et épaisse, et là, à la recherche de pâture et d'ombre, il y a des brebis avec un petit berger. Joachim est autour des rangées de légumes et d'oliviers. Il a avec lui deux hommes pour l'aider. Mais malgré son âge, il est alerte et travaille avec goût. Ils sont en train d'ouvrir de petites rigoles aux limites d'un champ pour donner de l'eau aux plantes assoiffées. Et l'eau se fraye un chemin en bouillonnant à travers l'herbe et la terre sèche et forme des boucles qui, pendant un moment, ont l'aspect d'un cristal jaunâtre, et puis ils ne sont plus que des cercles obscurs de terre humide autour des pieds de vigne et des oliviers lourdement chargés. À travers la tonnelle ombragée sous laquelle des abeilles d'or bourdonnent avides du suc des grimblons de raisin, lentement Anne se dirige vers Joachim, qui, l'apercevant, se hâte d'aller à sa rencontre. Tu es venu jusqu'ici? La maison est chaude comme un four. Et tu en souffres. L'unique souffrance de mes derniers moments de grossesse, c'est la souffrance de tous, hommes et bêtes. Ne reste pas trop à la chaleur, Joachim. L'eau qu'on espère depuis si longtemps, et qui depuis trois jours semblait être proche, n'est pas encore venue. Et la campagne brûle. Heureusement qu'il y a pour nous la source au débit si abondant. J'ai ouvert des canaux d'arrosage. Faible soulagement pour les plantes dont les feuilles sont fanées et couvertes de poussière mais ce n'est que pour les empêcher de mourir. S'il pouvait pleuvoir. Joachim, avec l'angoisse de tous les cultivateurs, scrute le ciel pendant qu'Anne s'évente avec un éventail qui semble fait d'une feuille sèche de palmiers entrelacée de fils multicolores qui la tiennent rigide. La parente dit, là-bas, au-delà du grand Hermont, surgissent des nuages rapides. Le vent vient du nord. Il rafraîchira et peut-être donnera de l'eau. Cela fait trois jours qu'il se lève et qu'il tombe au lever de la lune. Ce sera encore la même chose. Joachim est découragé. Retournons à la maison, Diane. Ici aussi on a du mal à respirer, et puis je pense qu'il vaut mieux revenir. Elle semble encore plus olivâtre à cause d'une pâleur qui a envahi son visage. Tu souffres? Non, mais j'éprouve cette grande paix que j'ai éprouvée au temple quand me fut faite la grâce et que j'ai ressentie aussi quand j'ai su que j'allais être mère. C'est comme une extase, une douce somnolence corporelle pendant que l'esprit jubile et s'apaise en une paix à laquelle rien n'est humainement comparable. Je t'ai aimé, Joachim, et quand je suis entrée dans ta maison et que je me suis dit je suis l'épouse d'un homme juste, j'ai eu un sentiment de paix, et de même toutes les fois que ton amour prévoyant prenait soin de ton âme. Mais cette paix que j'éprouve, ce n'est pas la même chose. Vois, je crois que c'est une paix comme celle qui, à la manière de l'huile qui suavement s'étend, devait envahir l'esprit de Jacob notre père après son songe des anges, et mieux encore semblable à la paix délicieuse des deux Tobies quand Raphaël se manifesta à eux. Elle me pénètre profondément, et à mesure que je la goûte, elle grandit de plus en plus. C'est comme si je m'élevais dans les espaces azurés du ciel, et je ne sais pourquoi depuis l'instant où j'ai cette paisible joie au cœur, un cantique naît en mon cœur, celui de Tobie. Il me semble qu'il a été écrit pour cette heure, pour cette joie, pour la terre d'Israël qui la reçoit, pour Jérusalem pécheresse, et maintenant pardonnée. Mais ne riez pas des délires d'une mère, mais quand je dis remercie le Seigneur pour les biens qu'il t'a accordés, béni l'Éternel, pour qu'il reconstruise en toi son tabernacle. Je pense que celui qui reconstruira en Jérusalem le tabernacle du vrai Dieu, ce sera cette créature qui va naître. Et je pense encore que ce n'est plus de la cité sainte, mais de l'être qui va naître de moi, que le destin a prophétisé, quand le cantique dit tu brilleras d'une lumière éclatante. Tous les peuples de la terre se prosterneront devant toi. Les nations viendront vers toi pour t'apporter des présents. Ils adoreront en toi le Seigneur et garderont ta terre comme une terre sainte parce que, en toi, elles invoqueront le grand nom. Tu seras heureuse en tes fils parce que tous seront bénis et se réuniront près du seigneur heureux ceux qui t'aiment et jouissent de ta paix et la première à en jouir c'est moi sa bienheureuse mère anne change de couleur en disant ces paroles et resplendit comme un être qui passe de lumière lunaire à un grand feu et vice versa des douces larmes coulent le long de ses joues elle ne les remarque pas et sourit à son bonheur, et tout en parlant, elle se dirige vers la maison entre son époux et sa parente qui l'écoute silencieusement, saisie par l'émotion. Il se hâte parce que les nuages poussés par un vent violent courent et s'accumulent à travers le ciel et la plaine s'assombrit et s'agite annonçant la tempête. Quand ils arrivent au seuil de la maison, un premier éclair bleuâtre déchire le ciel et la rumeur d'un premier coup de tonnerre rappelle le roulement d'une énorme grosse caisse qui se mêle au bruissement des premières gouttes sur les feuilles brûlées. Tout le monde rentre et Anne se retire pendant que Joachim, rejoint par ses aides, parle sur le seuil de l'eau tant attendue qui est bénédiction pour la terre desséchée mais la joie fait place à la crainte, parce qu'il s'élève une effroyable tempête qu'accompagnent les éclairs et des nuages chargés de grêle. Si la nuée se déchire, le raisin et les olives seront broyés comme sous la meule. Malheur pour nous. Une autre angoisse saisit ensuite Joachim pour son épouse pour qui le moment est venu d'accoucher. La parente lui donne la nouvelle Rassurante, qu'Anne ne souffre pas du tout, mais lui est troublé. La parente ou d'autres femmes et parmi elles la mère d'Alphée sortent de l'appartement d'Anne pour revenir ensuite avec des bassins d'eau chaude et des linges séchés à la flamme du feu qui jaillit joyeux et splendide du foyer au milieu de la grande cuisine. Et à chacune, Joachim demande des nouvelles et ne se tranquillise pas à leurs déclarations. Même l'absence de cris de la part d'Anne le préoccupe. Il dit :« Je suis un homme et n'ai jamais assisté à un enfantement, mais je me souviens avoir entendu dire que l'absence de douleur est un très mauvais signe. » La nuit arrive, avancée par la tempête qui est d'une extraordinaire violence, d'eau. Vent éclaire tout à la fois sauf la grêle qui est allée s'abattre ailleurs. Un des garçons remarque cette violence et déclare On dirait que Satan est sorti de l'enfer avec tous ses diables. Regarde ces nuées noires, sans l'odeur de soufre répandue dans l'air, ces sifflements sinistres, ces cris de lamentation et de malédiction. Si c'est lui, il est furieux ce soir. L'autre garçon rit et répond une grande proie lui aura échappé, ou bien Michel l'a frappé d'un coup de foudre de Dieu, et il en a les cornes et la queue tranchées et brûlées. Passe en courant une femme, et elle crie. Joachim, il va naître. Et tout a été aisé et heureux. Et elle disparaît avec une petite amphore dans les mains. La tempête tombe tout d'un coup, après un dernier coup de foudre si violent qu'il lance contre le mur les trois hommes. Et sur le devant de la maison, dans le sol du jardin, il en reste, en souvenir, un trou noir et fumant. Cependant, un vagissement qui semble être la plainte d'une tourterelle qui, pour la première fois, ne criaille plus, mais roucoule, traverse la porte de la chambre d'Anne. En même temps, un gigantesque arc-en-ciel déploie son demi-cercle sous toute l'étendue du ciel. Il sort, ou du moins, paraît sortir de la cime de l'Hermont qui, baisée par un coup de soleil, semble d'une couleur d'albâtre, d'un blanc rose des plus délicats. Il s'élève jusqu'au très clair ciel de septembre et, passant par des espaces purifiés de toute souillure, survole des collines de la Galilée et de la Plaine qui apparaît au sud, entre deux figuiers et encore une autre montagne, et semble poser son extrémité au bout de l'horizon, là où une chaîne de montagnes abruptes arrête totalement la vue. Quel spectacle jamais vu Regardez, regardez Il semble qu'il encercle toute la terre d'Israël Et déjà, mais regardez Voilà une étoile, alors que le soleil n'est pas encore disparu Quelle étoile elle brille comme un énorme diamant. Et la lune, voilà, c'est la pleine lune, alors qu'il manque encore trois jours pour y arriver. Mais regardez, quelle splendeur. Les femmes surviennent joyeuses, avec un poupon rose dans un linge tout blanc. C'est Marie, la maman, une Marie toute petite qui pourrait dormir entre les deux bras d'un enfant, une Marie pas plus longue que le bras une petite tête d'ivoire teintée légèrement de rose, et des petites lèvres de Carmin qui déjà ne pleurent plus, mais esquissent l'instinctive succion. Mais si petite, qu'on ne voit pas comment elles pourront faire pour saisir l'extrémité du sein. Un petit bout de nez entre deux joues arrondies, et quand avec une sensation, lui font ouvrir ses petits yeux deux morceaux de ciel, deux points innocents qui ont la couleur de l'azur, qui regardent sans voir entre des cils si fins et d'un blond presque rose à force d'être blond. Même les petits cheveux sur la tête ronde ont la teinte rose blonde de certains miel blanc. Pour oreilles deux petites coquilles rosées transparentes parfaites et comme mains Qu'est-ce que ces deux petites choses qui s'agitent en l'air et vont vers la bouche Elles sont fermées maintenant comme deux boutons de rose mousse qui ont fendu les sépales verts et présentent leur soie de rose pâle, et ouvertes, on les dirait deux joyaux d'ivoire ou d'albâtre, à peine rosés, avec cinq ongles grenat clair. Comment feront-elles ces mains pour essuyer tant de larmes Et les pieds où sont-ils pour l'instant, ce ne sont que de petits petons enfouis dans les langes de lin. Mais voilà que la parente s'assied et les découvre. Oh, les petits pieds Quatre centimètres et leur plante, c'est une coquille couleur de corail. Le dessus, c'est encore une coquille, comme de la neige veinée d'azur. Les doigts sont des chefs-d'œuvre de sculpture illiputienne, couronnés aussi de petites écailles clair. Mais comment trouvera t-on des sandalettes quand ces petits pieds de poupée feront leurs premiers pas? Ces pieds si petits qu'on se demande comment peuvent ils permettre de rester debout? Et comment feront ils ces petits pieds pour faire un si dur chemin et soutenir tant de douleurs sous une croix? Mais maintenant, cela ne se sait pas et on rit et sourit en regardant s'agiter et se démener de belles jambettes, des cuisses en miniature, qui toutes grassouillettes forment avec le petit ventre des fossettes et des replis, une nuque qui surgit d'une petite poitrine parfaite. Sous la soie très blanche, on voit le mouvement de la respiration, et si, comme le Père Heureux, on applique la bouche pour la baiser, on entend battre un petit cœur, un petit cœur qui est le plus beau que la terre ait possédé au cours des siècles, l'unique cœur humain immaculé. Et le dos, voici qu'on la retourne et qu'on voit la courbure des reins, puis les épaules grassouillettes et la nuque rose. Mais voici. La petite tête se dresse sur l'arc des vertèbres et on dirait la tête d'un oiseau qui regarde autour de lui le monde nouveau qu'elle découvre. Elle pousse un petit cri pour protester qu'on la montre ainsi elle la pure la chaste aux yeux de bien des personnes elle qu'on ne verra jamais plus nue la toute vierge la sainte et immaculée couvrez, couvrez ce bouton de lys. Qui ne s'ouvrira jamais sur la terre et qui donnera sa fleur encore plus belle qu'elle, tout en restant un bourgeon. Ce n'est qu'au ciel que le lys du Dieu Trine ouvrira tous ses pétales, parce que là-haut, il n'y a pas la poussière des fautes qui pourrait involontairement profaner cette candeur. Parce que là-haut, on aura à accueillir, à la vue du ciel entier, celui qui maintenant sous peu d'années, cachée dans un cœur sans tache, habitera en elle, père, fils, époux. La voilà de nouveau entre les linges et dans les bras de son père de la terre à qui elle ressemble. Pas maintenant. Maintenant, elle n'est qu'une ébauche d'être humain. Je veux dire qu'elle lui ressemblera devenue femme. De la mère, elle n'a rien du père le teint et la couleur des yeux et aussi des cheveux qui blanchit maintenant étaient assurément blonds comme l'indiquent les sourcils du père les traits plus parfaits et plus affinés, parce que c'est une femme et cette femme. Du père le sourire et le regard, les gestes et la taille. En pensant à Jésus comme je le vois, je trouve que Anne a donné sa taille à son petit-fils et la couleur plus ivoire foncée de la peau. Marie n'a pas la prestance d'Anne, un palmier élevé et souple, mais la gentillesse du père. Les femmes parlent encore de la tempête et du prodige de la lune, de l'étoile, du gigantesque arc-en-ciel. Pendant qu'avec Joachim, elles entrent dans la chambre de l'heureuse mère et lui remettent la petite créature. Anne sourit à sa pensée. C'est l'étoile, dit-elle. Son signe est dans le ciel. Marie, arc-en-ciel de la paix. Marie, mon étoile. Marie, lune brillante. Marie, notre perle. Tu l'appelles Marie? Oui, Marie, étoile perle, lumière, paix. Mais ce nom veut dire aussi amertume. Ne crains tu pas qu'il lui porte malheur? Dieu est avec elle elle est à lui avant d'exister. Il la conduira par ses chemins, et toute amertume se transformera en un miel paradisiaque. Maintenant, tu es chez ta maman encore un peu de temps avant d'être tout à Dieu. Et la vision s'achève sur le premier sommeil d'âme devenue mère et de Marie, son enfant. Chapitre 8 Son âme apparaît belle et intacte comme quand Dieu la pensa. Jésus dit Lève-toi en hâte, ma petite amie, j'ai un ardent désir de te porter avec moi dans l'azur paradisiaque de la contemplation de la virginité de Marie. Tu en sortiras avec l'âme aussi fraîche que si tu venais d'être créée par le Père, petite Ève, encore ignorante de la chair. Tu en sortiras avec l'esprit illuminé, parce que tu seras plongé dans le chef-d'œuvre de Dieu. Tu en sortiras avec tout ton être débordant d'amour, parce que tu auras compris comme Dieu s'est aimé. Parler de la conception de Marie, la Santache, cela signifie plonger dans l'azur, dans la lumière, dans l'amour. Viens, et lis ses gloires dans le livre de l'ancêtre. Dieu m'a possédé dès le commencement de ses œuvres, dès le commencement avant la création. Il m'a établi à l'origine des êtres avant que fût créée la terre. Lorsque les abîmes n'existaient pas encore, il m'avait déjà conçu. Les sources d'eau vive ne coulaient pas encore, et les montagnes ne s'étaient pas dressées avec leurs masses imposantes, et les collines n'étaient pas exposées au soleil, que j'étais engendrée. Dieu n'avait pas fait la terre, les fleuves et l'axe du monde, et moi, j'étais. Quand il préparait le ciel, j'étais présente. Quand par l'effet d'une loi immuable, il enferma l'abîme sous la voûte des cieux. Quand dans les hauteurs, il assura la stabilité de la voûte céleste et il fit les sources d'eau vive. Quand il fixait à la mer ses limites et imposait des lois à ses masses d'eau. Quand il ordonnait aux eaux de ne pas franchir leurs limites. Quand il jetait les fondements de la terre, j'étais avec lui pour organiser toutes les choses dans une joie sans fin je jouais au milieu de l'univers vous avez appliqué ces paroles à la sagesse mais elles parlent elle parle d'elle la mère toute belle toute sainte la vierge mère de la sagesse que je suis personnellement moi qui te parle j'ai voulu que tu écrives le premier vers de cet hymne en tête du livre qui parle d'elle pour qu'on reconnaisse et que l'on sache qu'elle est la consolation et la joie de Dieu, la raison de la constante, parfaite, intime joie de ce Dieu un et trine qui vous gouverne et vous aime, et à qui l'homme a donné tant de motifs de tristesse, la raison pour laquelle il a perpétué la race humaine alors qu'à la première épreuve elle méritait la destruction, la raison du pardon que vous avez obtenu. Avoir mari pour en être aimé, Oh. Cela valait bien la peine de créer l'homme, de le laisser vivre, de décréter qu'il serait pardonné, pour avoir la Vierge belle, la Vierge sainte, la Vierge immaculée, la Vierge possédée par l'amour, la fille bien aimée, la mère toute pure, l'épouse aimante. Dieu vous a donné, et vous aurez encore donné davantage pour posséder la créature qui fait ses délices, le soleil de son soleil, la fleur de son jardin. Et il continue à vous donner tellement par elle, sur ses demandes, pour sa joie, parce que sa joie va se confondre avec la joie de Dieu, et l'augmente des lueurs qui font étinceler la lumière, la grande lumière du paradis. Et toute étincelle est une grâce pour l'univers, pour la race humaine, pour les Bienheureux eux mêmes, qui répondent dans un cri étincelant d'Alléluia, pour tout miracle de Dieu, créé par le désir de Dieu Trine de voir l'étincelant sourire de joie de la Vierge. Dieu a voulu donner un roi à l'univers qu'il avait créé du néant, un roi qui fut le premier de nature matérielle parmi toutes les créatures sorties de la matière et elles mêmes matérielles, un roi qui fut un peu moins que divin par sa nature spirituelle, uni à la grâce comme il l'était dans l'innocence de sa première journée, mais l'intelligence suprême, qui connaît tous les événements les plus lointains dans les profondeurs des siècles, qui découvre incessamment tout ce qui était, est et sera, et pendant qu'elle contemple le passé et observe le présent, voilà qu'elle plonge son regard dans l'avenir le plus lointain, et n'ignore pas comment sera la mort du dernier homme, tout cela sans confusion ni discontinuité. Elle n'a jamais ignoré que le roi qu'elle avait prévu, créé pour être semi-divin à ses côtés dans le ciel, héritier du Père, arrivé adulte dans son royaume après avoir vécu dans la maison de sa mère, la terre dont il a été formé, durant son enfance de fils de l'Éternel, pendant son séjour terrestre, elle n'a pas ignoré qu'il aurait commis contre lui-même le crime de tuer en lui la grâce et le vol de se dérober du ciel. Pourquoi alors l'avoir créée Certes, beaucoup se le demandent. Auriez-vous préféré ne pas exister Ne méritait-elle pas, pour elle-même, bien que pauvre et nue, et devenue âpre par votre méchanceté, d'être vécue, cette journée terrestre, pour connaître et admirer l'infinie beauté que la main de Dieu a répandue dans l'univers pour qui aurait il fait ces étoiles et ces planètes qui se déplacent comme des flèches en rayant la voûte du firmament, ou s'avancent avec une lenteur apparente mais majestueuse dans leur course de bolide, vous procurant lumières et saisons, et vous donnant éternel, immuable et pourtant toujours changeant, une nouvelle page à lire sur l'azur chaque soir, chaque mois, chaque année? C'est comme s'il voulait vous dire Oubliez la prison, laissez de côté vos publications remplies de choses obscures, putrides, sales, venimeuses, menteuses, blasphématoires, corruptrices, et élevez vous au moins par le regard vers la liberté sans limite des cieux. Faites vous une âme d'azur en regardant tant de sérénité faites vous une provision de lumière pour l'emporter dans votre noire prison. Lisez la parole que nous écrivons en chantant notre cœur sidéral, plus harmonieux que celui des orgues d'une cathédrale. La parole qu'écrit notre splendeur, la parole qu'écrit notre amour, parce qu'il nous est toujours présent, celui qui nous a donné la joie d'exister, et nous l'aimons pour nous avoir donné cette existence, cette splendeur, ce mouvement, cette liberté et cette beauté au milieu de cet azur plein de suavité, au delà duquel nous voyons un azur encore plus sublime, le paradis. C'est notre être qui nous donne d'accomplir la seconde partie du commandement de l'amour en vous aimant, vous, notre universel prochain, en vous aimant par le don que nous vous faisons, en vous procurant direction et lumière, chaleur et beauté. Lisez la parole que nous disons c'est celle qui inspire notre chant, notre splendeur, notre joie, Dieu. Pour qui aurait-il fait cet azur liquide, miroir du ciel, chemin vers la terre, sourire des eaux, voix des flots, paroles aussi qui, par ce bruissement de soie, ces rires d'enfants paisibles, ces soupirs des vieux qui se souviennent et pleurent, ces soufflets de violence, ces coups de corne, ces mugissements et grondements, toujours ne cesse de parler et dit, Dieu, la mer est pour vous comme les cieux et les astres, et avec la mer, les lacs et les fleuves, les ruisseaux et les étangs et les sources claires, tout ce qui sert à vous porter, à vous nourrir, à vous désaltérer et à vous purifier, et qui vous servent en servant le Créateur sans sortir de leur lit pour vous submerger comme vous le méritez. Pour qui aurait-il fait toutes les innombrables familles des animaux qui sont des fleurs qui volent en chantant qui sont des serviteurs qui courent et travaillent pour vous qui vous nourrissent et vous égayent vous les rois de la création pour qui aurait-il fait toutes les innombrables familles des plantes et des fleurs qui semblent des papillons des gemmes et des oiseaux immobiles des fruits qui paraissent des colliers et des écrins de perles Tapis pour vos pieds, repos pour vos têtes, loisirs, utilité, joie pour l'esprit, pour les membres, la vue, l'odorat Pour qui aurait-il fait les minéraux dans les profondeurs de la terre, les sels dissous dans les sources bouillantes ou glacées, le soufre, l'iode, le brome, sinon pour le plaisir de quelqu'un qui n'est pas Dieu, mais fils de Dieu, un être unique, l'homme À la joie de Dieu, au besoin de dieu rien n'était nécessaire lui se suffit à lui-même sa contemplation et sa béatitude sa nourriture sa vie son repos toute la création n'a pu accroître d'un atome l'infini de sa joie de sa beauté de sa vie de sa puissance tout cela il l'a fait pour sa créature pour celui dont il a voulu faire le roi des choses créées, pour l'homme. Pour voir tant d'œuvres divines et le remercier de la puissance qu'il vous donne, cela valait la peine de vivre, et de votre vie vous devez être reconnaissant. Vous auriez dû l'être, même si vous n'aviez été racheté qu'à la fin des temps. En effet, bien qu'ayant été dans les premiers, et que vous soyez toujours Chacun en particulier prévaricateur, orgueilleux, luxurieux, homicide, Dieu vous accorde encore de jouir de la beauté de l'univers et vous traite comme si vous étiez bon, de bons fils auxquels on apprend et accorde tout pour vous rendre plus douce et plus saine la vie. Ce que vous savez, vous le savez par lumière de Dieu. Tout ce que vous découvrez, c'est sur les indications de Dieu dans le bien. Les autres connaissances et les autres découvertes qui portent le signe du mal viennent du mal suprême, Satan. L'intelligence suprême, qui n'ignore rien, savait avant que l'homme existât qu'il aurait été, par son libre vouloir, voleur et homicide. Et parce que l'éternelle bonté n'a pas de limite dans sa bonté, avant que la faute se produisît, elle pensa au moyen pour la détruire. Le moyen, moi, le verbe. L'instrument pour faire du moyen un instrument efficace, Marie. Et la Vierge fut créée dans la sublime pensée de Dieu. Toutes choses ont été créées pour et par moi, fils bien-aimé du Père. Moi, comme roi, j'aurais dû avoir sous mes pieds de roi divin des tapis et des joyaux Tel que nulle cour royale n'en eut jamais, et des chants et des voix, et des serviteurs pour entourer mon existence, tel que n'en eut jamais aucun souverain, et des fleurs et des gemmes, tout le sublime, tout le grandiose, tout ce qui est gentil, plaisant, tout ce qu'il est possible de tirer de la pensée d'un Dieu. Mais je devais être cher et non seulement esprit chère pour sauver la chair, chère pour sublimer la chair en la portant au ciel beaucoup de siècles avant l'heure, parce que la chair habitée par l'Esprit est le chef d'œuvre de Dieu, et que c'est pour elle qu'avait été créé le ciel. Pour être chair, j'avais besoin d'une mère. Pour être Dieu, j'avais besoin d'un père qui fut Dieu. Voilà pourquoi Dieu créa l'épouse et lui dit Viens avec moi, à mes côtés, vois tout ce que je fais pour notre fils. Regarde et réjouis-toi, éternelle vierge, enfant éternel, et que ton sourire remplisse ce ciel et donne aux anges la note initiale et qu'il enseigne au paradis l'harmonie céleste. Je te regarde et je te vois telle que tu seras, ô femme immaculée, qui maintenant n'est qu'esprit l'esprit en qui je me complais. Je te regarde et donne l'azur de ton regard à la mer et au firmament, la couleur de tes cheveux au grain sain, ta blancheur au lys et ton rose à la rose, semblable à ton épiderme soyeux. Les perles sont tes dents minuscules. Je fais les douces fraises en regardant ta bouche. Je mets au gosier des rossignols les notes de ton chant et à la tourterelle ta plainte. En lisant tes futures pensées, en écoutant les battements de ton cœur, je possède le modèle et le guide de la création. Viens, ma joie. Pour toi, les mondes sont comme des amusements jusqu'à ce que tu seras dans ma pensée la lumière dansante. Voilà les mondes pour ton sourire. Pour toi, les guirlandes des étoiles et les colliers d'astres, la lune sous tes pieds gentils. Fais-toi une écharpe des étoiles de la voie lactée. Elles sont pour toi les étoiles et les planètes. Viens et réjouis-toi la vue des fleurs qu'amuseront ton enfant et feront un oreiller au fils de ton sein. Viens et contemple la création des troupeaux et des agneaux, celle des aigles et des colombes. Sois-moi toute proche pendant que je fais les vasques des mers et des fleuves, que je dresse les montagnes et les couvre de neige et de forêts. Pendant que je sème les blés et plante les arbres et les vignes, et l'olivier pour toi ma pacifique, et la vigne pour toi mon sarment qui portera la grappe eucharistique. Accours, vole, jubile ô oh ma belle, et l'univers qui se crée d'heure en heure, prépare-le à m'aimer, amoureuse, et qu'il devienne plus beau par ton sourire, mère de mon fils, reine de mon paradis, amour de ton Dieu. Et encore en voyant l'erreur et en admirant la sans erreur, viens vers moi, toi qui effaces l'amertume de la désobéissance humaine, de la fornication humaine avec Satan, et de l'humaine ingratitude. Je prendrai avec toi ma revanche sur Satan. Dieu, le Père Créateur, avait créé l'homme et la femme avec une loi d'amour si parfaite que vous ne pouvez plus en aucune façon en comprendre la perfection. Et vous vous égarez, en pensant comment aurait été l'espèce humaine si l'homme ne l'eût pas soumise aux directives de Satan. Considérez les plantes dans leurs fruits et leurs graines. Obtiennent-elles semences et fruits par suite de fornication et par l'effet d'une fécondation entre cent unions Non. De la fleur mâle sort le pollen, dirigé par un ensemble de lois météoriques et magnétiques, il va vers l'ovaire de la fleur femelle. Celle-ci s'ouvre. Le reçoit et produit. Elle ne se souille pas, le refusant ensuite, comme vous faites, pour éprouver le lendemain la même sensation. Elle produit jusqu'à la nouvelle saison. Elle ne fleurit pas, et quand elle fleurit, c'est en vue de la reproduction. Considérez les animaux, tous les animaux. Avez-vous jamais vu un mâle et une femelle aller l'un vers l'autre pour un stérile embrassement et une relation impure? Non, de près ou de loin, en volant ou en rampant, en sautant ou en courant, ils accomplissent le rite de la fécondation sans s'y soustraire, en s'arrêtant à la jouissance, mais ils vont jusqu'aux conséquences sérieuses et saintes de la perpétuation de la race, l'unique but. L'homme demi-dieu par son origine divine d'une grâce que je lui ai donnée entière devrait accepter uniquement dans le même but l'acte animal qui s'impose depuis que vous êtes descendu d'un degré dans l'ordre de l'animalité. Vous n'agissez pas comme les plantes et les animaux. Vous avez eu comme maître Satan, vous l'avez voulu comme maître et le voulez encore, et les actes que vous faites sont dignes du maître que vous avez voulu. Mais si vous aviez été fidèle à Dieu, vous auriez eu la joie d'avoir des enfants saintement, sans douleur, sans vous livrer à des unions obscènes, indignes, qu'ignorent les animaux eux-mêmes, les animaux sans âme raisonnable et spirituelle. À l'homme et à la femme pervertie par Satan, Dieu a voulu opposer l'homme né d'une femme super sublimée par Dieu, au point d'engendrer sans avoir connu l'homme fleur qui engendre, fleur sans besoin de fécondation matérielle, mais qui devient mère par l'effet d'un seul baiser du soleil sur le calice inviolé du lys Marie, la revanche de Dieu. Siffle au Satan, ta haine, pendant qu'elle naît, cette petite fille t'a vaincu, avant que tu fusses le rebelle, le tortueux, le corrupteur, tu as été déjà le vaincu, et elle, ta victorieuse. Mille armées rangées en bataille ne peuvent rien contre ta puissance. Les armes tombent des mains des hommes contre tes écailles, ô perpétuel corrupteur, et il n'est pas de vent assez fort pour dissiper la puanteur de ton haleine. Et pourtant, ce talon d'enfant, si rose comme l'intérieur d'un camélia rosé, si lisse et délicat que la soie paraît rugueuse en comparaison, qui est si petit qu'il pourrait entrer dans le calice d'une tulipe et se faire de ce satin végétal une chaussure, voilà qu'il t'écrase sans peur, et te renferme en ton antre. Voilà que son seul vagissement te met en fuite, toi qui ne redoutes pas les armées, et que son souffle purifie le monde de ta puanteur. Tu es vaincu. Son nom, son regard, sa pureté, son lance, Foudre et pierre qui te transpercent, te clouent par terre, te renferment dans ta tanière infernale, ô oh, maudit qui a enlevé à Dieu la joie d'être père de tous les hommes créés. C'est inutilement désormais que tu les as corrompus, ceux qui avaient été créés dans l'état d'innocence, en les portant à s'unir et à concevoir au travers de détours luxurieux, privant Dieu dans sa créature aimée, de leur accorder des enfants selon des règles qui, si elles avaient été respectées, auraient maintenu sur la terre un équilibre entre les sexes et les races, capable d'empêcher les guerres entre les peuples et les malheurs dans les familles. En obéissant, ils auraient pourtant connu l'amour, et ils l'auraient eu. Une possession pleine et tranquille de cette émanation de Dieu qui du surnaturel descend au naturel pour que la chair aussi en éprouve une joie sainte. Elle qui est unie à l'esprit est créée par le même qui a créé l'esprit. Maintenant votre amour, ô homme, vos amours que sont ils? Ils sont ou luxure qui prend les apparences de l'amour, ou peur inguérissable de perdre l'amour du conjoint à cause de sa luxure et des autres. Vous n'êtes jamais plus certain de posséder le cœur de l'époux ou de l'épouse depuis que la luxure a envahi le monde. Et vous tremblez et pleurez et devenez fous de jalousie, assassins parfois, pour venger une trahison, et désespérés en d'autres cas, frappés d'abolie ou de démence. Voilà ce que tu as fait, Satan, au Fils de Dieu. Ce que tu as corrompu aurait connu la joie d'avoir des enfants sans douleur, la joie de venir au jour et de mourir sans crainte. Mais maintenant, tu es vaincu en une femme et par la femme. À partir de cette heure, qui l'aimera, retournera à être de Dieu, surmontant tes tentations pour pouvoir conserver sa pureté immaculée. Désormais, ne pouvant être mère sans douleur, les femmes auront son réconfort. Désormais elle sera pour les époux un guide et pour les mourants une mère. Grâce à laquelle il sera doux de mourir sur ce sein qui les défendra contre toi, maudit, et contre le jugement de Dieu. Marie, Valtorta, petite voix de Dieu, tu as vu la naissance du Fils de la Vierge et la naissance au ciel de sa mère. Tu as donc vu qu'en dehors de la faute, la peine de mettre au monde et celle de mourir est inconnue. Mais si à la super innocente mère de Dieu a été réservée la perfection des dons célestes, à tous ceux qui, descendant des premiers parents, seraient restés innocents et fils de Dieu, il aurait été donné d'engendrer sans douleur, comme il se devait, pour avoir su s'unir et concevoir sans luxure et de mourir sans angoisse. La sublime revanche de Dieu sur la revanche de Satan a été de porter la perfection de la créature aimée à une super perfection qui, au moins dans une créature, a neutralisé tout souvenir d'humanité susceptible de donner accès au poison de Satan. C'est ainsi que, non pas à la suite d'une chaste union humaine, mais par un divin embrassement qui transfigure l'esprit dans l'extase du feu, est venu au monde le Fils la virginité de la Vierge. Viens, médite les profondeurs de cette virginité dont la contemplation donne le vertige de l'abîme. Qu'est ce que la pauvre virginité forcée de la femme qu'aucun homme n'a épousée? Moins que rien. Qu'est ce que la virginité de celle qui veut être vierge pour être à Dieu, mais ne sait l'être que dans son corps, pas dans son esprit, en qui elle laisse pénétrer tant de pensées étrangères et caresse et accepte la caresse de pensées humaines. Cela commence à être une larve de virginité. Mais c'est bien peu de choses encore. Qu'est-ce que la virginité d'une cloîtrée qui ne vit que de Dieu? Beaucoup. Mais ce n'est pas toujours une virginité parfaite à l'égard de celle de ma mère. Une connivence inconsciente Existe toujours. Même chez le plus saint, celle-là originelle de l'esprit avec le péché, c'est celle dont le baptême a franchi. Il en a franchi, mais de même qu'une femme séparée de son époux par la mort ne retrouve pas une virginité totale, ainsi le baptême ne rend pas cette virginité totale qui était celle de nos premiers parents avant la faute. Une cicatrice persiste, douloureuse, qui ne s'oublie pas. Et se trouve toujours en situation de ramener une plaie, comme certaines maladies dont périodiquement les virus redeviennent actifs. Chez la Vierge, il n'y a pas trace de connivence avec la faute. Son âme se manifeste belle et intacte, comme quand le Père la pensa, réunissant en elle toutes les grâces. C'est la Vierge, c'est l'unique, c'est la parfaite, c'est la complète, telle que pensée, Telle qu'engendrée, elle demeure. Telle, elle est couronnée et demeure éternellement. C'est la Vierge. C'est l'abîme de l'intangibilité, de la pureté, de la grâce qui se perd dans l'abîme d'où elle est jaillie en Dieu. Intangibilité, pureté, grâce absolue au superlatif. Voici la revanche du Dieu Trine et Un. À l'encontre de toutes les créatures profanées, il dresse cette étoile de perfection contre la curiosité malsaine, cette réservée qui se satisfait du seul amour de Dieu contre la science du mal, cette sublime ignorante en elle non seulement ignorance d'un amour avili, non seulement ignorance de l'amour que Dieu avait accordé au couple humain, mais davantage encore en elle c'est l'ignorance d'une fièvre pernicieuse héritage du péché. En elle il n'y a que la sagesse à la fois gelée et incandescente de l'amour divin, feu qui glace la chair pour en faire un miroir parfait à l'autel où Dieu épouse une vierge et ne s'avilit pas, parce que sa perfection enveloppe celle qui est, ainsi qu'il convient à une épouse d'un degré seulement inférieur à l'époux, soumise à lui en tant que femme, mais comme lui, sans tâche. Chapitre 9 D'ici trois années, tu seras là, mon Lys. Je vois Joachim et Anne avec Zacharie et Elisabeth. Ils sortent d'une maison de Jérusalem, certainement maison d'amis ou de parents. Ils se dirigent vers le temple pour la cérémonie de la purification. Anne a entre ses bras l'enfant, bien emmailloté, mais surtout enveloppé dans une couverture de laine légère qui doit être douce et chaude, et avec quelle précaution et quel amour elle porte et surveille sa petite créature, soulevant de temps à autre le bord du fin et chaud tissu pour voir si Marie respire bien, et la recouvrant ensuite pour l'abriter de l'air froid d'une belle mais froide journée de plein hiver. Élisabeth a des paquets entre les mains Joachim amène avec une corde les deux agneaux gros et très blancs, des moutons déjà plutôt que des agneaux. Zacharie ne porte rien. Il est très beau dans son habit de lin, qu'un lourd manteau de laine aussi blanche laisse entrevoir. Un Zacharie beaucoup plus jeune que celui que j'ai déjà vu à la naissance du Baptiste et en pleine force. Élisabeth aussi est une femme d'âge mûr, mais qui semble encore fraîche. Chaque fois qu'Anne regarde le bébé, elle se penche extasiée sur le petit visage endormi. Elle aussi est très belle dans un vêtement d'azur qui tend au violet foncé, avec un voile qui lui couvre la tête et descend sur les épaules et sur le manteau plus foncé que la robe. Mais Joachim et Anne surtout sont solennels dans leur habit de fête. Contrairement à son habitude, il n'a pas sa tunique marron foncé, mais un long habit d'un rouge très foncé, comme nous dirions maintenant, rouge Saint-Joseph, et les franges de son manteau sont toutes neuves et jolies. Sur la tête, il porte aussi une sorte de voile rectangulaire, entourée d'une bande circulaire de cuir. Tous ses effets sont neufs et fins. Anne! Oh, ce n'est pas un habit foncé aujourd'hui. Elle a un vêtement d'un jaune très clair, presque couleur de vieille ivoire, serré à la ceinture. Au cou et au poignet, d'une bande qui semble d'argent et d'or. La tête est couverte d'un voile très fin qui semble damassé et aussi retenue sur le front par une mince lame précieuse. Au cou, un collier d'orfèvrerie et au poignet des bracelets. On dirait une vraie reine pour la dignité avec laquelle elle porte le vêtement et surtout le manteau d'un jaune clair bordé d'une grecque en très belle broderie teinte sur teinte. Il me semble te voir le jour de ton mariage. Je n'étais qu'une fillette alors, mais je me souviens encore comme tu étais belle et heureuse, lui dit Élisabeth. Mais maintenant, je le suis encore davantage. J'ai voulu mettre la même parure pour cette cérémonie. Je l'avais gardée pour ce jour de fête, et je n'espérais plus la mettre pour un jour pareil. Le Seigneur t'a beaucoup aimée, dit Élisabeth avec un soupir. C'est pour cela que je lui donne ce que j'aime le plus, cette fleur, ma fleur. Comment feras tu pour l'arracher de ton sein quand l'heure sera venue? Je me rappellerai que je ne l'avais pas, et que c'est Dieu qui me l'a donnée. Je serai toujours plus heureuse à cette heure là quand je la saurai au temple, je me dirai. Elle prie près du tabernacle, elle prie le Dieu d'Israël pour sa maman aussi. J'en ressentirai la paix, et j'éprouverai une plus grande paix en me disant. Elle est toute à lui. Quand ces deux vieillards qui l'ont reçu du ciel ne seront plus, lui l'Éternel sera encore son père. Crois moi, j'en ai la certitude. Cet enfant ne nous appartient pas. Je n'étais plus en état de rien faire. Lui l'a mise en mon sein, don divin pour essuyer mes larmes, raffermir notre espérance et notre prière. Elle est donc à lui. Pour nous, nous en sommes les heureux gardiens. Qu'il en soit béni. On arrive au mur du temple. Pendant que vous allez à la porte Nicanor, je vais prévenir le prêtre. Ensuite, je viendrai moi aussi, dit Zacharie. Et il disparaît derrière une arcade qui donne accès dans une grande cour entourée de portiques. Le groupe continue à avancer par les terrasses successives parce que je ne sais si j'en ai jamais parlé, l'enclos du temple n'est pas au même niveau, mais il monte par paliers successifs de plus en plus élevés. On accède par des marches à chaque palier, et à chaque palier, il y a des petites cours, des portiques et des entrées magnifiquement travaillées, de marbre, bronze et or. Avant de rejoindre le lieu du rendez-vous, on s'arrête pour sortir de leur emballage les choses apportées à savoir des galettes, me semble t-il, larges et plates, bien beurrées, de la farine blanche, deux colombes dans une cage d'osier, et deux grosses pièces d'argent. Certaines pièces de monnaie tellement lourdes qu'heureusement qu'à cette époque il n'y avait pas de poche. Elles les auraient défoncées. Voici la belle porte de Nicanor. Tout un travail de broderie en bronze massif, laminé d'argent. Zacharie est déjà là, à côté d'un prêtre majestueux dans son habit de lin. Anne reçoit l'aspersion d'une no, eau lustrale, je suppose. Ensuite, on lui ordonne d'avancer vers l'autel du sacrifice. L'enfant n'est plus dans les bras de la mère. Élisabeth l'a prise et elle reste en dehors de l'entrée. À son tour, Joachim entre derrière sa femme, tirant à reculons un malheureux agneau qui bêle. Et moi, je fais comme pour la purification de Marie, je ferme les yeux pour ne pas voir tout ce carnage. Maintenant, Anne est purifiée. Zacharie dit doucement quelques mots à son collègue qui les écoute avec un sourire. Et puis, ce dernier rejoint le groupe qui s'est reformé et, félicitant le père et la mère pour leur joie et leur foi aux promesses, reçoit le deuxième agneau, la farine et les galettes. Cette fille est donc consacrée au Seigneur. Sa bénédiction l'accompagnera, et vous pareillement. Voici une autre Anne qui arrive. Ce sera une de ses maîtresses, Anne de Fanuel de la tribu d'Azer. Viens, femme, cet enfant, on l'offre au temple. Tu seras sa maîtresse, et sous ta garde, elle croîtra en sainteté, comme une hostie de louange. Anne de Fanuel, déjà toute blanche, caresse l'enfant qui s'est éveillé et regarde de ses yeux innocents et étonnés tout cette blancheur, tout cet or qui brille au soleil. La cérémonie doit être achevée. Je n'ai pas vu de rite spécial pour l'offrande de Marie. Peut-être suffisait-il de le dire au prêtre et surtout à Dieu auprès du lieu sacré. Je voudrais faire l'offrande au temple et me rendre là où j'ai vu la lumière l'an dernier, dit Anne. Ils y vont, accompagnés d'Anne de Fanuel. Ils n'entrent pas dans le temple, proprement dit. On le comprend. Il s'agit de femmes et d'une fille. Ils ne vont donc pas à l'endroit où Marie alla offrir son fils, mais tout près de la porte grande ouverte, il regarde l'intérieur semi-obscur d'où arrivent de doux chants de jeunes filles et où brillent des lumières précieuses qui répandent une clarté dorée sur la tête des deux rangées voilées de blanc, deux vraies rangées de lys. Dans trois ans, tu seras là aussi, mon lys, promet Anne à Marie, qui regarde comme fascinée vers l'intérieur et sourit au lent cantique. Elle semble comprendre, dit Anne de Fanuel. C'est une belle petite. Elle me sera chère, comme si elle était à moi. Je t'en fais la promesse, mère, si l'âge me permet de la réaliser. Tu seras là, femme, dit Zacharie. Tu la recevras parmi les jeunes filles consacrées. Moi aussi, j'y serai. Je veux y être ce jour-là, pour lui dire de prier pour nous, dès son entrée. Et il regarde sa femme qui comprend et pousse un soupir. La cérémonie est terminée. Et Anne de Fanuel se retire pendant que les autres sortent du temple, parlant entre eux. J'entends Joachim qui dit Pas seulement mes deux meilleurs agneaux, mais je les aurai tous donnés pour cette joie et pour louer Dieu. Je ne vois rien d'autre. Chapitre 10. Voilà la parfaite enfant au cœur de Colombe. Jésus parle. Salomon fait dire à la Sagesse Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Et réellement, de sa forteresse, des murs de sa cité, l'éternelle Sagesse disait à l'éternel enfant. Viens à moi. Il brûlait de la posséder. Plus tard le Fils de la toute pure enfant dira. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux et qui ne leur devient semblable n'aura pas de place en mon royaume. Les voix se rencontrent, et pendant que la voix du ciel crie à la toute petite Marie, Viens à moi, la voix de l'homme dit et pense à sa mère en disant, Venez à moi si vous savez être de tout petits enfants. Le modèle, je vous le donne en ma mère. Voici la parfaite enfant au cœur de Colombe, simple et pure, celle que les années et le contact du monde n'ont pas atteinte par la barbarie de leur corruption, de leur voix tortueuse et mensongère. Marie a repoussé ce contact. Venez vers moi en la regardant. Toi qui la vois, dis-moi, son regard d'enfant est-il bien différent de celui que tu lui as vu au pied de la croix ou dans la jubilation de la Pentecôte, ou à l'heure où ses paupières ont voilé ses yeux de gazelle pour le dernier sommeil? Non. Ici c'est le regard incertain et étonné de l'enfant, puis ce sera le regard étonné et respectueux de l'Annonciation, et puis le bienheureux de la mère de Bethléem, et puis le regard d'adoration de ma première sublime disciple, puis le regard déchirant de la torturée du Golgotha, puis le regard radieux de la Résurrection et de la Pentecôte, puis celui voilé du sommeil extatique de la dernière vision. Mais aussi, soit qu'il s'ouvre pour la première vision que lorsqu'il se ferme épuisé sur la dernière lumière, après la vision de tant de joie et d'horreur, l'œil est serein, pur, tranquille, pan de ciel qui resplendit, toujours égal sous le front de Marie. Colère, mensonge, orgueil, impureté, haine, curiosité, ne l'ont jamais souillé de leurs nuages fumeux. C'est l'œil qui regarde Dieu avec amour au milieu des pleurs ou des rires, et qui, pour l'amour de Dieu, caresse et pardonne et supporte tout. Et l'amour envers son Dieu le rend invulnérable aux assauts du mal qui tant de fois a utilisé l'œil pour pénétrer dans le cœur l'œil pur, paisible, bénissant, que possèdent les purs, les saints, ceux qui sont enamorés de Dieu. Je l'ai dit. La lumière de ton corps, c'est l'œil. Si l'œil est pur, tout ton corps sera dans la lumière mais si l'œil est trouble, toute ta personne sera dans les ténèbres. Les saints ont eu cet œil qui est lumière pour l'esprit et salut pour la chair parce que, comme Marie, pendant toute leur vie, ils n'ont regardé que Dieu. Et même plus encore, ils se sont souvenus de Dieu. Je t'expliquerai, petite voix, le sens de cette dernière parole que je t'ai dite. Chapitre XI. Ma joie. Comment sais-tu ces choses saintes? Qui donc te les dit? Je vois encore Anne, et depuis hier soir je la vois ainsi. Elle est assise à la sortie d'une tonnelle qui fait de l'ombre. Elle est appliquée à un travail de couture. Elle est toute vêtue de couleurs gris sable son vêtement est très simple et dégagé, peut-être à cause de la grande chaleur qu'il devait faire. Au bout de la tonnelle, on aperçoit des faucheurs qui coupent le foin. Mais ce ne doit pas être pourtant par le foin de la première coupe, car le raisin est en train de prendre une couleur d'or. Et un gros pommier montre, à travers un feuillage sombre, ses fruits qui sont en train de prendre une coloration claire comme une cire jaune et rouge. Et puis, le champ au blé n'est plus que chaume où ondulent légèrement les flammes des coquelicots, et où se dressent rigides et immobiles, les bleus et rayés comme une étoile et azurés comme le ciel d'Orient. De la tonnelle ombragée arrive une Marie toute petite, mais déjà vive et assurée. Sa démarche ne connaît pas d'hésitation, et ses sandalettes blanches ne trébuchent pas au milieu des pierres. Elle commence déjà d'avoir sa douce démarche légèrement ondulante de colombe. Elle est toute blanche, comme une petite colombe, dans un petit vêtement de lin qui lui descend jusqu'aux chevilles, ample et ajusté au cou par un cordonnet bleu ciel, avec des petites manches courtes qui laissent voir ses avant-bras roses et grassouillés. Avec ses cheveux soyeux de couleur claire comme le miel, pas trop frisés mais ondulant légèrement et qui se terminent en boucles, ses yeux de ciel, son doux visage un peu rose et souriant, on dirait un petit ange. Et même la brise qui entre par les larges manches et gonfle aux épaules son vêtement de lin contribue à lui donner l'aspect d'un petit ange aux ailes à demi ouvertes pour le vol. Elle a aux mains des coquelicots et des bleuets et d'autres fleurettes qui poussent au milieu des blés, mais dont je ne connais pas le nom. Elle marche, et quand elle est tout près de sa mère, elle pique une courte course. Elle pousse un cri joyeux et, comme une petite tourterelle, arrête son vol au genou maternel qui s'écarte un peu pour la recevoir. À ce moment, la mère a mis de côté son travail pour que l'enfant ne se pique pas et elle a tendu les bras pour l'embrasser. La vision s'arrête ici la veille au soir. Ce matin, elle recommence et continue de cette façon. Maman. Maman. La petite tourterelle blanche est blottie dans le nid des genoux maternels, avec ses petits pieds sur l'herbe courte et son petit visage sur le sein maternel. On ne voit plus que l'or clair de sa chevelure sur la petite nuque, et Anne s'incline pour la baiser avec amour. Puis la tourterelle lève sa tête et donne les fleurs à sa mère. Elles sont toutes pour la maman, et pour chaque fleur elle raconte une histoire qu'elle a imaginée. Cette grande fleur couleur d'azur, c'est une étoile qui est descendue du ciel pour apporter à sa maman le baiser du Seigneur. Voilà qu'elle la serre sur son cœur, sur son cœur, cette petite fleur céleste. Elle y trouvera le goût de Dieu. Mais cette autre, d'un azur plus pâle, comme sont les yeux du papa, porte inscrit sur ses feuilles que le Seigneur aime beaucoup son papa à cause de sa bonté. Et cette petite, toute petite, L'unique trouvé, c'est un myosotis, c'est celui que le Seigneur a fait pour dire à Marie qu'il l'aime beaucoup. Et ces rouges, maman le sait-elle, que sont-ils Ce sont des morceaux du vêtement du roi David, trempés dans le sang des ennemis d'Israël et semés sur le champ de bataille et de victoire. Ils sont nés de ces morceaux même de l'habit royal, déchirés dans le combat héroïque pour le Seigneur. Mais pour celle-là, blanche et gentille, qui paraît faite de sept coupes soyeuses qui regardent le ciel, pleines de parfums, et qui est née là, près de la source. C'est papa qui l'accueillit, pour elle, au milieu des épines. Elle est faite avec l'habit qu'avait le roi Salomon, lorsque le même mois où sa petite-nièce était née, il y a tant d'années, oh combien d'années, combien d'années, tant d'années auparavant, lui, dans la blanche splendeur de ses vêtements, il marcha devant la multitude d'Israël, devant l'arche et le tabernacle, et jubila à cause de la nuée retournée à environner sa gloire, et entonna le chant et la prière de sa joie. Je veux être toujours comme cette fleur et comme le sage roi, je veux chanter toute ma vie un chant et une prière devant le tabernacle, acheva de dire la petite bouche de Marie. Ma joie! Comment sais tu ces choses saintes? Qui te les a dites? Ton père? Non, je ne sais qui c'est. Il me semble de les avoir toujours su. Mais peut-être c'est quelqu'un qui me les dit, et que je ne vois pas. Peut-être un des anges que Dieu charge de parler aux hommes qui sont bons. Maman, m'en racontes tu encore? Oh ma fille, quelle histoire veux tu encore savoir? Marie pense sérieuse et recueillie. Il faudrait la peindre pour en éterniser l'expression. Sur le petit visage enfantin se reflète l'ombre de ses pensées, sourire et soupir, rayon de soleil et ombre des nuages en pensant à l'histoire d'Israël. Puis elle choisit Encore la parole de Gabriel à Daniel, où le Christ est promis. Et elle écoute, les yeux fermés, répétant lentement les paroles que sa mère a dites comme pour s'en mieux rappeler. Quand Anne termine, elle demande. Combien de temps faut il encore pour avoir l'Emmanuel? Trente années environ, chérie. Que de temps encore, et je serai au temple? Dis moi, si je priais tant, 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 jour et nuit, nuit et jour, et que dans ce but je ne voudrais être que de Dieu toute la vie, L'Éternel me ferait-il la grâce de donner avant le Messie à son peuple Je ne sais pas, mon aimé. Le prophète a dit soixante-dix semaines. Je crois que la prophétie ne ment pas. Mais le Seigneur est si bon, se hâte d'ajouter Anne en voyant s'emperler d'une larme le cil d'or de sa petite. Je crois que si tu priais tant, 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 il t'exaucera. Le sourire revient sur le petit visage légèrement levé vers sa mère, et un éclair de soleil qui passe entre deux pampres fait briller des pleurs déjà arrêtés, comme seraient les gouttelettes de rosée suspendues aux tiges très fines de mousse alpin. Et alors je prierai et me ferai vierge pour cela. Mais sais-tu ce que cela veut dire Cela veut dire ne pas commettre d'amour d'homme, mais seulement de Dieu. Cela veut dire n'avoir de pensée que pour le Seigneur. Cela veut dire rester enfant dans sa chair et ange dans son cœur. Cela veut dire n'avoir Dieu que pour regarder Dieu, d'oreilles que pour l'écouter, de bouche que pour le louer, de mains que pour s'offrir en hostie, des pieds que pour le suivre rapide de cœur et de vie que pour les lui donner. Bénis toi, mais alors tu n'auras jamais d'enfant. Toi qui aimes tant les petits et les agneaux et les petites tourterelles, sais-tu, un enfant pour une femme est comme un petit agneau blanc et frisé ou comme une petite colombe au plumage de soie et au bec de corail que l'on peut aimer, couvrir de baisers et qu'on entend vous dire « Maman ». N'importe, je serai de Dieu, au temple je prierai et peut-être un jour je verrai l'Emmanuel ». La Vierge qui doit être sa mère, comme dit le grand prophète, doit être déjà née, et elle est au temple. Je lui serai compagne et servante. Oh. Oui, si je pouvais la connaître par lumière divine, je voudrais la servir, cette bienheureuse. Et puis elle me porterait son fils, m'emmènerait à son fils, et je le servirais lui aussi. Pense, maman, servir le Messie Marie est surexaltée à cette pensée qui la sublimise et l'anéantit à la fois. Avec ses petites mains croisées sur sa poitrine et sa tête penchée un peu en avant, elle est toute allumée. Elle paraît être une reproduction enfantine de la Vierge de l'Annonciation de Florence, que j'ai vue. Elle reprend. Mais est ce que le roi d'Israël, loin de Dieu, me permettra t-il de le servir? N'en doute pas. Le roi Salomon ne dit il pas il y a soixante reines et quatre-vingts autres épouses et innombrables les jeunes filles. Tu vois qu'à la cour du roi seront innombrables les vierges qui serviront leur seigneur. Oh. Tu vois alors que je dois être vierge, je le dois. Si lui veut pour mère une vierge, cela veut dire qu'il aime par dessus tout la virginité. Je veux qu'il m'aime, moi, sa servante, pour la virginité qui me fera un peu semblable à sa mère bien aimée. Oui, c'est cela que je veux. Je voudrais aussi être pécheresse, si grande pécheresse, si je ne craignais d'offenser le Seigneur. Dis moi, maman, peut on être pécheresse pour l'amour de Dieu? Mais que dis tu, mon trésor, je ne comprends pas. Je veux dire pécher pour pouvoir être aimé de Dieu qui devient sauveur. On sauve ce qui est perdu, n'est ce pas? Je voudrais être sauvée par le Sauveur pour avoir son regard d'amour. C'est pour cela que je voudrais pécher, mais sans faire de péché qui le dégoûte. Comment peut-il me sauver si je ne me perds Anne est abasourdie. Elle ne sait plus quoi dire. Joachim vient à son secours en marchant sur l'herbe. Il s'était approché sans bruit derrière la haie des petits plants de vigne. Il t'a aimé auparavant parce qu'il sait que tu l'aimes et veut n'aimer que lui seul. C'est pour cela que tu es déjà racheté, et que tu peux être vierge comme tu le veux, dit Joachim. Vraiment, mon père. Marie se serre à ses genoux et le regarde avec les claires étoiles de ses yeux si semblables à ceux de son père, et si heureuse de l'espérance que son père lui donne. En vérité, petit amour, regarde, je t'ai apporté ce petit passereau qui a fait son premier vol près de la fontaine. J'aurais pu le laisser aller, mais ses faibles ailes et ses pattes trop grêles n'avaient pas assez de force pour le soulever à nouveau et le retenir sur les pierres glissantes de la margelle il serait tombé dans l'eau je n'ai pas attendu que ce malheur se produise je l'ai pris et je te le donne tu en feras ce que tu voudras en effet il a été sauvé avant d'encourir le danger c'est la même chose que dieu a fait avec toi maintenant dis-moi marie Ai-je aimé le passereau en le sauvant avant qu'il ne tombe, ou bien l'aurais-je aimé davantage en le tirant du danger après la chute? C'est maintenant que tu l'as le mieux aimé, n'ayant pas permis qu'il périsse dans l'eau froide. Eh bien, Dieu t'a aimé davantage, car il t'a sauvé avant que tu ne pêches. Et moi alors, je l'aimerai de toutes mes forces, joli petit passereau, je serai comme toi. Le Seigneur nous a aimés semblablement en nous faisant cadeau du salut. Maintenant je te soignerai et puis je te laisserai aller. Toi tu chanteras dans le bois, et moi au temple les louanges de Dieu, et nous dirons. Envoie, envoie celui que tu as promis à ceux qui l'attendent. Ô oh, mon papa, quand me conduiras tu au temple? Bientôt, ma perle. Mais cela ne te fit il pas de la peine de laisser ton père Tellement. Mais tu viendras. Et puis, si cela ne faisait pas mal, quel sacrifice serait il? Et tu te rappelleras de nous? Toujours. Après la prière pour l'Emmanuel, je prierai pour vous. Que Dieu vous donne joie et longue vie jusqu'au jour où lui sera sauveur. Puis je lui dirai qu'il vous prenne et vous emmène à la Jérusalem du ciel. La vision disparaît avec l'image de Marie que Joachim serre dans ses bras. CHAPITRE XII Le Fils n'aurait il pas mis sur les lèvres de sa mère sa propre sagesse? Jésus dit. J'entends déjà les commentaires des maîtres de la chicane. Comment une enfant qui n'a pas encore trois ans peut elle parler ainsi? C'est une exagération. On ne réfléchit pas qu'on fait de moi un phénomène en attribuant à mon enfance la conduite de l'âge adulte. L'intelligence ne vient pas à tous de la même façon et au même âge. L'Église a fixé à sept ans l'âge de la responsabilité, parce que c'est l'âge où un enfant même retardé peut distinguer, au moins d'une façon rudimentaire, le bien et le mal. Mais il y a des enfants qui, bien plus tôt, peuvent discerner, se proposer et vouloir avec une raison déjà suffisamment développée. Les petites emails de Lambertini, Rose de Viterbe, Nelly Organ, Nennolina vous donnent un exemple probant, ô docteurs exigeants, pour amener à croire que ma mère ait pu penser et parler ainsi. Je n'ai pris que quatre noms au hasard parmi des milliers d'enfants saints qui peuplent mon paradis, après avoir raisonné comme des adultes sur la terre. Pendant plus ou moins d'années. Qu'est-ce que la raison? Un don de Dieu. Dieu peut l'accorder dans la mesure qu'il veut, à qui il veut et quand il veut la donner. La raison est aussi une des choses qui nous font le plus ressembler à Dieu. Esprit doué d'intelligence et de raison. La raison et l'intelligence furent des dons gratuits accordés à l'homme au paradis terrestre. Et comme elles étaient vivantes quand la grâce vivait encore, encore intacte et active dans l'esprit des deux premiers parents. Dans le livre de Jésus Ben Sira, il est dit: Toute sagesse vient du Seigneur Dieu, et elle a été toujours avec lui, même avant tous les siècles. Quelle sagesse auraient donc possédé les hommes s'ils étaient restés des fils à Dieu? Vos lacunes dans l'intelligence sont le fruit naturel de votre déchéance. En fait de grâce et d'honnêteté, et perdant la grâce, vous avez éloigné pour des siècles la sagesse. Comme un météore qui se cache à l'intérieur d'une nébulosité gigantesque, la sagesse ne vous est plus arrivée avec des nets reflets, mais à travers des obscurités que vos prévarications rendent toujours plus épaisses. Puis est venu le Christ, et il vous a rendu la grâce, don suprême de l'amour de Dieu. Mais la savez vous garder nette et pure, cette perle? Non. Lorsque vous ne la brisez pas avec la volonté individuelle de pécher, vous la souillez par de continuels péchés moins graves, manquements, attaches vicieuses, et aussi des sympathies qui, si elles ne sont pas de vraies alliances avec les sept vices capitaux, affaiblissent la clarté de la lumière de grâce et de son activité. Vous avez ensuite, pour assombrir la magnifique clarté de l'intelligence que Dieu avait donnée aux premiers parents, des siècles et des siècles de corruption qui ont exercé leur action délétère sur les forces corporelles et les facultés intellectuelles. Mais Marie n'était pas seulement la pure, la nouvelle Ève recréée pour la joie de Dieu. C'était la super Ève, le chef-d'œuvre du Très-Haut. C'était la pleine de grâce. C'était la mère du Verbe dans la pensée de Dieu. La source de la sagesse, dit Jésus ben Sirah, est le Verbe. Le Fils n'aurait il donc pas mis sur les lèvres de la mère sa propre sagesse? Si à un prophète chargé de dire les paroles que le Verbe, la sagesse en personne, lui inspirait de dire aux hommes, les lèvres ont été purifiées avec un charbon ardent, est-ce que l'amour n'aurait pas donné à son épouse encore enfant qui devait porter en elle la parole, la précision et l'élévation du langage? Car il ne s'agit plus d'enfant, et puis de femme, mais d'une créature céleste fusionnée en la grande lumière et sagesse de Dieu. Le miracle ne réside pas dans l'intelligence supérieure manifestée dès l'enfance par Marie, comme ensuite par moi. Le miracle est dans le fait de contenir l'intelligence infinie qui y habitait, sans qu'elle frappe d'émerveillement les foules et sans qu'elle éveille l'attention satanique. Je parlerai encore sur ce sujet qui rentre dans la catégorie des souvenirs que les saints ont de Dieu. CHAPITRE XIII Marie Présentée au Temple Je vois Marie entre son père et sa mère et qui chemine par les rues de Jérusalem les passants s'arrêtent pour regarder la belle enfant toute vêtue d'un blanc de neige et enveloppée dans un très léger tissu avec ses dessins de feuillage et de fleurs plus épais sur le fond léger du tissu il me semble que c'est le même qu'avait Anne le jour de sa purification seulement tandis que pour Anne il ne dépassait pas la ceinture pour Marie, il descend presque jusqu'à terre et l'entoure d'un voile blanc léger et lumineux, d'un rare charme. Le blond des cheveux épars sur les épaules et mieux sur la nuque délicate transparée, là où il n'y a pas de damassure sur le voile, mais seulement le fond très léger. Le voile est maintenu sur le front par un ruban de couleur d'azur très pâle, sur lequel certainement la maman a brodé de petits lisbes d'argent. Le vêtement, comme déjà dit, très blanc, descend jusqu'à terre et quand elle marche, c'est tout juste si l'on aperçoit ses petits pieds dans les sandalettes blanches. Les petites mains semblent deux pétales de magnolia qui sortent des longues manches. Or le cercle d'azur du ruban, il n'y a pas d'autre couleur. Tout est blanc. Marie semble vêtue de neige. Joachim et Anne sont vêtus, lui, du même habit qu'à la purification, d'un violet très sombre. Même le manteau qui lui couvre la tête est d'un violet foncé. Elle le tient très baissé sur les yeux. Deux pauvres yeux de maman, rouges pour avoir trop pleuré, qui ne voudraient pas pleurer, et ne voudraient surtout pas être vus en larmes, mais qui ne peuvent s'empêcher de pleurer sous le couvert du manteau. Cette précaution vaut pour les passants et même pour Joachim, dont du reste l'œil habituellement serein est aujourd'hui mouillé et obscurci par les larmes déjà versées ou qui coulent encore. Il chemine très courbé, sous un voile disposé comme un turban, dont les ailes latérales descendent le long du visage. Il fait très vieux, en ce moment, Joachim. À le voir, on le prendrait pour le grand-père, ou même le bisaïeul de la toute petite qu'il tient par la main. Le chagrin de la perdre donne au pauvre père une démarche traînante, une lassitude de tout son maintien qui le vieillit de vingt ans. Son visage semble non seulement vieilli, mais celui d'un malade tant il est accablé et triste. La bouche tremble légèrement entre deux replis de la peau très marqués aujourd'hui de chaque côté du nez. Ils essayent tous les deux de cacher leurs larmes mais s'ils y réussissent pour beaucoup de gens, c'est impossible pour Marie. À cause de sa petite taille, elle regarde de bas en haut, et son regard se porte alternativement sur son père et sa mère. Eux essaient de sourire de leurs bouches tremblantes et augmentent l'étreinte de leurs mains sur la petite main de Marie chaque fois que leur enfant les regarde en souriant. Ils doivent penser voilà une autre fois de moins à voir ce sourire. Ils marchent lentement, doucement, ils semblent vouloir allonger le plus possible la route. Tout leur est prétexte pour un arrêt. Mais le parcours doit finalement finir. Il est sur le point de se terminer. Voilà, à ce dernier bout de chemin montant, le mur d'enceinte du temple. Anne fait entendre un gémissement et serre plus fort la petite main de Marie. « Anne, aimée, je suis avec toi, » dit une voix qui sort de l'ombre d'une arcade basse à un croisement de route. Et Élisabeth, qui est certainement l'attendait, la rejoint et la serre au cœur, et comme Anne pleure, elle lui dit, « Viens, viens un peu dans cette maison, amie, puis nous irons ensemble. » Zacharie est là. Ils entrent tous dans une pièce basse et obscure où brille un grand feu. La maîtresse, une amie certainement d'Élisabeth, mais inconnue de Anne se retire par politesse pour laisser libre le petit groupe. Ne crois pas que je me sois repenti ou que je donne à regret mon trésor au Seigneur, explique Anne à travers ses larmes, mais c'est le cœur, ô oh, mon cœur, quelle souffrance il éprouve, mon vieux cœur qui va retourner à sa solitude de mère sans enfant, si tu le sentais. Je le comprends, mon âne, mais tu es bonne. Et Dieu te réconfortera dans ta solitude. Marie priera pour que Dieu donne la paix à sa mère, n'est ce pas? Marie caresse les mains maternelles et les baise. Elle se les passe sur le visage pour en être caressée. Et Anne serre entre ses deux mains ce petit visage et le baise, le baise. Elle ne lui a pas encore donné assez de baisers. Zacharie entre et salue. Au juste, la paix du Seigneur. Oui, dit Joachim. Demande pour nous la paix, car notre cœur tremble de l'offrir. C'est comme l'offrande d'Abraham quand il gravissait la montagne, et ne nous trouverons pas une autre offrande pour acheter celle là. Nous ne le voudrions pas parce que nous sommes fidèles à Dieu. Mais nous souffrons, Zacharie, prête de Dieu. Comprends nous, et ne te scandalise pas. Jamais. Au contraire, votre douleur qui sait ne pas dépasser les bornes de ce qui est permis et vous porter à l'infidélité, m'enseigne à aimer le Très-Haut, mais ayez confiance. La prophétesse Anne aura grand soin de cette fleur de David et d'Aaron. En ce moment, c'est l'unique lys de sa descendance sainte que David est au temple. On en prendra soin comme d'une perle de roi. Bien que le temps vienne à son terme, et les mères de la descendance de David devraient avoir souci de consacrer leur fille au temple. Puisque c'est d'une vierge de la race de David que sortira le messie, à cause de la diminution de la foi, les places réservées aux vierges sont vides. Il y en a trop peu au temple, et de race royale, aucune depuis qu'on est sorti, il y a maintenant trois ans, Sarah d'Élysée qui s'est mariée. Il est vrai qu'il manque encore six lustres pour arriver à l'époque, mais. Eh bien Espérons que Marie sera la première de plusieurs vierges davidiennes devant le voile sacré. Et puis qui sait? Zacharie n'ajoute rien d'autre, mais pensif, il regarde Marie. Puis il reprend. Moi aussi, je veillerai sur elle. Je suis prêtre et j'ai mes entrées. J'en profiterai pour cet ange. Et Élisabeth viendra souvent la voir. Oh pour sûr, j'ai grand besoin de Dieu et je viendrai le dire à cet enfant pour qu'elle le dise à l'Éternel. Anne a repris son courage. Élisabeth, pour la remonter, encore plus, lui demande N'est-ce pas ton voile d'épouse, ou bien as-tu filé du nouveau Bissus C'est mon voile, je le consacre avec elle au Seigneur. Je n'y vois plus clair, et puis les ressources ont bien diminué à cause des impôts et des revers de fortune. Je ne pouvais faire de lourdes dépenses. J'ai seulement préparé un riche trousseau pour son séjour à la maison de Dieu et pour après. Parce que je pense que ce ne sera pas moi qui l'habillerai pour ses noces. Et je veux que ce soit toujours la main de sa maman, même froide et inerte, qui la part pour son mariage et lui file les linges et les vêtements d'épouse. Oh, pourquoi cette triste pensée Je suis vieille, cousine. Jamais comme sous le poids de cette douleur je ne l'avais ressentie. Les dernières forces de ma vie, je les ai données à cette fleur, pour la porter et la nourrir. Et maintenant maintenant la douleur de la perdre souffle sur ces dernières forces et les dissipe. Il ne faut pas parler comme ça à côté de Joachim. Tu as raison. Je penserai à vivre pour mon homme. Joachim a fait semblant de ne rien entendre, attentif envers Zacharie. Mais il a entendu et pousse un profond soupir, les yeux mouillés de larmes. Nous sommes exactement entre la troisième et la sixième heure. Je crois que ce serait le moment d'aller, dit Zacharie. Il se lève pour remettre les manteaux et partir. Mais avant de sortir, Marie s'agenouille sur le seuil, bras ouverts un petit chérubin qui implore père mère votre bénédiction elle ne pleure pas la courageuse petite mais ses petites lèvres tremblent et la voix brisée par un sanglot retenu a plus que jamais le gémissement tremblant de la tourterelle le visage est plus pâle et l'œil a un regard d'angoisse résigné plus fort jusqu'à devenir insoutenable sans en souffrir profondément je le verrai au calvaire et au sépulcre. Les parents la bénissent et la baisent. Une, deux, dix fois. Ils ne peuvent s'en rassasier. Elisabeth pleure silencieusement, et Zacharie, bien qu'il ne le veuille pas le montrer, est profondément remué. Ils sortent, Marie, entre son père et sa mère, comme auparavant. Par devant, Zacharie et sa femme. Les voilà à l'intérieur des murs du temple je vais chez le souverain prêtre vous montez jusqu'à la grande terrasse il traverse trois cours et trois porches superposés les voilà au pied d'un vaste cube de marbre couronné d'or chaque coupole convexe qui ressemble à une moitié d'une énorme orange resplendit au soleil qui maintenant sur le midi tombe à pic sur une vaste cour entourant un bâtiment majestueux et remplit le vaste palier et l'escalier monumental qui conduit au temple. Seul le portique qui fait face au perron le long de la façade est à l'ombre et la gigantesque porte de bronze et d'or est encore plus sombre et solennelle, contrastant avec tant de lumière. Marie paraît encore plus comme neige sous ce grand soleil. La voilà au pied de l'escalier, entre son père et sa mère, comme le cœur doit leur battre à tous les trois Élisabeth est à côté d'Anne, mais un peu en retrait d'un demi-pas. Un son de trombe argentin et la porte tourne sur ses gonds. On dirait le son d'avertissement d'une cithare pendant que la porte tourne sur les sphères de bronze. L'intérieur du temple apparaît avec ses lampes au fond et un cortège s'avance vers la porte venant de l'intérieur. Un cortège majestueux avec sonnerie de trompettes d'argent nuages d'encens et de lumière. Le voilà au seuil. En avant celui qui devait être le souverain prêtre. Un vieillard solennel, vêtu de lin très fin, et par dessus ce premier vêtement une tunique plus courte de lin aussi, et par dessus encore une sorte de chasuble quelque chose d'intermédiaire entre la chasuble et l'habit des diacres multicolorés. Pourpre et or, violet et blanc s'y alternent, et brillent comme des gemmes au soleil. Deux gemmes authentiques, par dessus tout cela, brillent encore plus vivement à la hauteur des épaules. Ce sont peut-être des boucles avec leurs chatons précieux. Sur la poitrine, une large plaque tout étincelante de gemmes soutenue par une chaîne d'or. Des pendentifs et autres ornements brillent en bas de la tunique courte, et l'or éclate sur le front, à la partie supérieure d'une coiffure, qui me rappelle celle des prêtres orthodoxes, leur mitre arrondie au lieu d'être pointue comme celle des catholiques. Le solennel personnage avance seul, en avant, jusqu'au commencement du perron, dans la lumière dorée du soleil qui le rend encore plus splendide. Les autres attendent, rangés en cercle, en dehors de la porte, sous le portique ombragé. À gauche, il y a un groupe de jeunes filles en vêtements blancs, avec la prophétesse Anne et d'autres femmes âgées, certainement des maîtresses. Le souverain prêtre a regardé la petite et sourit. Elle devait lui paraître bien petite au pied de ce perron digne d'un temple égyptien. Il lève en priant les bras au ciel. Tous baissent la tête comme anéantis devant la majesté sacerdotale en communion avec la majesté éternelle. Puis, voilà, un signe à Marie. Et elle se sépare de son père et de sa mère, et elle monte, comme fascinée, elle gravit les marches. Elle sourit, elle sourit à l'ombre du temple, là où descend le voile précieux. Elle est au haut du perron, au pied du souverain prêtre qui lui pose les mains sur la tête. La victime est agréée. Quel hostie plus pur avait jamais vu le temple Puis il se retourne et lui mettant la main sur l'épaule, comme pour la conduire à l'autel. L'agnelle sans tache, il l'amène vers la porte du temple. Avant de la faire entrer, il lui demande Marie de David, est-ce ton vœu Un oui argentin lui répond. Il s'écrie Entre alors, marche en ma présence et sois parfaite. Et Marie entre, et l'ombre l'engloutit, puis le groupe des vierges et des maîtresses, suivi de celui des lévites, la dérobe toujours plus la sépare, elle n'y est plus maintenant avec un son harmonieux, la porte roule sur ses gonds, une ouverture de plus en plus étroite laisse voir le cortège qui se dirige vers le sein. Maintenant, ce n'est plus qu'une fente, puis plus rien c'est la clôture au dernier accord des gonds sonores répond un sanglot des deux vieillards et un cri unique. Marie, fille. Et puis deux gémissements qui s'entrecroisent. Anne, Joachim. Et il conclut. Rendons gloire au Seigneur qui la reçoit dans sa maison et la conduit sur sa route. Et tout finit ainsi. CHAPITRE XIV L'Éternelle Vierge n'a eu qu'une seule pensée. Adresser vers Dieu son cœur. Jésus dit le souverain prêtre avait dit. Marche en ma présence et sois parfaite. Le souverain prêtre ne savait pas qu'il parlait à la femme, qui pour la perfection n'était inférieure qu'à Dieu seul mais il parlait au nom de Dieu, et pour cette raison sacrée était l'ordre qu'il donnait. Toujours sacrée, mais spécialement pour celle qui était la pleine de sagesse. Marie avait mérité que la sagesse la prévînt et se montra à elle tout d'abord parce que, dès le commencement de sa journée, elle avait veillé à sa porte et désirant s'instruire pour amour, elle voulait être pure pour obtenir l'amour parfait et mériter d'avoir la sagesse pour maîtresse. Dans son humilité, elle ne savait pas qu'elle la possédait avant d'être née et que son union avec la sagesse. Ne faisait que continuer les divins battements de son cœur au paradis. Elle ne pouvait pas imaginer cela. Et quand, dans le silence de son cœur, Dieu lui disait des paroles sublimes, elle s'humiliait à l'idée que c'était des pensées d'orgueil, et, levant vers Dieu un cœur innocent, elle disait Aie pitié de ta servante, Seigneur. Ô oh, vraiment, la vraie sage, l'éternelle vierge, N'a eu qu'une seule pensée dès l'aube de sa journée, adresser vers Dieu son cœur dès le matin de sa vie et veiller pour le Seigneur en priant en présence du Très-Haut, demandant pardon pour la faiblesse de son cœur, comme son humilité le lui suggérait de croire, ne sachant pas qu'elle anticipait les demandes de pardon pour les pécheurs qu'elle ferait plus tard au pied de la croix, en même temps que son fils mourant. Quand plus tard, le grand seigneur le voudra elle sera remplie de l'esprit d'intelligence et comprendra alors sa sublime mission pour l'heure ce n'est qu'une petite fille qui dans la paix sacrée du temple lit relit de plus en plus étroit ses conversations ses affections ses souvenirs à dieu ceci pour tout le monde mais pour toi petite marie le maître N'a-t-il rien de particulier à te dire Marche en ma présence et sois pour cela parfaite. Je change légèrement la phrase sacrée et je t'en fais un ordre. Parfaite dans l'amour, parfaite dans la générosité, parfaite dans la souffrance. Regarde une fois de plus la maman et médite sur ce que beaucoup ignorent ou veulent ignorer, parce que la douleur et chose trop désagréable à leur palais et à leur esprit la douleur marie la possédait dès les premières heures de sa vie être parfaite comme elle l'était c'était posséder aussi une parfaite sensibilité pour cela plus vive devait être la douleur du sacrifice mais pour cela aussi il était plus méritoire qui possède la pureté possède l'amour qui possède l'amour possède la sagesse, qui possède la sagesse possède la générosité et l'héroïsme, parce qu'il sait pour qui il se sacrifie. Élève ton esprit, même si la croix te courbe, te brise, te tue, Dieu est avec toi. Chapitre XV Mort de Joachim et d'Anne Jésus dit comme un rapide crépuscule d'hiver où un vent de neige accumule les nuages dans le ciel, la vie de mes grands parents connut rapidement la nuit, depuis que leur soleil s'était fixé, pour y resplendir devant le rideau sacré du temple. Mais n'est il pas dit? La sagesse inspire la vie en ses fils, prend sous sa protection ceux qui la cherchent. Qui l'aime aime la vie, et qui veillera pour elle se réjouira de sa paix. Qui la possède aura la vie en héritage. Qui la sert obéira au saint, et qui l'aime est bien aimé de Dieu. S'il croira en elle, il l'aura en héritage, héritage qui sera confirmé aux descendants pour qu'elle l'accompagne dans l'épreuve. Il sera d'abord l'objet d'un choix de Dieu, puis Dieu lui enverra crainte, peur et épreuve. La flagellation de sa discipline pour le former, Jusqu'à ce qu'il l'ait éprouvé dans ses pensées et puisse se fier à lui. Mais après cela, il l'affermira, reviendra à lui par des chemins droits et le rendra content. Il lui découvrira ses secrets, mettra en lui des trésors de science et d'intelligence au sein de la justice. Oui, tout cela a été dit. Les livres sapientiels conviennent à tous les hommes qui y trouvent le miroir de leur conduite et un guide mais heureux ceux que l'on peut reconnaître parmi les amants spirituels de la sagesse. Je me suis entouré de sages dans ma parenté mortelle. Anne, Joachim, Joseph, Zacharie et plus encore Élisabeth, et puis le Baptiste ne sont ils pas là de vrais sages? Je ne parle pas de ma mère, en qui la sagesse possédait sa demeure. De la jeunesse à la tombe, la sagesse avait inspiré une manière de vivre agréable à Dieu, à mes grands parents. Comme une tente qui protège de la fureur des éléments déchaînés, elle les avait protégés contre le danger du péché. La sainte crainte de Dieu est à la base de l'arbre de la sagesse, d'où s'élance avec toutes ses branches pour rejoindre à son sommet l'amour tranquille dans sa paix, l'amour paisible dans sa sécurité, L'amour sûr de lui dans sa fidélité, l'amour fidèle dans sa force, l'amour total, généreux, actif des saints. Qui aime la sagesse aime la vie et possède en héritage la vie, dit l'ecclésiastique. Mais cela se rattache à ma parole. Qui perdra sa vie par amour de moi la sauvera. C'est qu'il n'est pas question de la pauvre vie de cette terre, mais de la vie éternelle. Non des joies d'une heure, mais des joies immortelles. En ce sens, Joachim et Anne l'ont aimée, et elle fut avec eux dans leurs épreuves. Combien parmi vous, sans être complètement mauvais, voudraient n'avoir jamais à pleurer ni à souffrir Combien d'épreuves ne rencontrèrent pas ces justes qui méritèrent d'avoir pour fille Marie La persécution politique qui les chassa de la terre de David. En les appauvrissant sans mesure. La tristesse de voir s'écouler les années sans qu'une fleur leur dise. Je vous continue. Et après, la crainte que, l'ayant eue à un âge avancé, il était certain qu'il ne verrait pas s'épanouir en elle la femme. Et puis devoir l'arracher de leur cœur pour la porter à l'autel de Dieu, et encore vivre dans un silence plus pesant alors qu'ils s'étaient habitués au chant de leurs petites tourterelles au bruit de ses petits pas, au sourire et aux baisers de leur créature, et attendre avec ces souvenirs l'heure de Dieu. Et encore, et encore, maladie, calamité des intempéries, insolence des puissants, tant de coups de bélier dans le faible castel de leur modeste prospérité. Et ce n'est pas tout, le souvenir pénible de leur enfance si lointaine. Qui reste seule et pauvre, et qui, malgré leur sollicitude et leurs sacrifices, n'aura qu'un reste du bien paternel. Et en quel état le trouvera-t-elle si pendant des années encore il reste inculte, fermé, attendant qu'elle revienne? Crainte, peur, épreuve et tentation. Et fidélité, fidélité, fidélité toujours à Dieu, la tentation la plus forte ne pas se refuser le réconfort de la présence de leur fille auprès de leur vie à son déclin. Mais les enfants appartiennent à Dieu d'abord avant d'appartenir à leurs parents. Et tout fils peut dire ce que j'ai dit à ma mère. Ne sais tu pas que je dois veiller aux intérêts du Père du ciel? Et chaque mère, chaque père doit, pour savoir quelle attitude observer, regarder Marie et Joseph au temple. Anne et Joachim dans leur maison de Nazareth, qui se fait chaque jour plus vide et plus triste, mais dans laquelle une seule chose ne s'affaiblit pas, mais ne cesse de grandir, la sainteté de deux cœurs, la sainteté de leur union. Que reste-t-il à Joachim infirme et à Anne, sa dolente épouse, pour éclairer leur longue et silencieuse soirée de vieillards qui attendent la mort Les petits vêtements, les premières sandalettes, les pauvres joujoux de leur petite qui est si loin, et puis les souvenirs les souvenirs les souvenirs et avec eux une paix qui vient leur dire. Je souffre, mais j'ai accompli mon devoir d'amour envers Dieu. Et alors voilà une joie surhumaine qui brille d'une lumière céleste inconnue aux gens du monde. Elle ne pâlit pas du fait qu'elle tombe sur paupières flétries, sur deux yeux qui se meurent, mais, à la dernière heure, resplendit davantage et illumine des vérités restées au-dedans de leur âme tout le temps de la vie, enfermées comme des papillons dans leurs cocon, ne manifestant leur existence que par des suaves mouvements faits de légers éclairs. Mais maintenant, elles ouvrent leurs ailes de soleil. Et montre les paroles qui les décorent. Et la vie s'éteint dans la connaissance d'un avenir bienheureux pour eux et pour leur descendance, pendant que sur leurs lèvres s'épanouit une dernière bénédiction pour leur Dieu. Telle fut la mort de mes grands-parents, comme l'a mérité leur sainte vie. À cause de leur sainteté, ils ont mérité d'être les premiers gardiens de l'aimer de Dieu. Ce n'est que quand un soleil vint les éclairer au déclin de leur vie qu'ils eurent la pleine vision de la grâce que Dieu leur avait faite. À cause de leur sainteté, Anne n'éprouva pas les souffrances de l'enfantement, mais donna extatiquement le jour après l'avoir porté à la sans faute. Pour tous deux, ce ne fut pas l'agonie, mais la langueur d'une vie qui s'éteint, comme s'éteint une étoile quand le soleil se lève à l'aurore. Et s'ils n'eurent pas la consolation de me posséder, moi, la sagesse incarnée, comme l'eut Joseph, j'étais près d'eux, invisible présence, leur disant de sublimes paroles, penchées sur leur oreiller pour les endormir dans la paix, en attendant le triomphe. Quelqu'un dira. Pourquoi n'ont ils pas dû souffrir pour engendrer et mourir, puisqu'ils étaient fils d'Adam? Je leur réponds. Si, pour s'être approché de moi présent dans le sein de ma mère, le Baptiste, fils d'Adam et conçu avec le péché d'origine, fut sanctifié avant de naître, n'aurait elle eu aucune grâce la mère sainte de la toute sainte que la tâche n'avait pas touchée, de celle qui était la préservée de Dieu, et qui portait Dieu avec elle en son esprit presque divin et en son cœur encore embryonnaire, jamais séparée de Dieu, depuis le moment où le Père la pensa, qui fut conçue dans un saint qui revint à posséder Dieu en plénitude au ciel pour une éternité glorieuse À celui-ci, je réponds La droiture de la conscience procure une mort sereine, et les prières des saints vous obtiennent pareille mort. Joachim et Anne avaient derrière eux toute une vie de droiture. Au moment de la mort, elles se découvraient à eux. Comme un panorama paisible, comme un chemin qui les amenait au ciel. Et puis ils avaient la sainte en oraison devant le tabernacle de Dieu. Elle priait pour ses parents éloignés d'elle. Venez pour elle après Dieu, le bien suprême, mais aimée comme le veut la loi, et aussi le cœur humain, mais d'un amour surnaturellement parfait. Chapitre XVI tu devrais être la mère du Christ. C'est seulement hier soir vendredi que mon âme a été éclairée pour la vision. Je n'ai vu autre chose que une toute jeune Marie, une Marie de douze ans au plus. Son petit visage n'a plus la rondeur qui caractérise l'enfance mais déjà on devine les traits de la femme dans l'ovale qui se dessine. Les cheveux aussi ne tombent plus épars sur la nuque avec leurs boucles légères, mais ils sont rassemblés en deux lourdes tresses d'un or très pâle. Ils paraissent mêlés d'argent tellement ils sont clairs, sur les épaules et descendent jusqu'aux hanches. Le visage est plus réfléchi, plus mûr, bien que ce soit toujours le visage d'une enfant, d'une belle et pure enfant. Elle est toute vêtue de blanc. Elle coud dans une toute petite pièce petite et toute blanche de la fenêtre ouverte on découvre l'édifice imposant et central du temple et puis toute la descente des escaliers des petites cours des portiques et au-delà de la muraille d'enceinte la cité avec ses rues ses maisons ses jardins et au fond le sommet bosselé du mont des oliviers elle coue et chante à mi-voix je ne sais si c'est un chant sacré le voici. Comme en un clair miroir d'eau, une étoile Tout au fond de mon cœur brille et se dévoile. Depuis mon enfance, elle est en moi toujours Et avec toute suavité me guide avec amour. C'est un chant au fond de mon cœur Mais d'où peut-il jamais venir Ô oh, homme, tu ne le sais pas. Il vient d'où le saint repose Je regarde mon étoile claire tout en ne voulant pas aucune chose qui n'est pas même si c'était la plus douce et plus chère Rien pour moi que sa douce clarté qui est tout à moi Tu m'as porté du haut des cieux étoile en un saint maternel en moi tu vis à présent mais au-delà des voiles, je te vois, glorieuse image du Père. Quand me donneras-tu l'honneur d'être l'humble servante du Sauveur Envoie du ciel, envoie-nous le Messie. Reçois, ô Père saint, l'offrande de Marie. Marie se tait, sourit et soupire. Puis se plie à genoux en prière. Son petit visage n'est que lumière. Le regard levé vers l'azur merveilleux d'un beau ciel d'été, elle semble en attirer sur elle toute la lumière et en être irradiée. Ou, mieux encore, il semble que de l'intérieur un soleil caché illumine de ses clartés et allume la neige à peine rosée de la chair de Marie, et puis se répand sur les choses et sur le soleil qui illumine la terre. En la bénissant et lui promettant tant de bien. Pendant que Marie va se lever après sa prière d'amour, sur son visage persiste la clarté de l'extase. À ce moment, entre la vieille Anne de Fanuel. Elle s'arrête interdite ou pour le moins surprise de l'acte et de l'aspect de Marie. Elle l'appelle Marie et l'adolescente se retourne avec un sourire différent. Mais toujours si beau. Elle salue. Anne, la paix pour toi. Tu priais Tu n'as jamais assez prié La prière me suffirait, mais je parle avec Dieu. Anne, tu ne peux savoir comme je le sens près de moi. Plus que proche, en mon cœur. Que Dieu me pardonne pareil orgueil, mais je ne me sens jamais seule. Tu vois Là, dans cette maison d'or et de neige, derrière le double rideau se trouve le saint des saints. Et jamais aucun œil, si ce n'est celui du souverain prêtre, ne peut s'arrêter sur le propitiatoire sur lequel repose la gloire du Seigneur. Mais je n'ai pas besoin de regarder avec tout le respect de mon âme qui le vénère ce double voile brodé, que font vibrer les ondes des chants des vierges et des lévites, et qui répand les effluves des précieux encens comme pour en percer l'épaisseur et permettre de voir le témoignage. Bien sûr que je le regarde. Ne crains pas que je ne le regarde pas avec respect comme un fils d'Israël. Ne crains pas que l'orgueil m'aveugle en me faisant penser ce que je te dis maintenant. Je le regarde. Et il n'y a pas d'humble serviteur du peuple de Dieu qui regarde plus humblement la maison de son Seigneur, plus humblement que moi, qui suis convaincue d'être la plus insignifiante de tous. Mais que vois je? Un voile. Qu'est ce que je me représente au delà du voile? Un tabernacle. Et quoi dans le tabernacle? Mais si je porte mes regards au fond de mon cœur, je vois Dieu resplendir dans sa gloire d'amour qui me dit. Je t'aime, et moi je lui dis, je t'aime, et je me fonds et me renouvelle à chaque battement de mon cœur en ce baiser réciproque. Je suis au milieu de vous, maîtresse et compagne bien chère, mais un cercle de flammes m'isole de vous, dans le cercle Dieu et moi, et je vous vois à travers le feu de Dieu, et c'est ainsi que je vous aime, mais je ne puis pas vous aimer selon la chair. Ni jamais personne je pourrai aimer selon la chair. Mon seul amour est celui-là qui m'aime et selon l'esprit. Je connais mon sort. La loi séculaire d'Israël veut faire de toute vierge une épouse et de toute épouse une mère. Mais moi qui suis soumise à la loi, j'obéis à la voix qui me dit Je te veux. Vierge je suis et resterai. Comment le pourrais-je cette voix, invisible présence près de moi, m'apportera son aide, car c'est elle qui le veut. Je ne crains pas. Je n'ai plus de père ni de mère, et il n'y a que l'Éternel qui sache en quelle douleur s'est consumé ce que j'avais d'humain. Ça a été une douleur cruelle, plus que cruelle. Maintenant, je n'ai plus que Dieu. Je lui obéis donc aveuglément mais je l'aurais fait contre père et mère parce que la voix m'enseigne que qui veut la suivre doit passer au delà des ordres des parents, amoureuses gardes de ronde autour des murs qui protègent leur enfant mais qui la veulent conduire au bonheur par leur chemin à eux, ne sachant pas qu'il n'y a d'autre voie qui conduise à une joie infinie. J'aurais abandonné vêtements et manteaux pour suivre la voix qui me dit. Viens, ô mon aimé, Ô oh, mon épouse, j'aurais tout laissé, et les perles de mes larmes, car j'aurais pleuré de devoir désobéir, et les rubis de mon sang, car j'aurais même défié la mort pour suivre la voix qui appelle. Il leur aurait dit qu'il y a quelque chose de plus grand que l'amour d'un père et d'une mère, et plus doux encore. C'est la voix de Dieu. Mais maintenant, sa volonté m'a dégagé aussi des liens de la piété filiale. D'ailleurs, ils ne m'auraient pas tenue captive. Mes parents étaient deux justes, et Dieu leur parlait au fond du cœur comme il me parle à moi. Ils auraient suivi le chemin de la justice et de la vérité. Quand je pense à eux, je les vois dans le repos, auprès des patriarches, et je hâte par mon sacrifice l'avènement du Messie qui leur ouvrira les portes du ciel. Sur la terre, c'est moi qui me tiens debout, ou plutôt, c'est Dieu qui dirige sa pauvre servante en lui disant ses ordres. Et moi, je les accomplis, car c'est mon bonheur de les accomplir. Quand l'heure sera venue, je dirai à l'époux mon secret, et lui l'accueillera. Mais, Marie, quelles paroles trouveras-tu pour le persuader Tu auras contre toi l'amour d'un homme, la loi et la vie. Avec moi, j'aurai Dieu. Dieu ouvrira à la lumière le cœur de mon époux. La vie perdra l'aiguillon des sens et deviendra une fleur pure qui exhalera le parfum de la charité. La loi, Anne ne m'appelle pas blasphématrice, mais je pense que la loi va changer. Qui le fera, si elle est divine Celui qui seul en a le pouvoir, par Dieu. Le temps est proche, plus que vous ne le pensiez je vous le dis. En lisant Daniel, une grande clarté s'est faite en moi, venant du centre de mon cœur et mon esprit a compris le sens de ces secrètes paroles. Elles seront abrégées les soixante dix semaines à cause des prières des justes. Il sera changé le nombre des années? Non, la prophétie ne ment pas. Mais non pas le cours du soleil, mais celui de la lune est la mesure du temps prophétique. Pour cela je vous dis. Toute proche est l'heure où on entendra vagir le Fils d'une Vierge. Oh. Que je voudrais que cette lumière qui m'aime et qui me dit tant de choses me dise. Où est l'heureuse Vierge qui enfantera le Fils de Dieu et le Messie de son peuple? Je marcherai pieds nus et je parcourrai la terre, ni froid, ni gel, ni poussière, ni canicule, ni fauve, ni faim, ne m'arrêterai pour la rejoindre et lui dire, accorde à ta servante et à la servante des serviteurs du Christ de vivre sous ton toit, je tournerai la meule et le pressoir, mais moi comme esclave à la meule, comme bergère à ton troupeau, à laver les langes de ton enfant, aux cuisines, au four, où tu veux, mais accueille-moi, que je le voie, que j'entende sa voix, que j'en reçoive un regard. Et si elle ne veut pas de moi, m'endiante à sa porte, je vivrai d'aumône et de raillerie sans un toit, exposé aux bivouac et aux grandes chaleurs pour entendre la voix du Messie enfant et l'écho de ses éclats de rire, et puis le voir passer. Et peut-être un jour recevrai-je de lui l'aumône d'un pain. Oh si la faim me torture l'estomac, et si je me sens défaillir après un si long jeûne, je ne mangerai pas ce pain, je le serrerai comme un sachet de perles contre mon cœur, et je le baiserai pour sentir le parfum de la main du Christ, et je n'aurai plus ni faim ni froid, parce que ce contact me donnerait extase et chaleur, extase et nourriture. Tu devrais être la mère du Christ, toi qui l'aimes à ce point. C'est pour cela que tu veux rester vierge? Oh non, je suis misère et poussière. Je n'ose lever le regard vers la gloire. C'est pour cela que, plus que le double voile derrière lequel je sais qu'est l'invisible présence de Yahvé, j'aime regarder au dedans de mon cœur. Là est le Dieu terrible du Sinaï. Ici, en moi, je vois notre Père, un visage qui resplendit d'amour, qui me sourit et me bénit, parce que je suis toute petite, comme un oisillon que le vent soulève sans en sentir le poids, et faible comme la tige du muguet sauvage qui ne sait que fleurir et parfumer et n'oppose au vent que la douceur de sa force parfumée et pure. Dieu, mon vent d'amour, non, je n'ai pas cette ambition, mais à celui qui naîtra de Dieu et d'une vierge, au sein du très saint ne peut plaire. Que ce que au ciel il a choisi pour sa mère, et ce qui sur la terre lui parle du Père céleste, la pureté. Si la loi méditait cela, si les rabbis qui l'ont amplifié avec toutes les subtilités de leur enseignement tournaient leurs esprits vers des horizons plus élevés et se plongeaient dans le surnaturel, laissant de côté l'humain et l'utile, oubliant le but suprême de leurs recherches, ils devraient surtout orienter leur enseignement vers la pureté, pour que le roi d'Israël la trouve à son arrivée. Avec l'olivier du Pacifique, les palmes du triomphateur, des délices et délices et délices. Que de sang devra-t-il répandre pour nous racheter, le Sauveur Combien des mille et mille blessures que Isaïe vit sur l'homme des douleurs Voici que tombe comme la rosée d'un vase poreux, une pluie de sang. Qu'il ne tombe pas où il y a profanation et blasphème, ce sang divin, mais dans les calices d'odorante pureté qui accueille et le recueillent pour le répandre sur les malades d'esprit, sur les âmes lépreuses, sur tous ceux qui pour Dieu sont morts. Donnez des lices, donnez des lices pour essuyer avec la blanche robe des purs pétales, la sueur et les larmes du Christ. Donnez des lys, donnez des lys pour l'ardeur de sa fièvre de martyr. Oh. Où sera t-il le lys qui te porte? Ou celui qui étanchera ta soif? Où sera t-il celui qui se teindra de ton sang et mourra de douleur te voyant mourir? Ou celui qui pleurera sur ton corps exsangue Ô Christ! Ô Christ! Mon soupir! Marie se tait, fondue en pleurs, effondrée. Anne se tait quelque temps, puis de sa voix blanche de femme âgée, émue, elle dit As-tu autre chose à m'enseigner, Marie? Marie revient à elle. Elle doit croire dans son humilité que sa maîtresse la blâme et dit Ô oh, pardon! Tu es maîtresse, je suis un pauvre rien, mais cette parole me jaillit du cœur. J'ai beau la surveiller pour ne pas parler, mais c'est comme un fleuve qui, dans son impétuosité croissante, rompt les digues. Je suis prise, et voilà, elle est débordée. Ne tiens pas compte de mes paroles, et mortifie ma présomption. Les paroles mystérieuses devraient rester dans l'arche secrète du cœur que dieu par sa bonté bénéficie je le sais mais elle est si douce cette invisible présence que j'en suis toute ivre anne pardonne à ta petite servante anne la serre contre son cœur tout le vieux visage ridé tremble et brille sous les pleurs les larmes s'insinuent entre les rides comme fait l'eau sur un terrain accidenté avant de se transformer en un tremblotant marécage, mais la vieille maîtresse ne provoque pas le rire. Bien plutôt elle fait naître la plus grande vénération. Marie est entre ses bras, son petit visage contre la poitrine de la vieille maîtresse, et tout finit ainsi. Chapitre 17 elle revoyait tout ce que son esprit avait vu en Dieu. Jésus dit Marie se rappelait de Dieu, elle rêvait Dieu, elle croyait rêver, elle ne faisait que revoir tout ce que son esprit avait vu dans la splendeur du ciel de Dieu à l'instant où elle avait été créée pour être unie à la chair conçue sur la terre. Elle partageait avec Dieu, bien que d'une manière très inférieure, comme la justice l'exigeait, une des propriétés de Dieu, celle de se souvenir, de voir et de prévoir par l'attribut d'une intelligence puissante et parfaite, parce qu'elle n'était pas blessée par la faute. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Une des ressemblances réside dans la possibilité pour l'esprit de se souvenir, de voir et de prévoir. Ceci explique la possibilité de lire dans le futur. Cette faculté s'exerce de par le vouloir de Dieu, très souvent d'une manière directe, d'autrefois par un souvenir qui se lève comme le soleil sur une matinée, éclairant un point précis de l'horizon des siècles déjà observés au sein de Dieu. Ce sont des mystères qui sont trop élevés pour que vous puissiez les comprendre pleinement. Mais réfléchissez. Cette intelligence suprême, cette pensée qui connaît tout, cette vue qui voit tout, qui vous a créé d'un acte de sa volonté et d'un souffle de son amour infini, en vous faisant ses fils par votre origine, ses fils aussi par votre destinée, peut elle vous donner une chose qui soit différente de lui? Il vous la donne en partie infinitésimale parce que la créature ne saurait contenir le créateur. Mais cette participation est complète et parfaite en son infinie petitesse. Quel trésor d'intelligence Dieu n'avait-il pas donné à l'homme, à Adam? La faute l'a amoindri. Mais mon sacrifice le rétablit et ouvre les splendeurs de l'intelligence, ses fleuves, sa science. Ô oh, sublimité de l'esprit humain uni par la grâce à Dieu, partageant avec lui sa capacité de connaissance. De l'esprit humain uni par la grâce à Dieu. Il n'existe pas d'autre mode de connaissance qu'il le rappelle ceux qui recherchent curieusement des secrets qui dépassent les capacités humaines. Toute connaissance de ce genre qui ne vient pas d'une âme en état de grâce, et elle n'est pas en grâce une âme qui s'oppose à la loi de Dieu dont les ordres sont bien clairs, ne peut venir que de Satan. Il est difficile qu'elle corresponde à la vérité dans la mesure où elle se réfère aux arguments humains et n'y corresponde jamais dans la mesure où elle se réfère au supra humain, parce que le démon est le père du mensonge, et il entraîne avec lui sur le sentier du mensonge. Il n'y a aucune autre méthode pour connaître le vrai que celle qui vient de Dieu. Il nous parle et dit ou rappelle à notre mémoire, comme un père rappelle à son fils un souvenir qui a trait à la maison paternelle et nous dit. Te rappelles tu quand avec moi tu as fait telle chose? Tu as vu ceci? entendu cela? Te rappelles tu quand tu as reçu mon baiser à ton départ? Te rappelles-tu quand tu as vu pour la première fois le soleil éclatant de mon visage sur ton âme vierge, sitôt créée et encore pure, parce qu'à peine sortie de moi, de la souillure qui t'a ensuite amoindrie? Te souviens-tu quand tu as compris dans un battement d'amour de ton cœur ce que c'est que l'amour, quel est le mystère de notre être et procédé? Et là où la capacité limitée de l'homme en état de grâce ne peut parvenir, voilà l'esprit de science qui parle et instruit. Mais pour posséder l'esprit, il faut la grâce. Mais pour posséder la vérité et la science, il faut la grâce. Pour avoir avec soi le Père, il faut la grâce. C'est la tente où les trois personnes établissent leur demeure, le propitiatoire sur lequel se pose l'Éternel et parle non pas de l'intérieur d'une nuée, mais en dévoilant sa face à son Fils fidèle. Les saints se ressouviennent de Dieu, des paroles entendues dans la pensée créatrice, et que la bonté fait ressusciter en leur cœur pour les élever comme des aigles dans la contemplation du vrai, dans la connaissance du temps. Marie était la pleine de grâce toute la grâce une étrine était en elle. Toute la grâce une étrine la préparait comme épouse aux noces, comme l'inuptiale pour sa descendance, comme divine pour sa maternité et à sa mission. C'est elle qui ferme le cycle des prophétesses de l'Ancien Testament et ouvre celui des porte paroles de Dieu dans le Nouveau Testament. Arche véritable de la parole de Dieu en regardant en son sein éternellement inviolé, elle découvrait, tracée par le doigt de Dieu sur son cœur immaculé, les paroles de la science éternelle, et se souvenait, comme tous les saints, de les avoir entendues, lorsqu'elle avait été engendrée avec son esprit immortel par Dieu, Père, Créateur de tout ce qui a la vie. Et si elle ne se rappelait pas tout de sa future mission, c'était pour cette raison qu'en toute perfection humaine, Dieu laisse des lacunes dues à une divine prudence qui est bonté pour sa créature en lui fournissant des occasions de mérite. Seconde Ève, Marie a dû conquérir sa part de mérite pour être la mère du Christ par sa fidèle bonne volonté que Dieu a voulu même de la part de son Christ pour en faire un rédempteur. L'esprit de Marie était au ciel son état moral et sa chair sur la terre, et il lui fallait fouler aux pieds la terre et la chair pour rejoindre l'esprit et l'unir à l'esprit dans un embrassement fécond. Note personnelle. Toute la journée d'hier j'avais pensé voir l'annonce de la mort des parents et je ne sais pourquoi donnée par Zacharie. De la même façon, je pensais, à ma manière, comment Jésus traiterait le point du souvenir de Dieu de la part des saints. Ce matin, quand la vision a commencé, je me suis dit Voilà maintenant, on va dire que Marie est orpheline, et j'en avais déjà le cœur serré. C'était la même tristesse de ces jours derniers que j'avais éprouvée et perçue. Au contraire, la vision n'était rien de ce que j'avais pensé voir et entendre, pas même avec une simple allusion. Cela me console, parce que je me dis que de mon propre fond il n'y a rien à attendre, pas même une simple prévision sur un point donné. Tout exactement, tout vient d'une autre source. Ma peur continuelle cesse jusqu'à la prochaine fois. En effet, elle ne cessera jamais de m'accompagner, cette crainte de me tromper et de tromper les autres. Chapitre XVIII Dieu te donnera ton époux et il sera saint. Puisque tu t'es confié à Dieu, tu lui diras ton vœu. Quelle nuit d'enfer Il semblait vraiment que les démons prenaient une récréation sur la terre. Coups de canon, tonnerre, éclairs, Danger, peur, souffrance d'être sur un lit qui n'était pas le mien, et au milieu de tout cela, comme une douce et planche fleur, au milieu des feux et des tribulations, la douce présence de Marie, un peu plus âgée que dans la vision d'hier, avec ses tresses blondes sur les épaules, son habit blanc et son sourire doux et recueilli, un sourire intérieur tourné vers le mystère glorieux qu'elle a recueilli en son cœur. J'ai passé la nuit à comparer cette vision de suavité avec la férocité qui se déploie dans le monde et en repensant à ces paroles d'hier matin, chant vivant de la charité en face de la haine qui déchire. Ce matin, voici que, retourné au silence de ma chambre, j'assiste à cette scène. Marie est toujours au temple. En ce moment, elle sort avec les autres vierges du temple proprement dit. Il doit y avoir une cérémonie parce que l'odeur de l'encens se répand dans l'atmosphère tout rouge d'un beau crépuscule. On dirait que l'automne est avancé, parce que c'est un ciel doucement mélancolique, comme en un mois d'octobre serein qui s'incline sur les jardins de Jérusalem, et où le jaune ocre des feuilles qui vont bientôt tomber met des taches jaune rouge clair dans le vert argenté des oliviers la troupe les saints pourrait on dire des vierges traverse une petite cour en arrière monte les gradins passe un petit portique entre dans une autre cour moins splendide carrée et qui n'a d'autre ouverture que celle par où elles viennent d'entrer ce doit être celle qui est destinée à conduire aux petites demeures des vierges employées au temple, parce que chaque jeune fille se dirige vers sa cellule comme une colombe vers son nid. On dirait bien un vol de colombes qui se sépare après s'être rassemblées Beaucoup, je pourrais dire, toutes, parlent entre elles avant de se quitter, à voix basse mais joyeuse. Marie se tait. Seulement, avant de se séparer des autres, elle les salue affectueusement et puis se dirige vers sa petite pièce dans un coin à droite. Elle y est rejointe par une maîtresse qui n'est pas vieille comme Anne de Fanuel, mais déjà âgée. Marie, le grand-prêtre t'attend. Marie la regarde légèrement étonnée, mais ne pose pas de questions. Elle répond seulement J'y vais tout de suite. Je ne sais si la grande salle où elle entre appartient à la maison du prêtre ou fait partie des appartements des femmes employées au temple je sais qu'elle est vaste bien éclairée bien rangée et que zacharie et anne de fanuel s'y trouvent avec le grand prêtre magnifiquement vêtu marie arrivée au seuil s'incline profondément et n'avance que lorsque le grand prêtre lui dit avance marie n'aie pas peur marie se redresse et avance lentement, non par manque d'empressement, mais d'instinct, par un je ne sais quoi de solennel qui la fait paraître plus femme. Anne lui sourit pour l'encourager et Zacharie la salue. La paix à toi, cousine. Le pontife l'observe attentivement et puis à Zacharie. Elle est visible en elle la race de David et d'Aaron, fille. Je connais ta grâce et ta bonté, je sais que chaque jour tu as grandi en science et en grâce aux yeux de Dieu et des hommes. Je sais que la voix de Dieu murmure à ton cœur les plus douces paroles. Je sais que tu es la fleur du temple de Dieu et qu'un troisième chérubin se trouve devant le témoignage depuis que tu y es. Et je voudrais que le parfum de ta vie continuât de monter avec l'encens à chaque nouvelle journée, mais la loi dit d'autres paroles. Tu n'es plus une fillette désormais, mais une femme, et chaque femme en Israël doit être épouse pour porter son fils au Seigneur. Tu suivras le commandement de la loi. Ne crains pas, ne rougis pas. J'ai présente à l'esprit ta descendance royale. Déjà te protège la loi qui ordonne qu'à chaque homme soit donné une femme de sa race. Mais même si cette prescription n'existait pas, je le ferai pour ne pas porter atteinte à la noblesse de ton sang. Ne connais tu aucun homme de ta race, Marie, qui puisse être ton époux? Marie lève un visage tout rouge de pudeur. Sur ses cils brille un premier diamant, et d'une voix tremblante elle répond. Personne. Elle ne peut connaître personne, car elle est entrée ici tout enfant, dit Zacharie, et la race de David a été trop persécutée et dispersée pour permettre à ses différentes branches de se réunir pour faire une frondaison au palmier royal. Alors, nous laisserons le choix à Dieu. Les larmes jusque là retenues Jaillissent et coulent jusqu'à la bouche tremblante, et Marie jette vers sa maîtresse un regard suppliant. Marie s'est promise au Seigneur pour sa gloire et le salut d'Israël. Ce n'était qu'une petite, à peine capable d'épeler, et déjà elle s'était liée par un vœu, dit Anne pour lui venir en aide. Tes larmes, c'est alors pour cela, pas pour résister à la loi. Pour cela, pour rien d'autre, je t'obéis, prêtre de Dieu. Ceci confirme tout ce qui m'a été dit de toi. Depuis combien d'années es tu vouée à la virginité? Depuis toujours, je crois. Je n'étais pas encore venue au temple et déjà je m'étais donnée au Seigneur. Mais n'es tu pas la petite qui, il y a maintenant douze hivers, est venue me demander d'entrer? C'est moi. Et comment peux tu dire alors Qu'à ce moment déjà tu appartenais à Dieu. Si je regarde en arrière, je me retrouve vouée à Dieu. Je ne me souviens pas de l'instant où je suis née, ni comment je commençais à aimer ma mère et à dire à mon père Ô oh, Père, je suis ta fille. Mais je me souviens, et je ne sais quand cela a commencé, d'avoir donné mon cœur à Dieu. Peut-être ce fut avec le premier baiser que je suis donné. La première parole que je suis prononcée, le premier pas que je suis faire. Oui, voilà, je crois que mon premier souvenir d'amour, je le trouve dans ma première démarche assurée. Ma maison, ma maison avait un jardin rempli de fleurs. Elle avait un verger et des champs. Et il y avait là une source au fond, au pied d'un monticule, et elle jaillissait d'un rocher creusé qui formait une grotte. Elle était pleine d'herbes longues et minces qui descendaient de tous côtés en vertes petites cascades et semblaient pleurer. En effet, les petites feuilles légères, le feuillage qui semblait être une broderie, tout portait en suspension des gouttelettes d'eau qui, en tombant, faisaient entendre un petit tout petit carillon. Et la source aussi chantait, et il y avait des oiseaux sur les oliviers, et les pommiers qui se trouvaient là sur la pente au-dessus de la source, et des colombes blanches venaient se laver dans le miroir limpide de la fontaine. Je ne me rappelais pas de tout cela, parce que j'avais mis tout mon cœur en Dieu, et hormis mon père et ma mère, aimés de leur vivant ou après leur mort, mon cœur ne s'est attaché à aucun objet terrestre. Mais tu me fais penser, prêtre, je dois chercher quand je me suis donné à Dieu, et ce sont les souvenirs des premières années qui me reviennent. J'aimais cette grotte parce que, plus douce que le chant de l'eau et des oiseaux, j'entendais une voix qui me disait. Viens, mon aimé. J'aimais ces gouttes de diamants sonores parce que j'y voyais le signe de mon Seigneur. Et je me perdais à me dire. Vois tu, mon âme, comme il est grand, ton Dieu. Celui qui a fait pour l'Aquilon les cèdres du Liban a fait ces folioles qui ploient sous le poids d'un moucheron pour la joie de tes yeux et un tapis pour ton petit pied. J'aimais ce silence des choses pures, la brise légère, l'eau avec ses reflets argentins, la propreté des colombes. J'aimais la paix qui veillait sur la petite grotte, semblant retomber des pommiers et des oliviers, tantôt en fleurs et tantôt chargés de fruits précieux. Et, je ne sais, il me semblait que la voix me disait à moi oui, c'était bien à moi. Viens-toi, olive magnifique. Viens-toi, douce pomme. Viens-toi, fontaine scellée. Viens-toi, ma colombe. D'où est l'amour du père et de la mère? D'où c'était leur voix qui m'appelait? Mais cette voix, cette voix, oh, au paradis terrestre, je pense que c'est ainsi que l'entendit celle qui fut coupable, et je ne sais comment elle put préférer un sifflement à cette voix d'amour. Comment il put désirer une connaissance qui ne fut pas Dieu? Avec mes lèvres, qui ne connaissaient encore que le lait maternel, mais avec mon cœur enivré par le miel céleste, j'ai dit alors, me voici, je viens, je suis à toi, et nul autre maître n'aura ma chair, hormis toi, Seigneur, comme mon esprit n'a pas d'autre amour. Et, en le disant, il me semblait redire des choses Déjà dite, et accomplir un rite déjà accompli. Il ne me semblait pas étranger, l'époux que j'avais choisi, car je connaissais déjà l'ardeur de son amour. Ma vue s'était exercée en sa lumière, et ma puissance d'aimer s'était développée entre ses bras. Quand Je ne sais. Hors de la vie présente, dirais-je, car j'avais le sentiment de l'avoir toujours possédé, et que lui m'a toujours possédé et que j'existe parce que lui même m'a voulu pour la joie de son esprit et du mien. Maintenant j'obéis, prêtre, mais dis moi comment je dois agir. Je n'ai plus ni père ni mère. Toi, sois mon guide. Dieu te donnera l'époux, un époux saint, puisque tu t'es confié à lui. Tu lui diras ton vœu. Acceptera t-il? Je l'espère. Prie, ô fille, qu'il puisse comprendre ton cœur. Va maintenant, que Dieu t'accompagne toujours. Marie se retire avec Anne et Zacharie reste avec le pontife. C'est ainsi que la vision prend fin. Chapitre XIX. Joseph désigné comme époux pour la Vierge. Je vois une riche salle bien parée avec des tentures, des tapis et des meubles de marqueterie. Elle doit encore faire partie du temple parce qu'il s'y trouve des prêtres, et parmi eux Zacharie, et beaucoup d'hommes de tout âge, de vingt à cinquante ans plus ou moins. Ils parlent entre eux, doucement, mais la conversation est animée. Ils paraissent inquiets pour une raison que j'ignore. Tous sont en habits de fête avec des vêtements neufs, ou au moins très rafraîchis, comme s'ils étaient venus pour une fête. Beaucoup ont enlevé le turban qui leur sert de couvre chef d'autres l'ont encore, surtout les plus âgés, pendant que les jeunes montrent leur tête nue, aux cheveux blonds foncés, d'autres bruns, quelques uns très noirs, un seul avec des cheveux rouges cuivrés. Les chevelures sont courtes en majeure partie, mais il y en a de longues, arrivant même jusqu'aux épaules. Ils ne doivent pas se connaître tous entre eux, car ils s'observent avec curiosité mais ils semblent parents, car on s'en rend compte qu'une seule pensée les préoccupe. Dans un coin, je vois Joseph. Il parle avec un vieillard bien portant. Joseph est sur les trente ans, un bel homme aux cheveux courts et plutôt épais, d'un brun châtain comme la barbe, et les moustaches qui ombragent un beau menton, et montent vers les joues brun rouge, pas olivâtre comme chez les autres bruns, il a les yeux sombres, bons et profonds, très sérieux, je dirais presque un peu tristes, mais pourtant quand il sourit, comme à présent, ils expriment la joie et la jeunesse. Il est entièrement vêtu de marron clair, tenue simple mais très correcte. Un groupe de jeunes lévites entre. Il se range entre la porte et une table longue et étroite qui est près du mur, au centre duquel se trouve la porte qui reste ouverte. Il y a seulement une tenture qui pend jusqu'à vingt cm de terre et qui recouvre l'entrée. La curiosité du public s'aiguise, et plus encore, quand une main écarte le rideau pour donner passage à un lévite qui porte dans ses bras un faisceau de branches sèches sur lequel est posé délicatement un rameau fleuri. De légers flocons de pétales blancs, à peine teintés d'une nuance rose, qui à partir du centre s'irradie de plus en plus tendre jusqu'à l'extrémité des pétales légers. Le lévite dépose le faisceau de branches sur la table avec de délicates précautions pour ne pas abîmer ce rameau miraculeusement fleuri au milieu de tant de branches sèches. Un bruit se répand dans la salle, les coups s'allongent, les regards se font plus attentifs pour mieux voir. Zacharie lui-même, avec les prêtres plus proches de la table, cherche à voir, mais il ne voit rien. Joseph, dans son coin, donne à peine un coup d'œil au faisceau de branches, et quand son interlocuteur lui dit quelque chose, il fait un signe qui veut dire impossible et il sourit. Un son de trompette derrière le rideau silence complet, et tous se rangent en bel ordre, la figure tournée vers la sortie qui maintenant apparaît toute découverte parce qu'on a fait courir le rideau sur ses anneaux. entouré d'autres anciens, le grand prêtre fait son entrée. Tous s'inclinent profondément. Le pontife va auprès de la table et parle tout en restant debout. Homme de la race de David, qui est venu à mon appel. Écoutez. Le Seigneur a parlé. Louange à lui. De sa gloire, un rayon de lumière est descendu comme un soleil de printemps et a donné vie à un rameau sec. Il a fleuri miraculeusement alors qu'aucun rameau sur la terre n'est fleuri en ce moment. Dernier jour de l'incénie. Bien que la neige tombée ne soit pas encore disparue sur les hauteurs de Judas. C'est l'unique blancheur entre Sillon et béthanie, Dieu a parlé en se faisant père et tuteur de la vierge de David qui n'a que lui comme seule protection saint enfant gloire du temple et de sa race. elle a mérité que la parole de Dieu lui fasse connaître le nom de l'époux agréable à l'éternel, vraiment juste doit être celui-là, l'élu du Seigneur pour être le tuteur de la Vierge qui lui est si chère. Aussi, notre peine de la perdre s'apaise et nous n'avons plus de préoccupation sur son destin d'épouse. À celui que Dieu a désigné, nous confions en toute sécurité la Vierge sur laquelle repose la bénédiction de Dieu et la nôtre, le nom de l'époux et Joseph de Jacob de Bethléem de la tribu de David, charpentier à Nazareth de Galilée. Joseph, avance, c'est le grand prêtre qui te l'ordonne. Beaucoup de bruit, tête qui se retourne, des mains, des yeux qui se font signe, déception et satisfaction. Il en est surtout parmi les plus âgés qui doivent être heureux que le sort ne soit pas tombé sur eux. Joseph, tout rouge, est gêné d'avance. Il est maintenant devant la table en face du pontife, qui l'a salué respectueusement. Venez tous, et regardez le nom inscrit sur le rameau que chacun prenne sa propre branche pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Les hommes obéissent. Ils regardent le rameau délicatement tenu par le grand prêtre chacun prend le sien. Les uns le brisent, d'autres le gardent. Tous regardent Joseph. Certains le regardent en silence, d'autres le félicitent. Le petit vieux avec lequel il parlait au début de la séance lui dit Je te l'avais dit, Joseph, c'est celui qui se sent le moins assuré qui gagne la partie. Maintenant, tous ont défilé. Le grand prêtre donne à Joseph le rameau fleuri. Et puis lui met la main sur l'épaule en disant Elle n'est pas riche, et tu le sais, l'épouse que Dieu te donne. Et en elle est toute vertu. Sois-en toujours plus digne. Il n'y a pas une fleur aussi belle et pure comme elle en Israël. Sortez tous maintenant. Joseph reste. Et toi, Zacharie, son parent, amène l'épouse. Tous sortent sauf le grand prêtre et Joseph. On fait retomber le rideau sur la porte. Joseph se tient humblement près du prêtre majestueux. Un silence, et puis il dit. Marie doit te dire le vœu qu'elle a fait. Aide sa timidité. Sois bon avec elle, si bonne. Je mettrai à son service toutes mes forces, et pour elle aucun sacrifice ne me pèsera. Sois en assuré. Marie entre avec Zacharie et Anne de Phanuel. Viens, Marie, dit le pontife, voici l'époux que Dieu te destine. C'est Joseph de Nazareth. Tu retourneras donc dans ta cité. Maintenant, je vous laisse. Dieu vous donne sa bénédiction, que le Seigneur vous garde et vous bénisse, qu'il vous montre sa face et ait pitié de vous toujours qu'il tourne vers vous son visage et vous donne la paix. Zacharie sort pour accompagner le pontife. Anne se félicite avec l'époux et sort elle aussi. Les deux fiancés sont en face l'un de l'autre. Marie, toute rouge, a la tête inclinée. Joseph, un peu rouge aussi, l'observe et cherche les paroles à lui dire pour commencer. Il les trouve finalement et un sourire éclaire son visage. Il dit Je te salue, Marie. Je t'ai vue toute petite alors que tu avais quelques jours. J'étais l'ami de ton père, et j'ai un petit-fils de mon frère Alphée, qui aimait tant ta mère. C'était pour elle un petit ami, car il n'a que dix-huit ans, et quand tu n'étais pas encore né, c'était un tout petit homme, et il réjouissait la tristesse de ta mère, qui l'aimait tendrement. Tu ne nous connais pas parce que tu es venue ici toute petite. Mais à Nazareth, tout le monde t'aime bien et parle de la petite Marie de Joachim dont la naissance fut un miracle du Seigneur qui fit refleurir la stérile. Et moi, je me rappelle le soir de ta naissance, tout le monde s'en souvient à cause du prodige d'une forte pluie qui sauva les récoltes et d'un violent orage dans lequel les coups de foudre ne brisèrent pas même un brin de bruyère sauvage, et qui se termina par un arc-en-ciel plus grand et plus beau qu'on n'ait jamais vu. Et puis, qui ne se rappelle pas la joie de Joachim, il te balançait en te montrant au voisin, comme si tu avais été une fleur venue du ciel. Il t'admirait et voulait communiquer à tous son admiration. Heureux et vieux père qui mourut en parlant de sa Marie, si belle et si bonne. Et dont les paroles étaient pleines de grâce et de sagesse. Il avait raison de t'admirer et de dire qu'il n'y a pas une plus belle que toi. Et ta mère, elle remplissait de son champ le coin où est ta maison. On aurait dit une alouette au printemps quand elle te portait et après quand elle t'allaitait. C'est moi qui ai fait ton berceau, un petit berceau orné de roses sculptées comme le voulait ta mère. Peut-être est il encore dans votre demeure fermée? Je suis âgée, moi, Marie. Quand tu es née, je faisais mon apprentissage, je travaillais déjà. Qui m'aurait dit que je t'aurais eu pour épouse? Peut-être la mort d'Étienne aurait été plus heureuse parce que nous étions amis. J'ai enseveli ton père, le pleurant d'un cœur sincère, car il avait été un bon maître pour ma vie. Marie redresse doucement, doucement le visage de plus en plus rassuré en entendant Joseph lui parler ainsi. Quand il parle du berceau, elle esquisse un sourire, et quand Joseph lui parle de son père, elle lui tend la main et lui dit Merci, Joseph, un merci timide et plein de douceur. Joseph prend entre ses mains courtes et robustes de charpentier la petite main de Jasmin et la caresse avec une affection qui ne cesse de tâcher à la rassurer. Peut-être attend il d'autres paroles mais Marie se tait de nouveau. Alors il reprend. La maison, tu le sais, est intacte, sauf la partie qui a été abattue par ordre du consul pour transformer le sentier en une route pour les fourgons de Rome. Mais les champs, ce qui t'en est resté, parce que tu sais, la maladie de ton père a coûté une grande partie de tes biens, sont un peu négligés. Il y a plus de trois printemps que les arbres et les vignes n'ont pas vu le sécateur du jardinier, et la terre est inculte et dure. Mais les arbres, qui t'ont vu toutes petites, sont encore là, et si tu le permets. Je m'en occuperai de suite. Merci, Joseph. Mais tu as déjà ton travail. Je travaillerai à ton jardin les premières et les dernières heures du jour. En ce moment, les jours allongent. Pour le printemps, je veux que tout soit en ordre pour te faire plaisir. Regarde, c'est un rameau de l'amandier qui touche la maison. J'ai voulu le cueillir. On entre de tous côtés par la haie éventrée mais je vais la refaire solide et bien fournie. J'ai voulu cueillir ce rameau dans le cas où le choix serait tombé sur moi mais je ne l'espérais pas parce que je suis nazaréen, et j'ai obéi à la convocation parce qu'elle émanait du prêtre, non par désir du mariage. Je l'ai donc cueilli, disais je, en pensant que tu serais contente d'avoir une fleur de ton jardin. Le voilà, Marie, avec lui, je te donne mon cœur qui, jusqu'à présent, n'a fleuri que pour le Seigneur, et maintenant fleurit pour toi, mon épouse. Marie prend le rameau. Elle est émue et regarde Joseph d'un air plus rassuré et radieux. Elle se sent sûre de lui. Quand ensuite il lui dit. Je suis nazaréen, son visage devient tout lumineux, et elle prend courage. Moi aussi, J'appartiens tout à Dieu, Joseph, je ne sais si le grand prêtre te l'a dit. Il m'a dit seulement que tu es bonne et pure, et que tu dois me faire connaître un vœu que tu as fait et d'être bon avec toi. Parle, Marie, ton Joseph veut te rendre heureuse en tous tes désirs. Je ne t'aime pas selon la chair, je t'aime selon mon esprit, saint enfant que Dieu me donne. Vois en moi un père et un frère, pas seulement un époux, confie-toi à moi comme à un père et confiance comme en un frère, tout enfant, je me suis consacrée au Seigneur. Je sais que cela ne se fait pas en Israël, mais j'ai entendu une voix qui me demandait ma virginité en sacrifice d'amour pour l'avènement du messie. Il y a si longtemps qu'Israël l'attend. Ce n'est pas trop de renoncer pour cela à la joie d'être mère. Joseph la regarde fixement, comme s'il voulait lire au fond de son cœur, et puis, prenant les deux petites mains qui tiennent encore entre leurs doigts le rameau fleuri, il lui dit. Moi aussi j'unirai mon sacrifice au tien, et par notre chasteté nous témoignerons tant d'amour à l'Éternel tant d'amour que lui donnera plutôt le Sauveur à toute la terre, nous permettant de voir sa lumière illuminer le monde. Viens, Marie, allons devant sa maison, et jurons de nous aimer comme les anges s'aiment entre eux. Puis j'irai à Nazareth, préparer tout pour toi, dans ta maison si tu préfères, ou ailleurs si tu veux. Dans ma maison, il y avait une grotte au fond, y est-elle encore? Elle y est toujours, mais elle ne t'appartient plus. Mais je t'en ferai une tranquille et fraîche où tu pourras te retirer pendant les heures les plus chaudes de la journée. Je la ferai aussi grande. Et puis dis-moi, qui veux-tu pour te tenir compagnie? Personne, je n'ai pas peur. La mère d'Alphée qui vient toujours me voir me tiendra un peu compagnie le jour. La nuit, je préfère être seule. Aucun mal ne peut m'arriver. Et puis maintenant, j'y suis, moi. Quand dois-je venir te prendre Quand tu veux, Joseph. Alors, je viendrai dès que la maison sera bien rangée. Je ne dérangerai rien. Je veux que tu la trouves comme ta mère l'a laissée. Mais je la veux tout ensoleillée et très propre pour qu'elle t'accueille sans tristesse. Viens, Marie. Allons dire au Très-Haut que nous le bénissons. Je ne vois rien d'autre, mais il me reste sur le cœur le sentiment de sécurité qu'éprouve Marie. Chapitre 20 Mariage de la Vierge avec Joseph. Comme elle est belle, Marie, en ses vêtements d'épouse, parmi ses amis et ses maîtresses qui lui font fête. Il y a aussi parmi elles Élisabeth toute vêtue de lin d'un blanc éclatant si soyeux et si fin qu'on dirait une soie précieuse une ceinture d'or et d'argent travaillée au burin elle est faite entièrement de médaillons reliés par des chaînettes et chaque médaillon est une dentelle de fil d'or sur un fond d'argent que le temps a bruni elle serre sa taille fine et sans doute parce qu'elle est trop longue pour elle encore toute jeunette, elle pend par devant avec les trois derniers médaillons. Elle descend entre les plis de la robe très ample avec une courte traîne tellement elle est longue. À ses petits pieds des sandales de peau très blanches avec des boucles d'argent. Au cou, la robe est retenue par une chaînette à rosette d'or avec filigrane d'argent qui reprend en plus petit le motif de la ceinture, et passe à travers les larges jours du large décolleté en réunissant les plis qui forment une sorte de petit jabot. Le cou de Marie émerge de la blancheur des plis avec la grâce d'une tige enveloppée d'une gaze précieuse et paraît encore plus mince et plus blanc. Une tige de lys qui s'épanouit en un visage lilial encore plus pâle par l'émotion et plus pur le visage d'une hostie très pure. Les cheveux ne retombent plus sur les épaules ils sont gracieusement disposés en tresses entre et des attaches précieuses d'argent bruni toutes faites en broderie à filigrane les maintiennent en place depuis le sommet. Le voile maternel est posé sur ces tresses et retombe en formant des plis agréables au dessous de la lame précieuse qui en serre le front très blanc. Il descend jusqu'aux hanches, parce que Marie n'est pas si grande que sa mère et les dépasse, alors que pour Anne il s'arrêtait à la ceinture. Aux mains elle n'a rien. Aux poignets des bracelets mais ils sont si fins, ces poignets, que les pesants bracelets de sa mère retombent sur le dessus des mains, et peut-être que, si elle les secouait, ils tomberaient par terre. Ses compagnes la regardent dans tous les sens et l'admirent un gazouillement de passereaux avec leurs demandes et leurs cris d'admiration. C'était à ta mère? Ancien, vraiment? Comme elle est belle, cette ceinture, Sarah. Et ce voile, Suzanne. Mais regarde quelle finesse et ces listes tissées sur la trame. Fais moi voir les bracelets, Marie. Ils étaient de ta mère? Elle les mettait, mais ils sont de la mère de Joachim, mon père. Oh regarde, ils ont le seau de Salomon entrelacé dans des petites branches de palmiers et d'oliviers, avec, parmi des lys et des roses. Oh qui a exécuté un travail si parfait, si minutieux Ils sont de la maison de David, explique Marie. D'un siècle à l'autre, les femmes mettent ces bijoux quand elles deviennent épouses, et ils se transmettent par héritage. Eh oui, tu es fille héritière! « On t'a tout apporté de Nazareth ?»« Non. Quand ma mère mourut, ma cousine porta le trousseau dans sa maison pour le conserver intact. Maintenant, elle me l'a apporté. Où est -il »« Où est-il Où est-il Montre-le à tes amis. » Marie ne sait comment faire. Elle voudrait bien être courtoise, mais elle voudrait bien aussi ne pas déranger toutes ses affaires rangées dans trois coffres pesants. Les maîtresses interviennent à son aide. L'époux est sur le point d'arriver. Ce n'est pas le moment de mettre du désordre. Laissez-la, vous la fatiguez et allez vous préparer. Les seins des bavardes s'éloignent un peu boudeur. Marie peut se réjouir tranquillement avec ses maîtresses qui lui adressent des louanges et des bénédictions. Élisabeth aussi s'est approchée. Marie, émue, pleure parce que Anne de Fanuel l'appelle. « Ma fille !» et la baise avec des sentiments vraiment maternels. Élisabeth lui dit Marie, ta mère n'est pas là, mais pourtant elle y est. Son esprit exulte de joie près du tien. Et regarde, les effets que tu portes te redonnent sa caresse. Tu y trouves encore la saveur de ses baisers. Il y a longtemps, le jour même que tu es venue au temple, elle me dit Je lui ai préparé ses vêtements et son trousseau d'épouse. Je veux que ce soit moi qui file le lin. Et qui fasse ses robes d'épouse pour ne pas être absente le jour de sa joie. Et, sais-tu, les derniers temps, quand je prenais soin d'elle, elle voulait chaque soir caresser tes premières robes et celles que tu portes maintenant. Elle disait J'y sens l'odeur de jasmin de ma petite, et je veux qu'elle y sente le baiser de sa maman. Combien de baisers a ce voile qui tombera je le front Plus de baisers que de fils et quand tu mettras les linges qu'elle a tissés, pense que c'est moins le métier qui les a formés que l'amour de ta mère. Et ces colliers, aux heures mêmes de l'épreuve, ils furent sauvés par ton père pour ton amour, pour te faire belle comme il convient à une princesse de David à cette heure-ci. Sois joyeuse, Marie. Tu n'es pas orpheline, car les tiens sont avec toi. Et tu as un époux qui est pour toi. Père et mère tant il est parfait. Oh. Oui, c'est vrai. De lui je ne puis me plaindre certainement. En moins de deux mois il est venu deux fois, et aujourd'hui c'est pour la troisième fois qu'il vient défiant puis et vent pour prendre mes ordres. Pense donc mes ordres. À moi qui suis une pauvre femme et de combien plus jeune que lui. Et il ne m'a rien refusé. Et même il n'attend pas que je demande. Il semble qu'un ange lui dise mes désirs, et il m'en parle avant que j'ouvre la bouche. La dernière fois il m'a dit. Marie, je pense que tu préféreras rester dans la maison paternelle. Puisque tu es héritière, tu peux le faire si tu veux. Je viendrai dans ta maison, mais seulement pour observer le rite. Tu iras passer une semaine dans la maison d'Alphée, mon frère. Marie t'aime tant déjà. Et de là partira le soir des noces le cortège qui t'emmènera à la maison. N'est-ce pas gentil Il ne lui importe aucunement de faire dire aux gens que sa maison ne me plaît pas. À moi, elle aurait toujours plu, à cause de lui, si bon. Mais certainement, je préfère ma maison, à cause des souvenirs. Oh, il est bon, Joseph. Qu'a-t-il dit de ton vœu tu ne m'en as pas encore parlé. Il n'a pas fait d'objection. Même quand il a su les raisons, il a dit J'unirai mon sacrifice au tien. C'est un jeune saint, dit Anne de Fanuel. Le jeune saint entre à cet instant, accompagné de Zacharie. Il est vraiment splendide. Tout en jaune-or. Il paraît être un souverain oriental. Une magnifique ceinture. Porte sa bourse et le poignard, l'une en maroquin avec broderie d'or, l'autre aussi dans une gaine de maroquin à rayures d'or. Sur la tête, un turban, la coiffure de toile ordinaire qui sert de capuchon comme en portent encore certains peuples d'Afrique, les bédouins par exemple, maintenus en place par un fin cercle d'or auquel sont attachés des petits bouquets de myrte. Il salue. Paix à toi, mon épouse, paix à tous. Et après qu'on lui a répondu, j'ai vu ta joie le jour où je t'ai apporté le rameau de ton jardin. J'ai pensé t'apporter le myrte qui pousse près de la grotte qui t'est si chère. Je voulais t'apporter des roses qui commencent à fleurir contre ta maison. Mais les roses ne durent pas. En plus, les journées de voyage. Je ne t'aurais plus apporté que les épines. Et à toi, aimée, je ne veux offrir que des roses, et je veux joncher ton chemin de fleurs délicates et parfumées pour que tu puisses y poser le pied sans trouver aucune souillure et désagrément. Oh merci, comme tu es bon! Comment as-tu pu l'apporter jusqu'ici, aussi frais? J'ai attaché un vase à la selle, et à l'intérieur, j'ai mis les branches des fleurs encore en bouton. Le long du chemin, elles ont fleuri. Les Voici, Marie, que ton front s'orne de la guirlande, symbole de la pureté et symbole de l'épouse, mais d'une pureté toujours bien inférieure à celle de ton cœur. Élisabeth et les maîtresses ornent Marie de la guirlande en fleurs. Elles la forment en fixant au cercle précieux qui ceint le front les touffes blanches de myrte alternant avec de petites roses blanches prises dans un vase qui se trouve sur un coffre. Marie est pour prendre son ample manteau blanc pour le mettre sur ses épaules mais son époux devance son geste et l'aide à fixer le manteau en haut des épaules avec deux épingles d'argent. Les maîtresses disposent les plis avec grâce et amour. Tout est prêt. Pendant qu'on attend, je ne sais quoi, Joseph dit en s'écartant un peu avec Marie. J'ai pensé ces temps ci à ton vœu. Je t'ai dit que je le partage mais plus j'y pense, et plus je comprends que le naziréat temporaire, même renouvelé plusieurs fois, ne suffit pas. Je t'ai comprise, Marie. Je ne mérite pas encore la parole de lumière, mais un murmure me vient, et cela me fait lire ton secret au moins dans ses lignes les plus fortes. Je suis un pauvre ignorant, Marie, je suis un pauvre artisan, je ne connais pas les lettres et ne possède pas de trésor, mais je mets à tes pieds mon trésor, pour toujours, ma chasteté absolue, pour être digne d'être près de toi, Vierge de Dieu, sœur mon épouse, jardin fermé, fontaine scellée, comme l'a dit notre aïeul qui peut-être écrivit le cantique en te voyant, toi. Je serai le jardinier de ce jardin d'arômes où se trouvent les plus précieux fruits et d'où jaillit une source d'eau vive avec une suave impétuosité. Ta douceur, ô épouse, qui par ta candeur a conquis mon esprit, ô toute belle, belle plus qu'une aurore, soleil resplendissant, car c'est ton cœur qui resplendit, ô toi, qui es tout amour pour ton Dieu et pour le monde à qui tu veux donner le sauveur par ton sacrifice de femme. Viens, mon aimé, et il la prend délicatement par la main en la conduisant vers la porte. Tout le monde les suit, et à l'extérieur viennent s'unir ses compagnes en fête, toutes en blanc et revêtues d'un voile. Ils vont à travers les cours et les portiques au milieu de la foule qui les observe jusqu'à un endroit qui n'est pas le temple, mais qui paraît être une salle consacrée au culte. Il y a en effet des lampes et des rouleaux de parchemin comme dans les synagogues. Les époux se rendent jusqu'en face d'un pupitre élevé, une sorte de chair, et attendent. Les autres se mettent en rang par derrière. D'autres prêtres et des curieux s'installent dans le fond. Entre solennellement le grand prêtre. Il y a du bruit parmi les curieux. C'est lui qui marie? Oui. Elle est de la maison royale et sacerdotale, fleur de David et d'Aaron. L'épouse est une vierge du temple. L'époux est de la tribu de David. Le pontife met la main droite de l'épouse dans celle de l'époux et les bénit solennellement. Que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob soit avec vous. Qu'il vous unisse et réalise en vous sa bénédiction. En vous donnant sa paix et une nombreuse postérité, ainsi qu'une longue vie et une mort bienheureuse dans le sein d'Abraham. Et puis il se retire solennellement comme il est entré. On a échangé la promesse. Marie est l'épouse de Joseph. Tous sortent et toujours en bon ordre, ils vont dans une salle où est rédigé le contrat de mariage, où il est dit que Marie, héritière de Joachim de David et d'Anne d'Aaron, apporte en dot à son époux sa maison avec les biens annexes, son troupeau personnel et d'autres biens qu'elle a hérités de son père. Tout est fini. Les époux sortent dans la cour, puis se dirigent vers la sortie, près du quartier des femmes employées au temple. Un lourd char bien agencé les attend. Il est recouvert d'une toile et les lourds coffres de Marie s'y trouvent déjà. Adieu, baisers et larmes, bénédictions, conseils, recommandations. Et puis Marie monte avec Élisabeth et s'assied à l'intérieur du char. Sur le devant, Joseph et Zacharie. Ils ont enlevé les manteaux de fête et sont tous enveloppés dans des pèlerines foncées le char part au trop pesant d'un gros cheval de couleur foncée les murs du temple s'éloignent puis ceux de la ville et voici la campagne toute renouvelée fraîche et fleurie par le premier soleil du printemps les bléaux d'une palme au moins et paraissant de couleur émeraude avec leurs jeunes feuilles qui ondulent sous une brise légère qui sent les fleurs de péché et de pommiers, de trèfle et de menthe sauvage. Marie pleure doucement, doucement sous son voile, et de temps à autre écarte la toile pour regarder le temple lointain, la cité qu'elle a laissée. La vision se termine ainsi. Chapitre XXI Joseph est placé comme un sot sur un sot. Comme l'archange au seuil du paradis. Jésus dit Que dit le livre de la sagesse en chantant ses louanges Dans la sagesse se trouve en effet l'esprit d'intelligence, saint, unique, multiple, subtil. Il continue en énumérant ses qualités et termine avec ses paroles qu'elle peut tout, qu'elle prévoit tout, qu'elle comprend tous les esprits qu'elle est intelligente, pure, subtile. La sagesse pénètre tout par sa pureté, c'est une émanation de l'Esprit de Dieu, et donc en elle il n'y a rien d'impur, c'est une image de la bonté divine. Tout en étant unique, son unité peut tout, immuable comme elle est, elle renouvelle toutes choses. Elle se communique aux âmes saintes et forme les amis de Dieu et les prophètes, tu as vu comment Joseph, non par culture humaine mais par surnaturelle instruction, sait lire dans le livre scellé de la Vierge sans tache et comment il frôle par sa vue les vérités prophétiques en voyant un mystère surhumain là où les autres ne voient qu'une grande vertu, imprégné de cette sagesse qui s'exhale de la vertu de Dieu et qui est une émanation certaine de la toute puissance, il se dirige d'un esprit tranquille et sûr dans la mer de ce mystère de grâce qu'est Marie, se rencontre avec elle en des échanges spirituels où, plutôt que les lèvres, ce sont deux esprits qui se parlent dans le silence sacré des âmes, où ils n'entendent que la voix de Dieu, et ne la reçoivent que ceux qui sont agréables à Dieu, parce qu'ils le servent fidèlement et sont remplis de lui. La sagesse du juste qui s'accroît par l'union et la présence de la toute grâce le prépare à pénétrer dans les secrets les plus hauts de Dieu pour pouvoir les protéger et les défendre des pièges humains ou démoniaques. Et tout lui est occasion de renouvellement. D'un juste, elle en fait un saint et d'un saint le gardien de l'épouse et du fils de Dieu. Sans soulever le sceau de Dieu, lui le chaste, qui maintenant porte sa chasteté à un héroïsme angélique, peut lire la parole de feu écrite sur le diamant virginal par le doigt de Dieu, et il y lit ce que dans sa prudence il ne dit pas, mais qui est bien plus grand que ce que Moïse a lu sur les tables de pierre. Et pour qu'un œil profane ne déflore pas le mystère, il se place, sceau sur le sceau, archange de feu sur le seuil du paradis dans lequel l'Éternel prend ses délices, se promenant à la brise du soir. Et en parlant avec celle qui est son amour, bois de lys en fleurs, brise parfumée d'arômes, brise fraîche matinière, belle étoile, délice de Dieu, la nouvelle Ève est là devant lui, non pas os de ses eaux, ni chair de sa chair, mais compagne de sa vie, arche vivante de Dieu dont il en reçoit la tutelle, et qu'il doit rendre à Dieu pur comme il l'a reçue. Épouse à Dieu, il était écrit dans ce livre mystique aux pages Immaculées. Et quand le soupçon de l'épreuve lui souffla son tourment, lui, comme homme et comme serviteur de Dieu, souffrit comme personne au monde pour le sacrilège soupçonné, mais ce fut là l'épreuve future. À présent, en ce temps de grâce, il voit et il se met au service plus vrai de Dieu. C'est ensuite que viendra l'orage de l'épreuve, comme pour tous les saints, pour être éprouvé et pour être rendu coadjuteur de Dieu. Que lit-on dans le Lévitique? Dis à Aaron, ton frère, de ne pas entrer en tout temps. Dans le sanctuaire qui se trouve derrière le voile, devant le propitiatoire qui couvre l'arche, pour ne pas mourir lorsque j'apparaîtrai dans la nuée au-dessus de l'oracle, de ne pas entrer sans qu'il n'aura fait d'abord ces choses. Il offrira un veau, sacrifice pour le péché, et un mouton en holocauste. Il revêtira la tunique de lin et avec les caleçons de lin couvrira sa nudité. Et réellement, Joseph entre, quand Dieu le veut, et autant que Dieu le veut, dans le sanctuaire de Dieu, au delà du voile qui cache l'arche sur laquelle plane l'Esprit de Dieu, et s'offre et offrira l'agneau, holocauste pour le péché du monde et l'expiation de ce péché. Et cela, il le fait, vêtu de lin avec son corps mortifié par son vœu, pour en abolir les instincts, qui un jour, au commencement des temps, ont triomphé, lésant les droits de Dieu sur l'homme, et que maintenant il sera piétiné dans le Fils, dans la mère et dans le Père putatif, pour que les hommes retournent à la grâce et qu'il soit rendu à Dieu son droit sur l'homme. Il fait cela avec sa chasteté perpétuelle. Joseph n'était pas au Golgotha. Il vous semble qu'il ne soit pas parmi les corédempteurs. En vérité, je vous dis qu'il en fut le premier et pour cela il est grand aux yeux de Dieu. Grand par le sacrifice, la patience, la constance, la foi. Quelle foi plus grande que la foi de celui qui a cru sans avoir vu les miracles du Messie. Louange à mon Père putatif, exemple pour vous, de ce qui vous manque le plus, pureté, fidélité, amour parfait. À celui qui a merveilleusement lu le livre scellé, instruit par la sagesse pour savoir comprendre les mystères de la grâce, à celui que Dieu a choisi pour protéger le salut du monde contre les embûches de tous ses ennemis. Chapitre 22 Les époux arrivent à Nazareth. Le ciel le plus azuré d'un tiède mois de février s'étend sur les collines de Galilée, les douces collines que dans ce cycle de la Vierge enfant je n'ai jamais vues et dont l'aspect m'est désormais aussi familier que si j'y étais né. La route principale, humide, par suite d'une pluie récente, tombée peut-être la dernière nuit, n'est ni poussiéreuse ni non plus boueuse elle est régulière et propre comme une rue de ville, et elle se déroule entre deux haies d'aubépines en fleurs. C'est comme une surface neigeuse d'où s'exhale un parfum amer et de bois, coupée par d'énormes groupes de cactus aux feuilles grosses et plates, toutes hérissées d'aiguillons et garnies d'énormes groupes de fruits bizarres, poussés sans ordre à l'extrémité des feuilles. Leur forme et leur couleur évoquent toujours en moi les profondeurs marines avec les polypiers, les méduses et autres animaux des fonds marins. Au delà des haies qui servent de limite de propriété et qui s'allongent en tous sens en formant un bizarre dessin géométrique avec des courbes et des angles, des rhombes, des losanges, des carrés, des demi cercles, des triangles aux angles aigus ou obtus, les plus invraisemblables, c'est un dessin tout saupoudré de blanc comme un ruban capricieux qu'on aurait ainsi étendu, pour le plaisir, le long des champs, et sur lequel volent, piolent, chantent par centaines des oiseaux de toutes espèces dans la joie de l'amour et de la construction des nids. Au delà des haies, les champs avec les blés en herbe qui sont déjà plus hauts que ceux de Judée et des prés tout fleuris, et sur eux, en réponse aux légères nuées du ciel auxquelles le crépuscule donne des teintes de rose, de lilas clair, de violettes, de pervenches, d'opales azurées, d'oranges corail, par centaines et centaines, les nuées des arbres à fruits, blanches, rosées, rouges, avec toutes les nuances intermédiaires. Avec le léger vent du soir, papillonne et tombent les premiers pétales des arbres en fleurs. On dirait des essaims de papillons à la recherche du pollen sur les fleurs de la campagne, et d'un arbre à l'autre, des festons de vignes, encore dénudés, sauf qu'à leur sommet, là où le soleil tape davantage, c'est l'ouverture innocente, étonnée, palpitante des premières petites feuilles. Le soleil se couche tranquille dans le ciel si doux dans son azur, que la lumière rend encore plus clairée, il fait briller au loin les neiges de l'Hermont et d'autres cimes lointaines. Un char va sur la route. C'est celui qui porte Joseph et Marie avec ses cousins. Le voyage se termine. Marie regarde du regard anxieux de qui veut connaître et même reconnaître ce qu'il voit et dont il ne se rappelle pas. Et elle sourit quand quelque souvenir imprécis revient et s'arrête sur telle et telle chose, sur un point particulier. Elisabeth et avec elle Zacharie et Joseph l'aident à se souvenir en précisant telle ou telle cime, telle ou telle maison maison désormais car Nazareth déjà se montre étendue sur l'ondulation de sa colline. Frappée à gauche par le soleil couchant, la cité montre ses petites maisons blanches, larges et basses, que surmonte une terrasse teintée de rose Certaines que le soleil frappe en plein semblent éclairées par un incendie tant leur façade est rougie par le soleil qui fait briller l'eau des canaux et des puits bas, presque sans parapet, d'où montent les seaux pour la maison et les arrosoirs pour le potager. Enfants et femmes se mettent sur le bord de la route, jetant un coup d'œil dans le chat, et saluent Joseph, bien connu mais après il reste perplexe et intimidé devant les trois autres, mais quand on entre dans la cité proprement dite, il n'y a plus ni perplexité ni crainte. Beaucoup et beaucoup de tout âge se trouvent au début du pays sous un arc rustique de fleurs et de feuillages, et à peine le char apparaît de derrière le coude de la dernière maison campagnarde qui s'échappe à l'alignement, c'est une roulade de cris aigus. Les gens agitent des rameaux et des bouquets. Ce sont les femmes, les jeunes filles et les enfants de Nazareth qui saluent l'épouse. Les hommes plus retenus se tiennent en arrière de la haie remuante et bruyante et saluent avec gravité. Maintenant, le char a été découvert avant d'arriver au pays car le soleil n'est plus gênant et permet ainsi à Marie de bien voir la terre natale. Marie apparaît belle comme une fleur, blanche et blonde comme un ange. Elle sourit avec bonté aux enfants qui lui jettent des fleurs et lui envoient des baisers aux jeunes filles de son âge qui appelle par son nom, aux épouses, aux mères, aux vieilles qui la bénissent avec leur voix chantante. Elle s'incline devant les hommes et spécialement devant l'un d'eux qui est peut-être le rabbin ou le principal personnage du pays. Le char avance au pas par la rue principale suivi d'une grande partie de la foule pour laquelle l'arrivée est un événement. Voici ta maison, Marie, dit Joseph, en indiquant avec le fouet une petite maison qui se trouve exactement au bas d'une ondulation de la colline et qui a par derrière un beau et vaste jardin tout en fleurs qui se termine avec un tout petit olivier. Plus loin, l'habituelle haie d'aubépine et de cactus marque la limite de la propriété. Les champs, autrefois à Joachim, sont plus loin. Il t'est resté peu de choses, dit Zacharie. La maladie de ton père fut longue et coûteuse coûteuses aussi les dépenses pour les réparations les dégâts faits par rome tu vois la route a supprimé les trois principales dépendances et la maison a été réduite pour l'agrandir sans lourdes dépenses on a utilisé une partie de la colline qui fait grotte joachim y gardait les provisions et anne ses métiers tu feras ce qui te semblera bon oh que ce soit peu de choses n'importe cela me suffira toujours. Je travaillerai. Non, Marie, c'est Joseph qui parle, c'est moi qui travaillerai. Tu ne feras que les travaux de lingerie, de couture de la maison. Je suis jeune et fort, et je suis ton époux. Ne me mortifie pas avec ton travail. Je ferai comme tu veux. Oui, pour cette question, c'est ma volonté. Pour tout le reste, tous tes désirs font loi. Mais pas pour cela. Ils sont arrivés, le char s'arrête. Deux femmes et deux hommes, respectivement sur les quarante et cinquante ans, sont près de la porte et avec beaucoup de bambins et de jeunes. Dieu te donne la paix, Marie, dit l'homme le plus âgé, et une femme à bord de Marie l'embrasse et la baise. C'est mon frère Alphée et Marie sa femme, et ceux-ci sont leurs fils. Ils sont venus exprès pour te fêter et te dire que leur maison est la tienne, si tu veux, dit Joseph. Oui, viens, Marie, s'il t'est pénible de vivre seule. La campagne est belle au printemps et notre maison est au milieu des champs en fleurs. Là, tu seras la plus belle fleur, dit Marie de Alphée. Je te remercie, Marie. Bien volontiers, je viendrai. Je viendrai de temps en temps et sans faute pour les noces. Mais je désire Tant de voir, de reconnaître ma maison. J'étais toute petite quand je l'ai quittée, et j'ai oublié son aspect. Maintenant je la retrouve, et il me semble de retrouver ma mère que j'ai perdue, mon père bien-aimé, de retrouver l'écho de leurs paroles, et le parfum de leurs derniers soupirs. Il me semble n'être plus orpheline, puisqu'autour de moi, j'ai l'embrassement des murs comprends-moi, Marie. » La voix de Marie trahit son émotion et des larmes perlent à Cécile. Marie d'Alphée répond « Comme tu veux, aimer. Je veux que tu me sentes comme une sœur et une amie et un peu aussi une mère parce que je suis de beaucoup plus âgée que toi. » L'autre femme s'avance « Marie, je te salue. Je suis Sarah, l'amie de ta mère. Je t'ai vue naître. » Et voilà Alphée Petit-fils d'Alphée et grand ami de ta mère. Ce que j'ai fait pour ta mère, je le ferai pour toi, si tu veux. Vois-tu, ma maison est la plus proche de la tienne et tes champs sont maintenant à nous. Mais si tu veux venir, tu le peux à toute heure. Nous ferons un passage dans la haie et nous serons ensemble, tout en restant chacun chez soi. Voilà mon mari. Je vous remercie tous et pour tout. De tout le bien que vous avez voulu faire au mien et que vous voulez me faire. Que vous bénisse le Dieu Tout Puissant. Les lourdes caisses sont déchargées et portées à la maison. On entre et je reconnais la petite maison de Nazareth telle qu'elle est plus tard dans la vie de Jésus. Joseph prend Marie par la main, geste habituel, et il entre ainsi. Sur le seuil il lui dit Et à présent, sur ce seuil, je veux de toi une promesse que n'importe quelle chose survienne ou qui t'arrive tu n'es d'autre ami d'autre aide vers qui te tourner que vers joseph et que pour aucun motif tu n'aies à t'enfermer dans ta peine je suis tout entier à ta disposition rappelle-toi et ce sera là ma joie de rendre heureux ton chemin et puisque le bonheur n'est pas toujours en notre pouvoir au moins de te le faire paisible et sûr je te le promets joseph on ouvre portes et fenêtres le soleil couchant entre curieux marie maintenant a quitté le manteau et le voile parce que sauf les fleurs de myrte elle a encore le vêtement de noces elle sort dans le jardin en fleurs elle regarde et sourit et avec toujours sa main dans celle de joseph elle fait le tour du jardin elle semble reprendre possession d'un lieu perdu et joseph lui montre ses travaux tu vois ici j'ai fait ce trou pour recueillir l'eau de pluie car ces vignes ont toujours soif à cet olivier j'ai coupé les branches les plus vieilles pour le revigorer j'ai planté ces pommiers parce que deux étaient morts et là j'ai mis des figuiers quand ils auront poussé ils protégeront la maison d'un soleil trop ardent et des regards curieux là est l'ancienne tonnelle j'ai seulement changé les supports pourris et travaillé avec les ciseaux. Elle donnera beaucoup de raisin, j'espère. Et là, regarde, et tout fier, il la conduit vers la pente qui se dresse au dos de la maison et qui fait la limite du verger. Et là, j'ai creusé une petite grotte et l'ai étayée. Et quand ces petites plantations auront grandi, elle sera à peu près aussi grande que celle que tu avais. Il n'y a plus la source, mais j'espère amener un filet d'eau. Je travaillerai pendant les longues soirées d'été quand je viendrai te voir. Mais comment, dit Alphée, vous ne faites pas les noces cet été Non. Marie désire filer les draps de laine, unique chose qui manque au trousseau. Et j'en suis heureux. Elle est si jeune, Marie, qu'il n'y a pas d'importance qu'elle attende un an ou plus. En attendant, elle s'habitue à la maison. Ah, tu as toujours été un peu différent des autres et tu l'es encore maintenant. Je me demande qui n'aurait pas hâte d'avoir pour femme une fleur comme Marie. Et toi, tu attendais moi? Joie longuement attendue, joie plus intensément goûtée, répond Joseph avec un fin sourire. Le frère hausse les épaules et demande Et alors, qu'en penses-tu aux noces? Quand Marie prendra ses seize ans? après la fête des tabernacles. Elles seront douces les soirées d'hiver pour les nouveaux époux. Et il sourit encore en regardant Marie, un sourire d'entente secrète et plein de douceur, d'une consolante chasteté fraternelle. Puis il reprend son tour. Ici, c'est la pièce dans la butte. Si tu veux, j'en ferai mon atelier quand je viendrai. Elle communique, mais ce n'est pas dans la maison. Ainsi, il n'y aura ni bruit ni désordre. Si pourtant tu veux autrement. Non, Joseph, ça va très bien ainsi. On rentre à la maison et on allume les lampes. Marie est fatiguée, dit Joseph. Laissons-la tranquille avec les cousins. Tous saluent et s'en vont. Joseph reste encore quelques minutes et parle à Zacharie à voix basse. Ton cousin te laisse Élisabeth quelque temps. Es-tu contente? Moi, oui, parce qu'elle t'aidera à devenir une parfaite maîtresse de maison, avec elle tu pourras disposer toutes choses à ton goût et ranger le mobilier, et je viendrai tous les soirs t'aider. Avec elle tu pourras te procurer la laine et tout ce qu'il faut. C'est moi qui réglerai les dépenses. Souviens-toi que tu as promis de t'adresser à moi pour tout. Adieu, Marie. Dors ton premier sommeil de dame dans cette maison qui est à toi. Et que l'ange de Dieu te le rende paisible. Que le Seigneur soit toujours avec toi. Adieu, Joseph. Que toi aussi tu sois sous l'aile de l'ange de Dieu. Merci, Joseph. Pour tout, autant que je le puis, mon amour répondra au tien. Joseph salue les cousins et sort. En même temps, la vision cesse. Jésus dit. Le cycle est terminé, et avec lui si doux et si suave, ton Jésus t'a porté sans secousse hors du tumulte de ses jours. Comme un petit enfant revêtu d'une douce laine et posé sur des coussins moelleux, tu as été plongé dans ces visions bienheureuses pour ne pas ressentir, terrorisé, la férocité des hommes qui se haïssent au lieu de s'aimer. Tu ne pourrais plus supporter certaines choses et je ne veux pas que tu en meures, parce que j'ai soin de mon porte-voix. Elle va cesser dans le monde la cause pour laquelle les victimes ont été torturées par tous les désespoirs. Pour toi aussi, Marie, va cesser le temps de souffrir terriblement pour trop de raisons qui violentent tes sentiments personnels. Tu ne cesseras pas de souffrir, tu es victime. Mais une partie de tes souffrances celle là va cesser. Puis viendra le jour où je dirai comme à Marie de Magdala mourante. Repose toi. Il est temps pour toi de te reposer. Donne moi tes épines. Il est temps de rose. Repose toi et attends. Je te bénis, bénis. Je t'ai dit cela, et c'était une promesse, et tu ne l'as pas comprise au moment où arrivait le temps où tu serais plongée, roulée, enchaînée, couverte par les épines, dans la plus profonde obscurité. Cela, je te le répète maintenant, avec une joie telle que seul l'amour que je suis peut éprouver quand il peut faire cesser une douleur pour son aimé. Cela, je te le dis maintenant, le temps du sacrifice cesse. Et moi qui sais, je te le dis. Pour le monde qui ne sait pas, pour l'Italie, pour Viareggio, pour ce petit pays où tu m'as apporté. Médite le sens de ces paroles. Le merci réservé aux holocaustes pour leur sacrifice. Quand je t'ai montré Cécile, vierge épouse, je t'ai dit qu'elle était imprégnée de mes parfums, et qu'à leur odeur elle a entraîné Marie, beau-frère, serviteur, parente, amie. Tu l'as fait sans le savoir, mais moi, je te le dis, moi, moi, de ma parole, tu as porté mes désirs parmi les personnes et les meilleurs ont compris, et après toi, victime, beaucoup et beaucoup en sont sortis. Et si ce n'est pas la ruine complète de ta patrie et des lieux qui te sont les plus chers, c'est parce que beaucoup d'hosties ont été consumées à la suite de ton exemple et de ton activité. Merci béni, mais continue encore. J'ai grand besoin de sauver la terre, de racheter la terre. Vous les victimes, vous êtes le prix du rachat. La sagesse qui a instruit les saints et instruit par un enseignement direct t'élève toujours plus à l'intelligence de la science de vie et à sa pratique. Dresse toi aussi ta petite tente près de la maison du Seigneur. Enfonce aussi les pieux de ta tente dans la demeure de la sagesse et restes-y sans jamais en sortir. Tu reposeras sous la protection du Seigneur qui t'aime comme un oiseau au milieu des branches fleuries et il te mettra à l'abri de toutes intempéries spirituelles et tu seras dans la lumière de la gloire de Dieu d'où descendront pour toi des paroles de paix et de vérité. Va en paix! Je te bénis, bénis. Tout de suite après, Marie dit À Marie, le cadeau de la maman pour sa fête, une chaîne de cadeaux. Et s'il y a parmi eux quelque épine, ne t'en plains pas au Seigneur qui t'a aimé comme il en a aimé bien peu. Je t'avais dit au début écris sur moi, toute peine trouvera sa consolation. Tu as vu que c'était vrai. Ce cadeau, était réservé pour ce temps de trouble. Nous n'avons pas seulement soin de l'esprit, mais nous savons nous préoccuper aussi de la matière qui n'est pas reine, mais servante utile pour l'esprit, pour lui permettre d'accomplir sa mission. Sois reconnaissante au Très-Haut, qui pour toi est vraiment père, même au sens affectueusement humain, et qui te berce en de suaves extases pour te cacher ce qui t'épouvanterait. Aime-moi toujours plus. Je t'ai porté avec moi dans le secret de mes premières années. Maintenant tu sais tout de la maman. Aime moi comme fille et sœur dans ta destinée de victime, et aime Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint en perfection d'amour. Que la bénédiction du Père, du Fils et de l'Esprit Saint passe par mes mains prennent le parfum de mon maternel amour pour toi, et sur toi elles descendent et reposent. Sois surnaturellement heureuse. CHAPITRE XXIII L'Annonciation Voici ce que je vois. Marie, une très jeune adolescente, quinze ans au plus à la voir, est dans une petite pièce rectangulaire, une vraie chambre de jeune fille. Contre le plus long des deux murs se trouve le lit, une couchette basse, sans rebord, couverte de nattes ou de tapis. On les dirait étendus sur une table ou une clé à roseaux. Ils sont en effet rigides et ne forment pas de courbe comme il arrive sur nos lits. Sur l'autre mur, une étagère, avec une lampe à huile, des rouleaux de parchemin, un travail de couture soigneusement plié, que l'on dirait de la broderie. À côté, vers la porte qui est ouverte sur le jardin mais couverte d'un rideau qu'un vent léger remue, est assise sur un tabouret bas la Vierge. Elle file du lin très blanc et doux comme de la soie. Ses petites mains, un peu moins claires que le lin, font tourner agilement le fuseau. Le petit visage jeune et si beau, si beau, légèrement courbé avec un léger sourire. Comme si elle caressait ou suivait quelques douces pensées. Un profond silence dans la petite maison et le jardin. Une paix profonde tant sur le visage de Marie que dans son environnement. La paix et l'ordre. Tout est propre et en ordre est le milieu très humble en son aspect et dans l'ameublement. Presque comme une cellule à quelque chose d'austère et en même temps de royal à cause de la netteté et du soin avec lequel sont disposées les étoffes sur le lit, les rouleaux, la lumière, le petit broc de cuivre près de la lumière et avec dedans un faisceau de branches fleuries, branches de pêcher ou de poirier, je ne sais, mais ce sont certainement des arbres à fruits avec des fleurs légèrement rosées. Marie se met à chanter à voix basse et puis elle élève un peu la voix. Ce n'est pas du grand chant, mais c'est déjà une voix qui vibre dans la petite pièce, et où on sent vibrer son âme. Je ne comprends pas les paroles, c'est certainement de l'hébreu, mais comme elle répète fréquemment Yahvé, je comprends qu'il s'agit de quelque chant sacré, peut-être un psaume. Peut-être Marie se rappelle les cantiques du temple, et ce doit être un doux souvenir, car elle pose sur son sein les mains qui tiennent le fil et le fuseau, et elle lève la tête en l'appuyant en arrière sur le mur. Son visage brille de vives couleurs et ses yeux perdus dans je ne sais quelle douce pensée sont rendus plus luisants par des pleurs retenus mais qui les font paraître plus grands. Et pourtant ses yeux rient, sourient à une pensée qu'ils suivent et l'abstrait de ce qui l'entoure. Le visage de Marie émerge du vêtement blanc et très simple rosée et encadrée par les tresses qu'elle porte comme une couronne autour de la tête. On dirait une belle fleur. Le chant se change en une prière. Seigneur, Dieu Très haut, ne tarde pas d'envoyer ton serviteur pour apporter la paix sur la terre. Suscite le temps favorable et la Vierge pure et féconde pour l'avènement de ton Christ. Père, Père saint, Accorde à ta servante d'offrir sa vie dans ce but. Accorde-moi de mourir après avoir vu la lumière et ta justice sur la terre et d'avoir vu accomplie la rédemption. Ô Père saint, envoie à la terre ce qui a fait soupirer les prophètes. Envoie à ta servante le rédempteur, qu'à l'heure où se terminera ma journée, s'ouvre pour moi ta demeure parce que ces portes auront déjà été ouvertes par ton Christ pour tous ceux qui ont espéré en toi. Viens, viens, ô Esprit du Seigneur, viens vers tes fidèles qui t'attendent, viens, Prince de la paix. Marie reste ainsi hors d'elle même. Le rideau remue plus fort, comme si quelqu'un par derrière faisait un courant d'air ou le secouait pour l'écarter. Et une lumière blanche de perles, associée à l'argent pur, rend plus clairs les murs légèrement jaunes, plus vives les couleurs des étoffes, plus spirituel le visage levé de Marie. Dans la lumière et sans que la tenture soit écartée sur le mystère qui s'accomplit, même elle ne remue plus. Elle pend absolument rigide contre les montants, comme si c'était un mur qui isole l'intérieur de l'extérieur. Dans cette lumière se prosterne l'archange. Il doit nécessairement prendre un aspect humain, mais cet aspect transcende l'humain. De quelle chair est formée cette figure très belle et fulgurante De quelle substance Dieu l'a-t-elle matérialisée pour la rendre sensible au sens de la Vierge Seul Dieu peut posséder ces substances et s'en servir si parfaitement. C'est un visage. C'est un corps. Ce sont des yeux, une bouche, des cheveux et des mains comme les nôtres mais ce n'est pas notre opaque matière. C'est une lumière qui a pris la couleur de la chair, des yeux, de la chevelure, des lèvres, une lumière qui se meut et sourit et regarde et parle. Salut, Marie, pleine de grâce. Salut. La voix est un doux accord comme de perles qui tombent sur un métal précieux. Marie tressaille et baisse les yeux, et elle tressaille davantage quand elle voit cette créature de lumière agenouillée à un mètre environ de distance d'elle, les mains croisées sur la poitrine, la regardant avec un infini respect. Marie se dresse debout et se serre contre le mur elle devient pâle puis rouge. Son visage exprime l'étonnement, effarement elle serre inconsciemment les mains sur son sein en les cachant sous ses longues manches. Elle se courbe presque pour cacher le plus possible son corps. Une attitude de suave pudeur. Non, ne crains pas. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Mais Marie continue à craindre. D'où est venu cet être extraordinaire? Est-ce un envoyé de Dieu ou du trompeur? Ne crains pas, Marie, répète l'archange. Je suis Gabriel, l'ange de Dieu. Le Seigneur m'a envoyé vers toi. Ne crains pas, parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et maintenant, tu vas concevoir dans ton sein et enfanteras un fils, et tu lui donneras comme nom Jésus. Il sera grand on l'appellera le fils du très haut et il le sera en réalité et le seigneur dieu lui donnera le trône de david son père et il régnera éternellement sur la maison de jacob et son règne n'aura jamais de fin comprends ô sainte vierge aimée du seigneur sa fille bénie appelée à être la mère de son fils quel fils tu engendreras Comment cela peut il se faire si je ne connais point d'homme? Est ce que le Seigneur Dieu n'accueille pas l'offrande de sa servante et ne me veut pas vierge par amour pour lui? Non, ce ne sera pas par œuvre d'homme que tu seras mère, ô Marie. Tu es l'éternelle Vierge, la sainte de Dieu. L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Pour cela, on appellera saint celui qui naîtra de toi, saint et fils de Dieu. Tout est possible au Seigneur notre Dieu. Élisabeth, stérile, a conçu dans sa vieillesse un fils qui sera le prophète de ton fils, celui qui lui préparera le chemin. Le Seigneur lui a enlevé son opprobre. Et son souvenir restera parmi les peuples uni à ton nom, comme le nom de sa créature à celui de ton sein. Et jusqu'à la fin des siècles, les nations vous proclameront bienheureuses pour la grâce du Seigneur venue jusqu'à vous et jusqu'à toi spécialement, venue aux nations par ton intermédiaire. Élisabeth en est à son sixième mois. Et le poids qu'elle porte fait monter en elle la joie et la fera monter davantage quand elle connaîtra ta propre joie. Rien n'est impossible à Dieu, Marie, pleine de grâce. Que dois-je dire à mon Seigneur? Ne te laisse pas troubler par aucune pensée. Le Seigneur veillera sur tes intérêts si tu te fies à lui. Le monde, le ciel, l'éternel, Attends de ta parole. Marie, croisant à son tour ses mains sur sa poitrine et se courbant en une profonde inclination, dit Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. L'ange étincelle de joie, il adore parce que certainement il voit l'Esprit de Dieu. S'abaisser sur la Vierge toute courbée dans son consentement. Puis il disparaît sans remuer la tenture qu'il laisse tirer sur le mystère saint. Chapitre XXIV La désobéissance de la première Ève Jésus dit Ne lit-on pas dans la Genèse que Dieu donna à l'homme la domination sur tout, sauf sur Dieu et les anges ses ministres. N'y lit-on pas qu'il fit la femme pour être la compagne de l'homme, pour partager sa joie et sa maîtrise sur tous les êtres vivants N'y lit-on pas qu'il pouvait manger de tout, sauf des fruits de l'arbre de la science du bien et du mal Pourquoi Qu'est-ce qui est sous-entendu dans ces paroles Qu'il domine Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arbre de la science du bien et du mal? Vous êtes-vous jamais demandé cela? Vous qui cherchez tant de choses inutiles et ne savez pas demander à votre âme les vérités célestes? Votre âme, si elle était vivante, vous le direz. Elle qui, quand elle est en état de grâce, est comme une fleur entre les mains de votre ange. Elle qui, quand vous êtes en état de grâce, ressemble à une fleur qui reçoit le baiser du soleil, rafraîchi par la rosée, par l'action de l'Esprit Saint qui la réchauffe et l'éclaire, la rose et l'embellit par des lumières célestes. Que de vérité vous dirait votre âme si vous saviez converser avec elle, si vous l'aimiez comme ce qui vous donne la ressemblance avec Dieu, qui est esprit, comme votre âme est esprit. Quelle grande amie vous auriez en votre âme si vous l'aimiez au lieu de la haïr jusqu'à la tuer. Quelle grande et sublime amie avec laquelle vous pourriez parler des choses du ciel, vous qui êtes si avide de parler, et vous vous dégradez l'un l'autre avec vos amitiés. Ces amitiés, si elles ne sont pas indignes, ceux qui arrivent parfois sont cependant à peu près toujours inutiles, ne donnant occasion de s'exprimer qu'un flot de paroles vaines et nuisibles et toujours toutes terrestres. N'ai-je pas dit Qui m'aime gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure L'âme en état de grâce possède l'amour et possédant l'amour, elle possède Dieu, c'est-à-dire le Père qui la conserve, le Fils qui la gouverne, l'Esprit qui l'éclaire. Elle possède donc la connaissance, la science, la sagesse, elle possède la lumière. Pensez donc quelle conversation sublime pourrait lier votre âme avec vous. Ce sont elles qui ont rempli le silence des prisons. Le silence des cellules, le silence des ermitages, le silence d'infirmes pieux. Ce sont elles qui ont réconforté les prisonniers dans l'attente du martyr, les cloîtrés à la recherche de la vérité, les solitaires aspirant à une connaissance anticipée de Dieu, les infirmes à l'acceptation, mais que dis-je, à l'amour de leur croix. Si vous saviez également interroger votre âme, elle vous dirait la signification vraie, exacte, vaste comme le monde de cette parole pour qu'il domine et qui est celle ci pour que l'homme domine sur tout. Sur tous ces trois états. L'état inférieur animal, l'état intermédiaire moral, l'état supérieur spirituel, et que tous les trois l'inclinent à une seule fin, posséder Dieu, le posséder en le méritant avec cette domination absolue qui tient assujettie toutes les forces du moi et les fait servantes de cet unique but, mériter de posséder Dieu. Elle vous dirait que Dieu avait interdit la connaissance du bien et du mal, parce que le bien, il l'avait accordé gratuitement à ses créatures. Et le mal, il ne voulait pas que vous le connaissiez, parce que c'est un fruit doux au palais, mais qui, descendu avec son suc dans le sang, y apporte une fièvre qui tue et produit une soif ardente, si bien que plus on en boit de ce suc mensonger, et plus on en a soif. Vous objecterez. Et pourquoi l'y a t-il mis? Et pourquoi? Parce que le mal est une force qui est née d'elle même spontanée, comme certains maux qui s'attaquent aux corps les plus saints. Lucifer était un ange, le plus beau des anges, esprit parfait, inférieur à Dieu seulement. Et pourtant, dans son être de lumière naquit une vapeur d'orgueil qu'il ne dissipa pas, mais au contraire il la condensa en la couvant. De cette incubation est né le mal. Il existait avant que l'homme existât. Dieu avait précipité hors du paradis le maudit qui avait couvé le mal, qui avait souillé le paradis, mais il est resté l'éternel incubateur du mal et, ne pouvant plus souiller le paradis, il a souillé la terre. Cette plante symbolique sert à démontrer cette vérité. Dieu avait dit à l'homme et à la femme. Vous connaissez toutes les lois et les mystères de la création mais n'usurpez pas mon droit d'être le Créateur de l'homme. Pour propager la race humaine, il suffira mon amour qui circulera en vous et sans luxure, par le seul mouvement de la charité, il suscitera les nouveaux Adam de la race humaine. Je vous donne tout, je ne me réserve que ce mystère de la formation de l'homme. Satan a voulu enlever à l'homme cette virginité de l'intelligence, et avec sa langue de serpent, a flatté et caressé les membres et les yeux d'Ève en produisant des réflexes et une excitation. Que les premiers parents ne connaissaient pas, parce que la malice ne les avait pas empoisonnés. Ève vit, et en voyant, elle voulut essayer. C'était l'éveil de la chair. Oh, si elle avait appelé Dieu, si elle avait couru lui dire Père, je suis malade, les caresses du serpent ont excité le trouble en moi. Le Père l'aurait purifié et guéri de son souffle qui comme il lui avait infusé la vie il pouvait lui infuser une nouvelle innocence en lui faisant oublier le poison du serpent et même en mettant en elle l'horreur du serpent comme ceux qui attaqués par un mal en ont été guéris et conservent envers ce mal une instinctive répugnance mais ève ne va pas au père elle se dirige vers le serpent cette sensation lui est douce, en voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger, beau pour les yeux, gracieux à voir, elle le cueillit et en mangea. Et elle comprit désormais la malice était descendue en ses entrailles avec sa morsure. Elle vit avec des yeux nouveaux et entendit avec des oreilles nouvelles les mœurs et les voix des brutes. Et les désira d'un désir fou. Elle commença seule le péché, l'acheva avec son compagnon. Voilà pourquoi sur la femme pèse une condamnation plus grande. C'est par elle que l'homme est devenu rebelle à Dieu et qu'il a connu la luxure et la mort. C'est par elle qu'il n'a plus su dominer ses trois règnes, de l'esprit, parce qu'il a permis que l'esprit désobéisse à Dieu. De la conduite morale, parce qu'il a permis que les passions le dominent. De la chair, parce qu'il l'a rabaissé au niveau des lois instinctives des brutes. Le serpent m'a séduite, dit Ève. La femme m'a offert le fruit et j'en ai mangé, dit Adam. Et la triple concupiscence s'attache alors aux trois règnes de l'homme. Il n'y a que la grâce qui puisse réussir à ralentir l'étreinte de ce monstre impitoyable. Et si elle est vivante, très vivante, maintenue toujours plus vivante par la volonté du Fils fidèle, elle arrive à étrangler le monstre et à n'avoir plus rien à craindre. Plus de tyrans intérieurs, à savoir de la chair et des passions, plus de tyrans extérieurs le monde et les puissants du monde. Plus de persécutions, plus de morts. C'est, comme dit l'apôtre Paul, je ne crains aucune de ces choses et je ne tiens pas à ma vie plus qu'à moi même, mais uniquement pour que j'accomplisse ma mission et le ministère reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Chapitre 25. La nouvelle Ève a pratiqué l'obéissance en toutes occasions. Marie dit, Dans la joie, parce que lorsque j'ai compris la mission à laquelle Dieu m'appelait, je fus remplie de joie. Mon cœur s'ouvrit comme un lys fermé, et il s'en épancha le sang qui fut le terrain pour le germe du Seigneur. Joie d'être mère. Je m'étais consacrée à Dieu dès le premier âge, car la lumière du Très Haut avait mis pour moi en pleine lumière la cause du mal du monde, et j'avais voulu, pour autant que c'était en mon pouvoir, effacer de moi l'empreinte de Satan. Je ne savais pas que j'étais sans tâche. Je ne pus penser que je l'étais. La seule pensée de ce privilège aurait été présomption et orgueil. Né en effet de procréateur humain, il ne m'était pas permis de penser que c'était moi l'élu appelé à être là sans tâche. L'Esprit de Dieu m'avait instruite sur la douleur du Père devant la corruption d'Ève qui avait voulu s'avilir et, de créature de grâce, descendre au niveau des créatures inférieures. Je portais en moi le désir d'adoucir cette douleur en élevant ma chair à une pureté angélique, avec la volonté de me garder inviolée dans mes pensées, mes désirs et dans les relations humaines. Seulement, pour Dieu, les battements de mon cœur, seulement pour lui, mon être tout entier. Mais si je n'avais pas en moi la fièvre brûlante de la chair, il y avait pourtant encore en moi le sacrifice de ne pas être mère. La maternité, exempte de tout ce qui maintenant la vie lie, avait été aussi accordé à Ève par le Père Créateur. Douce et pure maternité, sans pesanteur d'essence, j'en ai eu l'expérience, de combien s'est appauvrie Ève en renonçant à cette richesse. Plus que de l'immortalité, et que cela ne vous paraisse pas exagération, mon Jésus et moi avec lui, sa mère, avons connu la langueur de la mort. Moi, la douce langueur où épuisée je me suis endormi, lui l'atroce langueur du condamné à mort à nous donc aussi est venue la mort, mais la maternité sans violation d'aucune sorte est venue à moi seule, ève nouvelle afin que je puisse dire au monde de quelle douceur aurait été le sort de la femme appelée à devenir mère sans souffrance dans sa chair et le désir de cette maternité pure pouvait exister et exister de fait dans la vierge qui était tout à Dieu car cette maternité est la gloire de la femme si vous pensez ensuite en quel honneur était tenue la femme devenue mère chez les israélites vous pouvez encore mieux apprécier le sacrifice que j'avais consenti en acceptant par mon vœu cette privation maintenant à sa servante L'éternelle bonté faisait ce don sans m'enlever la candeur dont j'avais été revêtue pour être une fleur sur son trône. Et moi j'en ai éprouvé une suave jubilation d'avoir la double joie d'être mère d'un homme et d'être la mère de Dieu joie d'être celle par laquelle la paix ressoudait ensemble le ciel et la terre. Oh. Avoir désiré cette paix pour l'amour de Dieu et du prochain, et savoir que c'était par mon intermédiaire, à moi, pauvre servante du puissant, qu'elle venait au monde dire Ô oh, homme, ne pleurez plus, je porte en moi le secret qui vous rendra heureux. Je ne puis vous le dire parce qu'il est scellé en moi, en mon cœur, comme est renfermé en mon sein violé le Fils de Dieu. Mais déjà je vous la porte parmi vous, mais chaque heure qui passe rapproche le moment où vous le verrez et connaîtrez son nom saint. Joie d'avoir donné la joie à Dieu, joie de croyante pour son Dieu rendu heureux. Oh. avoir enlevé au cœur de Dieu l'amertume de la désobéissance d'Ève et l'orgueil d'Ève de son incrédulité mon Jésus a fait comprendre de quelle faute le premier couple s'est souillé. J'ai annulé cette faute, refaisant à rebours ses étapes de sa descente. Le commencement de la faute se trouva dans la désobéissance. Ne mangez pas et ne touchez pas à cet arbre, avait dit Dieu. L'homme et la femme, les rois de la création, qui pouvaient toucher à tout, manger de tout, excepté de cet arbre, parce que Dieu voulait que seuls les anges leur fussent supérieurs, eux ne tinrent pas compte de sa défense. L'arbre, le moyen pour mettre à l'épreuve l'obéissance de ses fils. Qu'est-ce que l'obéissance au commandement de Dieu C'est le bien, car Dieu ne commande que le bien. Qu'est-ce que la désobéissance C'est le mal, car elle met dans l'âme les sentiments de rébellion. Terrain propice au travail de Satan. Ève s'approche de l'arbre qu'elle aurait dû fuir pour en recevoir le bien, mais dont le voisinage, au contraire, lui en a donné le mal. Elle y va, entraînée par la curiosité puérile de voir ce qu'il avait de spécial, et par l'imprudence qui lui fait juger inutile le commandement de Dieu, car elle est forte et pure, la reine de l'Éden. Où tout lui est soumis, où rien ne pourra lui faire du mal. Sa présomption sera sa ruine, la présomption qui est déjà le levain de l'orgueil. Auprès de la plante, elle trouve le séducteur. À son inexpérience, à sa candide inexpérience de vierge, à la faiblesse de son inexpérience, il chante la chanson du mensonge. Tu crois qu'il y a du mal Non Dieu te l'a dit, parce qu'il veut vous garder esclave de son pouvoir. Vous croyez être roi? Vous n'êtes même pas libre comme l'est la bête fauve. À elle il a accordé d'aimer d'un vrai amour. Pas à vous. À elle il a permis d'être créatrice comme Dieu. Elle engendre des fils et voit grandir à souhait sa famille. Pas à vous. À vous cette joie est refusée. À quoi bon donc vous avoir fait homme et femme si vous devez vivre ainsi Soyez des dieux. Vous ne connaissez pas la joie d'être deux en une seule chair et d'en créer une troisième et davantage. Ne croyez pas aux promesses de Dieu de jouir de votre postérité en voyant vos fils créer de nouvelles familles, vous quitter pour être père et mère. Il vous a donné un semblant de vie. La vie réelle c'est de connaître les lois de la vie c'est alors que vous serez semblable à des dieux et que vous pourrez dire à dieu nous sommes tes égaux et la séduction se poursuivit parce que ève n'eut pas la volonté de la repousser mais plutôt de la suivre et de connaître ce qui n'appartenait pas à l'homme voilà que l'arbre défendu devient pour la race réellement mortelle parce qu'à ses branches Pend le fruit de la mère savoir qui vient de Satan. Et la femme devient femelle, et avec le levain de connaissances sataniques au cœur s'en va corrompre Adam. La chair ainsi avilie, les mœurs corrompues, l'esprit dégradé, ils connurent la douleur et la mort de l'esprit privé de la grâce, et de la chair privée de l'immortalité. Et la blessure d'Ève engendra la souffrance qui ne disparaîtra jusqu'à la mort du dernier couple sur la terre. J'ai parcouru à rebours le chemin des deux pécheurs. J'ai obéi. En toutes circonstances, j'ai obéi. Dieu m'a demandé d'être vierge, j'ai obéi. Après avoir aimé la virginité qui me faisait pure comme la première des femmes avant qu'elle ne connût Satan, Dieu me commanda d'être épouse. J'ai obéi, relevant le mariage à ce degré de pureté où il était dans la pensée de Dieu quand il avait créé les deux premiers parents. Convaincu d'être destiné à la solitude dans le mariage et au mépris du prochain pour ma stérilité sainte, alors Dieu me demanda d'être mère. J'ai obéi. J'ai cru que cela serait possible et que cette parole venait de Dieu, parce qu'en l'écoutant, j'étais inondée de paix. Je n'ai pas pensé je l'ai mérité. Je ne me suis pas dit. Maintenant le monde m'admirera parce que je suis semblable à Dieu en créant la chair de Dieu non, je me suis anéanti dans l'humilité. La joie jaillit dans mon cœur comme une tige de rose fleurie mais elle se garnit tout de suite d'épines aiguës, et je fus étreinte, enveloppée par la douleur comme les branches autour desquelles s'enroulent les liserons. La douleur de la douleur de l'époux, c'est le pressoir au sein de la joie. La douleur de la douleur de mon fils, voilà les épines au milieu de ma joie. Ève voulut la jouissance, le triomphe, la liberté. J'acceptais la douleur, l'anéantissement, l'esclavage. Je renonçais à ma vie tranquille, à l'estime de l'époux, à ma propre liberté. Je ne me réservais rien. Je devins la servante du Seigneur dans ma chair, dans ma conduite, dans mon esprit, me fiant à lui, non seulement pour la conception virginale, mais pour la défense de mon honneur, la consolation de mon époux, pour le moyen de le porter à la sublimation du mariage, de façon à faire de nous ceux qui rendent à l'homme et à la femme leur dignité perdue. J'ai embrassé la volonté du Seigneur pour moi, pour mon époux, pour ma créature, j'ai dit oui, pour nous trois, certaine que Dieu n'aurait pas menti à sa promesse de me secourir dans ma douleur d'épouse qui voyait qu'on la jugeait coupable, de mère qui voyait qu'elle engendrerait pour livrer son fils à la douleur. Oui, j'ai dit, oui, cela suffit. Ce oui a annulé le nom d'Ève à l'ordre de Dieu. Oui, Seigneur, comme tu veux. Je connaîtrai ce que tu veux, je vivrai comme tu veux, je jouirai si tu le veux, je souffrirai pour ce que tu veux. Oui, toujours oui, mon Seigneur, depuis le moment où ton rayon me fit mère jusqu'au moment où tu m'as appelé à toi. Oui, toujours oui. Toutes les voies de la chair, toutes les inclinations de ma sensibilité, sous le poids de ce oui perpétuel, qui est à moi. Et comme au-dessus d'un piédestal de diamant, mon esprit, à qui manquent les ailes pour voler vers toi, mais qui est le maître de tout mon moi dompté et asservi pour te servir dans la joie, pour te servir dans la douleur. Mais souris, ô oh Dieu, et sois heureux. La faute est vaincue. Elle est enlevée. Elle est détruite. Elle gît sous mon talon. Elle est lavée dans mes larmes. Détruite par mon obéissance de mon sein naîtra l'arbre nouveau il portera le fruit qui connaîtra tout le mal pour l'avoir souffert en lui-même et donnera tout le bien à lui pourront venir les hommes et je serai heureuse s'il le cueille même sans penser qu'il n'est de moi pour que l'homme se sauve et que Dieu soit aimé qu'on fasse de sa servante. Ce que l'on fait de la terre où un arbre se dresse, une marche pour monter. Marie, il faut toujours savoir être une marche pour que les autres montent à Dieu. S'ils nous piétinent, cela ne fait rien, pourvu qu'ils réussissent à aller vers la croix. C'est l'arbre nouveau qui porte le fruit de la connaissance du bien et du mal. En effet, il dit à l'homme ce qui est mal et ce qui est bien pour qu'il sache choisir et vivre, et il sait en même temps devenir une liqueur pour guérir ceux qui se sont empoisonnés avec le mal qu'ils ont voulu goûter. Notre cœur sous les pieds des hommes pour qu'augmente le nombre des rachetés et que le sang de mon Jésus n'ait pas été versé sans produire de fruits. Voilà la destinée des servantes de Dieu. Mais après méritons-nous de recevoir dans notre sein l'hostie sainte, et au pied de la croix, pétrie dans son sang et dans nos larmes, nous pouvons dire Voici, ô Père, l'hostie immaculée que nous t'offrons pour le salut du monde. Garde-nous, ô Père, fondu en elle, et par ses mérites infinis. Donne-nous ta bénédiction. Et moi, je te donne ma caresse. Repose, ma fille, le Seigneur est avec toi. Chapitre 26 Encore un mot d'explication sur le péché originel. Jésus dit La parole de ma mère devrait dissiper toute hésitation, même dans la pensée de ceux qui s'embrouillent le plus dans les formules. Et il y en a tant. Ils veulent raisonner en matière de choses divines avec leurs mesures humaines et prétendraient que Dieu même dû raisonner ainsi. Mais il est si beau, au contraire, de penser que Dieu raisonne d'une manière qui est souverainement et infiniment au-dessus de l'homme. Et il serait tellement beau et à propos de raisonner non pas selon les vues humaines, mais selon l'esprit et de suivre Dieu. Ne pas rester ancré là où votre pensée humaine s'est accrochée là aussi c'est de l'orgueil, parce que c'est supposer la perfection dans l'esprit humain. Au contraire, en fait de perfection, il n'y a que la pensée divine. Elle peut, si elle le veut, et croit utile de le faire, descendre et devenir parole dans la pensée et sur les lèvres d'une de ces créatures. Méprisée par le monde, parce que aux yeux du monde elle est ignorante mesquine bornée enfantine la sagesse aime à désorienter l'orgueil de l'esprit à se répandre sur ceux qui sont rejetés par le monde qui n'ont pas d'idées personnelles et encore moins une doctrine acquise par la culture mais ils sont tous pleins d'amour et de pureté grands par leur volonté de servir dieu en le faisant connaître et aimer après avoir mérité de le connaître, en l'aimant de toutes leurs forces, observez, hommes, à Fatima, à Lourdes, à la Guadeloupe, à Caravaggio, à la Salette, donc partout où il y a eu des apparitions vraies et saintes, les voyants, ceux qui ont été appelés à voir, sont de pauvres créatures qui, pour l'âge, culture et condition, sont parmi les plus humbles de la terre. C'est à ces inconnus, à ces riens, que la grâce se révèle pour en faire ses héros. Que doivent alors faire les hommes? S'incliner comme le publicain et dire Seigneur, j'étais trop pécheur pour mériter de te connaître. Sois béni pour ta bonté, qui me console par l'intermédiaire de ces créatures, me donne un appui céleste, un guide, un enseignement, une espérance de salut et ne pas dire. Mais non, ce sont des préjugés, des hérésies, ce n'est pas possible. Comment n'est il pas possible qu'un être peu doué devienne savant dans la science de Dieu? Pourquoi n'est il pas possible? N'ai je pas ressuscité les morts, guéri les fous, soigné les épileptiques, ouvert la bouche aux muets, les yeux aux aveugles, l'ouïe aux sourds, l'intelligence à des êtres diminués? N'ai-je pas de même chassé les démons, commandé aux poissons de se jeter dans le filet, au pain de se multiplier, à l'eau de devenir du vin, à la tempête de se calmer, à l'eau de devenir solide comme une surface pavée Qu'est-il impossible à Dieu Même avant que Dieu, le Christ, fils de Dieu, fût parmi vous, est-ce que Dieu n'a pas opéré des miracles par le moyen de ses serviteurs qui agissait en son nom Ne sont-elles pas devenues fécondes les entrailles stériles de Sarah et d'Abraham, pour qu'elles deviennent Sarah et enfanta dans sa vieillesse Isaac, destiné à être celui avec lequel je conclurai le pacte Ne sont-elles pas changées en sang les eaux du Nil et remplies d'animaux immondes au commandement de Moïse Et toujours par sa parole, ne sont-ils pas morts de la peste les animaux, et tombé ulcérés les chairs des hommes, et fauché, haché les blés par une grêle dévastatrice, et dépouillé les arbres par les sauterelles, et éteinte pendant trois jours la lumière, et frappé de mort les premiers nés, et entr'ouverte la mer, pour le passage d'Israël, et adouci les eaux amères, et tombé en abondance les cailles et la manne. Et l'eau n'est elle pas jaillie du rocher aride? Et Josué n'a t-il pas arrêté la course du soleil? Et le jeune David n'a t-il pas terrassé le géant? Est ce que Élie n'a pas multiplié la farine et l'huile, et ressuscité le fils de la veuve de Sorepta? Est ce qu'à son commandement la pluie n'est elle pas tombée sur la terre desséchée, et le feu du ciel sur l'holocauste? Et le Nouveau Testament n'est il pas un bosquet fleuri dont chaque fleur est un miracle Qui donc a pouvoir sur le miracle Qu'est-ce qui est donc impossible à Dieu Qui est-il comme Dieu Courbez le front et adorez. Le temps arrive de la grande moisson et tout doit être révélé avant que l'homme cesse d'exister. Tout, les prophéties postérieures au Christ et celles d'avant le Christ et le symbolisme biblique. Qui a commencé dès les premiers mots de la Genèse. Et si moi je vous instruis sur un point jusqu'à présent inexpliqué, accueillez ce don et tirez-en le fruit et non la condamnation. Ne faites pas comme les juifs du temps de ma vie mortelle qui voulurent fermer leur cœur à mes enseignements et, ne pouvant m'égaler dans la compréhension des mystères et des vérités surnaturelles, me traitèrent de posséder et de blasphémateurs. J'ai dit arbre métaphorique. Je dirai maintenant arbre symbolique. Peut-être vous comprendrez mieux. Le symbole en est clair. D'après la façon dont les deux fils de Dieu se comporteraient par rapport à elle, on comprendrait si leur tendance irait vers le bien ou vers le mal. Comme l'eau régale qui est la preuve pour l'or. Et la balance de l'orfèvre qui en donne le poids en carat, cette plante devenue une mission pour le commandement de Dieu par rapport à elle, a donné la mesure de la pureté du métal d'Adam et d'Ève. J'entends déjà venir votre objection. N'a-t-elle pas été excessive la condamnation et puéril le moyen employé pour qu'elle se produise Non. Si vous commettiez actuellement cette désobéissance, vous qui avez eu d'eux cet héritage, ce serait moins grave que cela ne l'a été pour eux. Vous, vous êtes racheté par moi, mais le venin de Satan reste toujours prêt à ressurgir. C'est comme pour certaines maladies dont l'effet n'est jamais complètement neutralisé dans le sang. Eux, les deux premiers parents, étaient en possession de la grâce sans avoir jamais été déflorés par la disgrâce. Ils étaient donc plus forts. Plus soutenu par la grâce, source en eux d'innocence et d'amour. Infini était le don que Dieu leur avait fait, bien plus grave par conséquent leur chute en dépit de ce don. Symbolique aussi le fruit offert et mangé. C'était le fruit d'une expérience qu'ils avaient voulu faire par instigation satanique contre le commandement de Dieu. Je n'avais pas interdit l'amour aux hommes, je voulais uniquement qu'il fût sans malice. Comme je les aimais d'un amour essentiellement saint, ils devaient s'aimer d'une affection sainte qu'aucune luxure ne vienne souiller. Il ne faut pas oublier que la grâce est lumière et que celui qui la possède sait distinguer ce qu'il est utile et bon de connaître. La pleine de grâce connut tout parce que la sagesse l'instruisit. La sagesse qui est grâce, et elle sut se conduire avec sainteté. Ève connaissait donc ce qui lui était bon de connaître rien de plus, parce qu'il est inutile de connaître ce qui n'est pas bon. Elle n'eut pas foi dans la parole de Dieu, et ne fut pas fidèle à sa promesse d'obéissance. Elle a cru à Satan, elle a rompu sa promesse, et a voulu savoir ce qui n'était pas bon, et elle l'aima sans remords. L'amour que je lui avais donné si sain, elle en fit une chose corrompue, une chose avilie. Ange tombée, elle s'est roulée dans la boue et l'ordure, alors qu'elle pouvait courir heureuse parmi les fleurs du paradis terrestre et voir fleurir autour d'elle sa descendance, comme une plante se couvre de fleurs, s'entraîner sa frondaison dans le bourbier. Ne soyez pas comme ces enfants insensés dont je parle dans l'Évangile. Ils ont entendu chanter et se sont bouché les oreilles. Ils ont entendu le tambourin et n'ont pas dansé. Ils ont entendu pleurer et ils ont voulu rire. Ne soyez pas étroits, ni négateurs. Recevez, recevez sans malice et docilement, sans ironie ni incrédulité la lumière. Assez parlé sur ce sujet, pour vous faire comprendre à quel point vous devez être reconnaissant à celui qui est mort pour vous faire arriver au ciel. Et pour vaincre la concupiscence satanique, j'ai voulu vous parler en ce temps de préparation à la Pâque de ce qui a été le premier anneau de la chaîne par laquelle le verbe du Père fut traîné à la mort, l'agneau divin à l'abattoir. J'ai voulu en parler parce que présentement les quatre-vingt-dix pour cent d'entre vous sont semblables à Ève, empoisonnés par le souffle et la parole de Satan. Vous ne vivez pas pour vous aimer, mais pour vous rassasier. Vous ne vivez pas pour le ciel, mais pour la boue. Vous n'êtes plus des créatures douées d'une âme et du sens de raison, mais des chiens sans âme et sans raison. L'âme, vous l'avez tuée, et la raison dépravée. En vérité, je vous affirme que les brutes vous surpassent dans l'honnêteté de leur amour. Chapitre 27 L'annonce à Joseph de la grossesse d'Élisabeth Voici que m'apparaît la petite maison de Nazareth où se trouve Marie Marie toute jeune comme lorsque l'ange de Dieu lui apparut Rien que de la voir me remplit l'âme du parfum virginal de cette demeure du parfum angélique qui persiste encore dans la pièce où l'ange a ondulé ses ailes d'or du parfum divin qui s'est tout concentré sur Marie pour faire d'elle une mère et qui à présent se dégage d'elle. C'est le soir, car les ombres commencent à envahir la pièce où était avant descendue du ciel une si grande lumière. Marie, à genoux près de son petit lit, prie, les bras en croix sur sa poitrine, le visage tout incliné vers la terre. Elle est encore vêtue comme elle l'était au moment de l'Annonciation. Tout est pareil le rameau fleuri dans son vase, les meubles dans le même ordre. Seulement la quenouille et le fuseau sont placés dans un coin avec son plumet de filasse pour l'une et pour l'autre le fil brillant qui y est enroulé. Marie cesse de prier et se lève, le visage tout enflammé. La bouche sourit, mais une larme fait briller son œil d'azur. Elle prend la lampe à huile et l'allume avec la pierre à feu elle prend garde que tout soit bien en ordre dans la petite chambre elle remet en place la couverture de la couchette qui s'était déplacée elle ajoute de l'eau dans le vase du rameau fleuri et le porte au dehors, à la fraîcheur de la nuit. Puis elle rentre. Elle prend la broderie placée sur le meuble à étagère et la lampe allumée. Elle sort en fermant la porte. Elle fait quelques pas dans le jardinet le long de la maison, et puis elle entre dans la petite pièce où j'ai vu l'adieu de Jésus et Marie. Je la reconnais, bien qu'il manque quelque objet qui s'y trouvait alors. Marie disparaît, emportant la lumière dans une autre petite pièce voisine, et je reste là avec la seule compagnie de son travail posée sur le coin de la table. J'entends le pas léger de Marie qui va et vient. Je l'entends remuer de l'eau comme pour laver un objet, puis faire du menu bois. Je me rends compte que c'est du bois par le bruit qu'il fait. Je m'aperçois qu'elle allume le feu. Puis elle revient, elle sort dans le jardinet et elle rentre avec des pommes et des légumes. Elle met les pommes sur la table, sur un plateau de métal gravé au burin. Il me semble de cuivre buriné. Elle retourne à la cuisine. Cette pièce était bien la cuisine. Maintenant, la flamme du foyer se projette joyeusement par la porte ouverte et fait danser des ombres sur les murs. Il se passe quelque temps et Marie revient avec un petit pain bi et une tasse de lait chaud. Elle s'assied et trempe des tranches de pain dans le lait. Elle les mange lentement, puis laissant la tasse à moitié, elle entre de nouveau dans la cuisine et revient avec des légumes sur lesquels elle verse de l'huile et les mange avec le pain. Elle se désaltère avec le lait, puis elle prend une pomme et la mange. Un repas de fillette Marie mange et réfléchit et sourit à une pensée intérieure. Elle se lève et tourne les yeux vers les murs à qui elle semble communiquer un secret. De temps en temps elle devient sérieuse, presque triste mais après le sourire revient. On entend frapper à la porte. Marie se lève et ouvre. Joseph entre. Il se salue. Puis Joseph s'assied sur un tabouret en face de Marie, de l'autre côté de la table. Joseph est un bel homme, dans toute la force de l'âge. Il aurait trente cinq ans au plus. Ses cheveux châtains sombres et sa barbe de même couleur encadrent un visage régulier avec deux yeux doux, châtains, presque noirs. Le front est large et lisse, le nez petit, légèrement arqué, les joues rondes d'un brun pas olivâtre, avec des pommettes rosées. Il n'est pas très grand, mais robuste et bien fait. Avant de s'asseoir, il a enlevé son manteau. C'est le premier que je vois de ce genre. Il est de forme ronde, fermé à la gorge par un crochet ou quelque chose du même genre, avec un capuchon. Il est de couleur marron clair et d'une étoffe imperméable en laine grège. Il ressemble à un manteau de montagnard adapté pour abriter des intempéries. Avant de s'asseoir, il offre à Marie deux œufs et une grappe de raisin, un peu avancée, mais bien conservée. Et il sourit en disant On me l'a apporté de Cana. Les œufs, c'est le centurion qui me les a donnés pour une réparation que j'ai faite à son char. Il avait eu une roue abîmée et leur travailleur est malade. Ils sont frais. Il les a pris dans son poulailler. bois ils te feront du bien. Demain, Joseph, Maintenant j'ai mangé. Mais le raisin, tu peux le prendre, il est bon, doux comme du miel. Je l'ai porté avec précaution pour ne pas l'abîmer. Mange le. Il y en a d'autres. Je t'en apporterai demain un petit panier. Ce soir, je n'ai pas pu, parce que je viens directement de la maison du Centurion. Oh. Alors tu n'as pas encore soupé? Non, mais n'importe. Marie se lève tout de suite et va à la cuisine. Elle revient avec encore du lait, des olives et du fromage. Je n'ai pas autre chose, dit-elle. Prends un oeuf. » Joseph ne veut pas. Les œufs sont pour Marie. Il mange avec appétit son pain avec le fromage et boit le lait encore tiède. Puis il accepte une pomme et le repas est terminé. Marie prend sa broderie après avoir débarrassé la table de la vaisselle. Joseph, l'aide, et reste lui aussi dans la cuisine quand elle en revient. Je l'entends bouger pendant qu'il remet tout en place et attise le feu, car la soirée est fraîche. Quand il revient, Marie le remercie. Ils parlent entre eux. Joseph raconte comment il a passé la journée. Il parle de ses neveux. Il s'intéresse au travail de Marie et à ses fleurs. Il promet d'apporter de très belles fleurs que le centurion lui a promises. Ce sont des fleurs que nous n'avons pas. Il les a apportées de Rome. Il m'en a promis des plants. Maintenant que la lune est favorable, je vais te les planter. Elles ont une belle couleur et une odeur très agréable. Je les ai vues l'été dernier, car elles fleurissent en été. Elles te parfumeront toute la maison. Je vais pouvoir les planter et les greffer. La lune est favorable, c'est le moment. Marie sourit et remercie. Un silence. Joseph regarde la tête blonde de Marie penchée sur la broderie. Un regard d'amour angélique. Certes, si un ange regardait une femme d'un amour d'époux, c'est ainsi qu'il la regarderait. Marie, comme si elle prenait une décision, pose sur son sein la broderie et dit. Joseph, j'ai aussi quelque chose à te dire. Je n'ai jamais rien à dire, car tu sais, comme je vis dans la retraite, mais aujourd'hui, j'ai une nouvelle. J'ai appris que notre parente Elisabeth, femme de Zacharie, attend un enfant. Joseph écarquille les yeux et dit À cet âge À cet âge, répond Marie en souriant, le Seigneur peut tout et il a voulu donner cette joie à notre parente. Comment le sais-tu La nouvelle est-elle sûre Il est venu un messager, quelqu'un qui ne saurait mentir. Je voudrais aller chez Elisabeth. Pour lui rendre service et lui dire que je me réjouis avec elle, si tu le permets. Marie, tu es mon épouse et moi je suis ton serviteur. Tout ce que tu fais est bien fait. Quand veux-tu partir Le plus tôt possible, mais je resterai là-bas des mois entiers. Et moi je compterai les jours en t'attendant. Pars tranquille, je penserai à ta maison et au jardinet. Tu trouveras des fleurs belles comme si tu les avais soignées seulement attends je dois aller avant la Pâque à Jérusalem pour acheter quelques objets utiles à mon travail si tu attends quelques jours je t'accompagnerai jusque-là pas plus loin parce que je dois revenir promptement mais jusque-là nous pouvons aller ensemble je suis plus tranquille si je ne te sais pas seul sur les chemins au retour me le feras savoir, je viendrai à ta rencontre. Tu es si bon, Joseph. Que le Seigneur te récompense par ses bénédictions et tienne loin de toi la douleur. Je le prie toujours pour cela. Les deux chastes épouses sourient angéliquement. Le silence se rétablit quelque temps, puis Joseph se lève, il remet son manteau, relève le capuchon sur la tête il salue Marie qui elle aussi s'est levée et sort. Marie le regarde sortir. Elle pousse un soupir comme si elle était peinée. Elle lève les yeux au ciel et prie certainement. Elle ferme la porte, puis son ouvrage va à la cuisine. Elle éteint le feu ou le couvre. Elle regarde si tout est bien en ordre. Elle prend la lampe et sort en fermant la porte. Elle protège de la main la flamme qui tremble au vent froid de la nuit. Elle entre dans sa chambre et prie encore. La vision se termine ainsi. CHAPITRE 28 Confie à moi le soin de te justifier près de l'époux. Marie dit. Fille bien chérie. Quand cessa l'extase qui m'avait comblé d'une inexprimable joie, mes sens se rouvrirent aux choses de la terre. La première pensée qui, acérée comme les épines d'une rose, perça mon cœur enseveli dans les roses du divin amour, devenu mon époux depuis quelques instants, ce fut la pensée de Joseph. Je lui avais désormais donné mon amour à mon saint et attentif gardien. Depuis le moment où la volonté de Dieu à travers la parole de son prêtre m'avait voulu l'épouse de Joseph, j'avais pu le connaître et apprécier la sainteté de ce juste. Uni à lui, j'avais senti disparaître ma solitude d'orpheline et je n'avais plus pleuré l'asile du temple que j'avais perdu. Il avait pour moi la douceur de mon père disparu. Auprès de lui, je me sentais en sécurité comme près du prêtre, toute hésitation était tombée et non-seulement tombée, mais oubliée tellement elle s'était éloignée de mon cœur de vierge. J'avais compris qu'aucune hésitation, aucune crainte de se justifier à l'égard de Joseph plus tranquille qu'un enfant dans les bras de sa maman était ma virginité confiée à Joseph maintenant. Comment lui dire que j'allais être mère? Je cherchais les mots pour le lui annoncer. Difficile recherche, je ne voulais pas me flatter du don de Dieu, et ne pouvais en aucune façon justifier ma maternité sans dire. Le Seigneur m'a aimée entre toutes les femmes, et de moi sa servante, il a fait son épouse. Le tromper en lui cachant mon état, je ne le voulais pas non plus. Mais pendant que je priais, l'Esprit Saint dont j'étais rempli m'avait dit. Tais toi, laisse moi le soin de te justifier près de ton époux. Quand, comment, je ne l'avais pas demandé. Je m'étais toujours fiée à Dieu comme une fleur se fie à l'eau qui la porte. Jamais l'Éternel ne m'avait laissé sans son aide. Sa main m'avait soutenue, protégée, guidée jusqu'ici. Il le ferait encore maintenant. Ma fille, comme elle est belle et réconfortante, la foi en notre éternel, bon Dieu. Il nous recueille entre ses bras comme un berceau, nous porte comme une barque au lumineux port du bien, nous réchauffe le cœur, nous console, nous nourrit, il nous donne le repos et la joie, il nous donne la lumière et nous guide. La confiance en Dieu, c'est tout, et Dieu donne tout à qui a confiance en lui. Il se donne lui même. Ce soir là, je portai ma confiance de créature à la perfection. Maintenant je pouvais le faire puisque Dieu était en moi. J'avais d'abord eu la confiance de la pauvre créature que j'étais, toujours un rien, même si j'avais été là tant aimée que je dusse être là sans tâche. Mais maintenant j'avais une confiance divine parce que Dieu était à moi, mon époux, mon fils. Ô oh, joie. Être une avec Dieu. Non pas pour ma gloire, mais pour l'aimer dans une union totale, mais pour pouvoir lui dire. Toi, toi seul qui es en moi, agis avec ta divine perfection en tout ce que je fais. Si lui ne m'avait pas dit. Tais toi, J'aurais peut-être osé, le visage contre terre, dire à Joseph. L'Esprit est entré en moi et j'ai en moi le germe de Dieu. Et lui m'aurait cru, parce qu'il m'estimait, et parce que, comme tous ceux qui ne mentent jamais, il ne pouvait croire que les autres mentent. Oui, pour lui épargner la douleur à venir, j'aurais surmonté ma répugnance à m'attribuer une telle louange. Mais j'ai obéi au divin commandement, et pendant des mois, à partir de ce moment, j'ai senti la première blessure qui me faisait saigner le cœur. La première douleur de ma destinée de corédemptrice. Je l'ai offerte et supportée pour vous donner à vous une règle de conduite dans des moments analogues de souffrance lorsque vous devez taire à l'occasion d'un événement qui vous met sous un jour défavorable auprès de quelqu'un qui vous aime. Remettez à Dieu la garde de votre réputation et des affections qui vous tiennent à cœur. Méritez par une vie sainte la protection de Dieu. Et puis, allez tranquille. Même si tout le monde était contre vous, il vous défendra auprès de ceux qui vous aiment et fera ressortir la vérité repose maintenant ma fille et sois toujours davantage ma fille chapitre xxix marie et joseph se rendent à jérusalem j'assiste au départ pour aller chez sainte élisabeth joseph est venu prendre marie avec deux ânes gris un pour lui l'autre pour marie les deux animaux ont l'un la selle habituelle augmentée d'un bizarre dispositif dont je comprends qu'il est fait pour porter la charge. C'est une espèce de porte bagages sur lequel Joseph dispose un petit coffre de bois, une valise dirions-nous maintenant qu'il a apporté à Marie où elle peut mettre ses vêtements à l'abri de la pluie. Je sens Marie remercier vivement Joseph pour son cadeau prévoyant. Dans lequel elle dispose tout ce qu'elle enlève d'un paquet qu'elle avait préparé auparavant. Ils ferment la porte de la maison et se mettent en route. C'est le point du jour, car je vois l'aurore qui rosit à peine l'Orient. Nazareth dort encore. Les deux voyageurs matinaux rencontrent seulement un berger qui pousse devant lui ses brebis qui trottinent, l'une contre l'autre, encastrées comme autant de coins les unes dans les autres, et qui bêlent. Les agneaux belles aussi, plus que les autres, avec leur petite voix aiguës. Ils voudraient chercher encore la mamelle maternelle. Mais les mères se hâtent vers le pâturage et les invitent à trotter avec leur bêlement plus puissants. Marie regarde et sourit, après s'être arrêtée pour laisser passer le troupeau. Elle se penche sur sa selle et caresse les douces bêtes qui passent en frôlant sa monture. Quand le berger arrive avec un petit agnelet tout nouveau-né dans ses bras et s'arrête pour saluer. Marie sourit en caressant le petit museau rose de l'agneau qui bêle désespérément. Marie dit Il cherche la maman. La voilà, la maman, elle ne t'abandonne pas. Non, petit. De fait, la mère brebis se frotte au berger et se dresse pour lécher sur le museau son nouveau-né. Le troupeau passe faisant un bruit de pluie sur les frondaisons, et laisse derrière lui la poussière soulevée par tous les petits sabots qui se pressent et toute une broderie d'empreintes sur la terre du chemin. Joseph et Marie se remettent en route. Joseph a son manteau. Marie est emmitouflée dans une sorte de châle à rayures car la matinée est très fraîche. Les voilà désormais en pleine campagne, et ils cheminent l'un près de l'autre. Il parle rarement. Joseph pense à ses affaires, et Marie suit ses pensées, et recueillie, comme elle l'est, en ses pensées, elle leur sourit et sourit aux choses qui l'entourent. Parfois elle regarde Joseph, et un voile de tristesse lui assombrit le visage. Puis le sourire revient même quand elle regarde son époux attentif, qui parle peu et n'ouvre la bouche que pour demander à Marie si elle est bien commode, et si elle n'a besoin de rien maintenant les routes sont fréquentées par d'autres personnes spécialement au voisinage de quelques pays ou dans la traversée mais les deux ne s'intéressent pas aux personnes rencontrées ils vont sur leurs montures qui trottent avec un grand bruit de grelots et ne s'arrêtent qu'une fois à l'ombre d'un bosquet pour manger un peu de pain avec des olives et boire à une source dont l'eau descend d'une petite grotte ils doivent s'arrêter une seconde fois pour se mettre à l'abri d'une averse violente qui tombe d'un nuage très obscur. Ils se sont mis à l'abri de la colline sous la saillie d'un rocher qui les protège du plus gros de la pluie. Mais Joseph veut absolument que Marie prenne son manteau de laine imperméable sur lequel l'eau coule sans le mouiller. Marie doit céder à la pressante insistance de son époux qui, pour la rassurer sur son sort, se met sur la tête et sur les épaules une petite couverture grise qui était sur la selle la couverture de l'âne probablement maintenant Marie ressemble à un petit frère avec le capuchon qui lui encadre le visage et le manteau marron fermé à la gorge et qui la couvre entièrement. l'averse se calme mais fait place à une pluie ennuyeuse et fine. Les deux reprennent leur marche sur le chemin devenu boueux mais c'est le printemps et après un moment le soleil commence à rendre le chemin plus facile les deux montures courent plus allègrement sur la route je ne vois pas autre chose car la vision s'arrête là chapitre 30 de Jérusalem à la maison de Zacharie nous sommes à Jérusalem je la reconnais bien désormais avec ses rues et ses portes. Les deux époux se dirigent d'abord vers le temple. Je reconnais l'écurie où Joseph a laissé l'âne le jour de la présentation au temple. Maintenant encore, il laisse les deux montures, après les avoir soignées, et, avec Marie, va adorer le Seigneur. Puis ils sortent, et Marie se rend avec Joseph dans une maison de personnes de connaissance, semble t-il. Là, ils se restaurent, et Marie se repose jusqu'à ce que Joseph revienne avec un petit vieux. Cet homme va par le même chemin que toi. Tu auras très peu de chemin à faire seul pour arriver chez la parente. Aie confiance en lui, je le connais. Ils reprennent leur monture et Joseph accompagne Marie jusqu'à la porte. C'est une autre porte que celle par où ils sont arrivés. Ils se saluent et Marie va seule avec le petit vieux qui parle autant que Joseph était silencieux, et s'intéresse à mille choses. Marie répond patiemment. Maintenant, sur le devant de la selle, elle a le petit coffre que portait l'âne de Joseph, et elle n'a plus le manteau. Elle n'a pas même son châle qui est plié sur le coffre. Elle est toute belle, avec son vêtement d'azur foncé et le voile blanc qui la protège du soleil. Comme elle est belle. Le petit vieux doit être un peu sourd, car pour se faire entendre, Marie doit parler très fort, elle qui parle toujours à voix basse. Mais maintenant, il en a fini. Il a épuisé tout son répertoire de questions et de nouvelles. Maintenant, il somnole sur la selle, se laissant conduire par sa monture qui connaît bien le chemin. Marie profite de cette trêve pour se recueillir en ses pensées et prier. Ce doit être une prière qu'elle chante à voix basse, en regardant le ciel azuré et en tenant le bras sur son sein son visage par l'effort d'une émotion de l'âme et lumière et béatitude je ne vois pas autre chose et maintenant que la vision est suspendue pour moi comme hier je reste avec la maman près de moi visible pour ma vision intérieure avec tant de netteté que j'en puis faire le portrait le rose clair de la joue un peu joufflu mais d'une douceur agréable le rouge vif de la petite bouche et la douce splendeur de ses yeux d'azur sous le blond foncé des cils. Je puis dire comment les cheveux qui se séparent au sommet de la tête descendent agréablement en trois ondulations de chaque côté jusqu'à couvrir à moitié les petites oreilles roses et disparaissent avec leur or clair et lumineux derrière le voile qui couvre la tête. Je la vois en effet avec le manteau sur la tête, avec son vêtement de soie paradisiaque et son manteau léger, comme un voile, et pourtant opaque, de la même étoffe que le vêtement. Je puis dire que le vêtement est serré au cou par une gaine où coulisse un cordon dont les extrémités forment une boucle par devant, à la racine du cou, comment le vêtement est serré à la taille par un cordon plus gros, toujours de soie blanche, qui descend avec deux pompons sur les côtés. Je puis aller jusqu'à dire que le vêtement serré au cou et à la taille fait sur la poitrine sept plis doucement arrondis, unique ornement de son très chaste habit. Je peux dire l'impression de chasteté qui se dégage de l'aspect de Marie, de ses formes si délicates et si harmonieuses qui la font angéliquement femme. Et plus je la regarde, et plus je souffre, en pensant à quel point on l'a faite souffrir, et je me demande comment on a pu ne pas avoir pitié d'elle, si douce et gentille, si délicate même dans son aspect physique. Je la regarde, et j'entends les hurlements du calvaire contre elle aussi, toutes les railleries et les bouffonneries, toutes les malédictions qu'on lui adresse parce qu'elle est la mère du condamné. Je la vois belle et tranquille maintenant, mais son aspect actuel ne peut effacer le souvenir de son visage tragique à l'heure de l'agonie et de la désolation qu'il exprimait dans la maison de Jérusalem après la mort de Jésus. Et je voudrais pouvoir la caresser, baiser ses joues si délicatement rosées, pour enlever par mon baiser le souvenir de ses larmes demeurer en elle comme en moi. Je ne puis croire quelle paix cela me donne d'aller la voir tout près de moi. Je pense que mourir en la voyant serait doux autant et plus que la plus douce heure de la vie. En ces derniers temps que je ne la voyais pas ainsi tout entière pour moi, j'ai souffert de son absence comme de l'absence d'une maman. Maintenant je ressens l'ineffable joie qui ne me quitta pas en décembre et dans les premiers jours de janvier et je suis heureuse heureuse malgré le voile de douleur dont la vue des déchirements de la passion assombrit ma félicité il est difficile de dire et de faire comprendre ce que j'ai éprouvé et ce qui est arrivé depuis le 11 février le soir où j'ai vu souffrir jésus dans sa passion ça a été une vue qui m'a radicalement changé que je meurs maintenant où dans cent ans, cette vision gardera toute son intensité et son influence. Avant cela, je pensais aux douleurs du Christ maintenant je les vis car il me suffit d'un mot, d'un coup d'œil sur une image, pour souffrir de nouveau ce que j'ai souffert ce soir, pour éprouver l'horreur de ses supplices, pour éprouver l'angoisse de sa souffrance désolée. Et même si rien ne me le rappelle, son souvenir m'étreint le cœur. Marie commence à parler et je me tais. Chapitre 31 Ne vous dépouillez jamais de la protection de la prière. Marie dit Je ne vais pas te parler longuement parce que tu es bien lasse, ma pauvre fille. J'attire uniquement ton attention et celle des lecteurs sur l'habitude constante de Joseph et la mienne de donner toujours la première place à la prière. Sécheresse, hâte, chagrin, occupation, c'étaient des choses qui n'empêchaient pas la prière, mais au contraire, ils la favorisaient. Elle était toujours la reine de nos occupations, notre réconfort, notre lumière, notre espérance. Si aux heures de tristesse elle était le réconfort, aux heures heureuses, elle devenait un chant. Mais elle était l'amie fidèle de notre âme. Elle nous détachait de la terre, de l'exil. Elle nous tournait vers les hauteurs du ciel, la patrie. Ce n'était pas seulement moi qui portais Dieu en moi et qui n'avais qu'à regarder mon sein pour adorer le saint des saints. Mais Joseph aussi se sentait uni à Dieu quand il priait. Parce que notre prière était une adoration véritable de tout l'être qui se fondait en Dieu, en l'adorant et recevant ensuite son embrassement. Et regardez, moi qui portais l'Éternel, je ne me pensais pas dispensé de la fréquentation respectueuse du temple. La sainteté la plus élevée ne dispense pas de se sentir un rien devant Dieu et d'humilier ce néant. Puisque lui nous le permet, en un continuel hosanna à sa gloire. Êtes vous faible, pauvre, plein de défauts? Invoquez la sainteté du Seigneur. Saint, saint, saint. Appelez le ce saint béni au secours de votre misère. Il viendra faire passer en vous sa sainteté. Êtes vous saint et riche de mérite à ses yeux? Invoquez également la sainteté du Seigneur. Cette sainteté infinie fera croître toujours plus la vôtre. Les anges, qui sont des êtres supérieurs aux faiblesses de l'humanité, ne cessent pas un instant de chanter leur sanctus, et leur beauté surnaturelle s'accroît à chaque invocation de la sainteté de notre Dieu. Imitez les anges. Ne vous dépouillez jamais de la protection de la prière contre laquelle s'émoussent les armes de Satan, les malices du monde, les désirs de la chair et l'orgueil de l'esprit. Ne déposez jamais ces armes qui ouvrent le ciel et en font pleuvoir grâce et bénédiction. La terre a besoin d'un bain de prière pour se purifier des fautes qui attirent les châtiments de Dieu. Et, Étant donné que les âmes de prière sont peu nombreuses, elles doivent prier beaucoup pour suppléer à la carence des autres. Il leur faut multiplier leurs prières vivantes pour faire le poids nécessaire à l'obtention de la grâce. Des prières vivantes elles le seront quand elles auront leur source dans l'amour et le sacrifice. Et que toi, ma fille, tu souffres car c'est une chose excellente que ta souffrance unie à la mienne et à celle de mon Jésus, elle est agréable à Dieu et méritoire. Il m'est si cher ton amour de compatissant, mais veux-tu me donner un baiser Baise les plaies de mon fils, mets-leur le baume de ton amour. J'ai ressenti en mon esprit la douleur des fouets et des épines, la torture des clous et de la croix mais je ressens également toutes les caresses données à mon Jésus ce sont autant de baisers qui me sont donnés et puis viens je suis la reine du ciel mais je suis toujours la maman me voilà heureuse chapitre 32 arrivée à la maison de Zacharie je suis dans un pays montagneux ce ne sont pas de hautes montagnes, mais ce ne sont plus des collines. Elles ont déjà des cimes et des gorges, de vraies montagnes, comme on en voit sur notre Apennin Tosco ombrien. La végétation est drue et magnifique. Il y a en abondance des eaux fraîches qui conservent vertes les prairies et productifs les vergers peuplés de pommiers, de figuiers, avec, autour, des maisons, des vignes, ce doit être le printemps car les grappes sont déjà grosses comme des grains de vesse et les pommiers commencent à ouvrir leurs bourgeons qui maintenant paraissent verts sur les branches supérieures des figuiers. Il y a des fruits qui sont déjà bien formés. Ensuite, les prés ne sont que tapis moelleux aux mille couleurs. Les troupeaux sont en train d'y paître ou bien ils se reposent tache blanche sur l'émeraude de l'herbe marie gravit avec sa monture un chemin en assez bon état qui doit être la principale voie d'accès elle monte parce que le pays dont l'aspect est assez régulier est situé plus haut celui qui me renseigne habituellement me dit cet endroit c'est hébron vous me parliez de montana mais je ne suis pas fixée je ne sais si hébron désigne tout le pays ou l'agglomération. Je n'en dis donc que ce que j'en sais. Voilà que Marie entre dans la cité, c'est le soir. Des femmes sur les portes observent l'arrivée de l'étrangère et en parlent entre elles. Elles la suivent de l'œil et ne se rassurent qu'en la voyant s'arrêter devant une des plus belles maisons situées au milieu du pays. Devant se trouve un jardin, puis en arrière et autour un verger bien entretenu. Vient ensuite une vaste prairie qui monte et descend suivant le relief de la montagne pour aboutir à un bois de haute futée. Ensuite j'ignore ce qu'il y a. La propriété est entourée d'une haie de ronces et de rosiers sauvages. Je ne distingue pas bien ce qu'ils portent. La fleur et le feuillage de ces buissons se ressemblent beaucoup, et tant que le fruit n'est pas formé sur les branches, il est facile de se tromper. Sur le devant de la maison, sur le côté donc qui fait face au pays, la propriété est entourée d'un petit mur blanc sur lequel courent des branches de vraies roses, pour l'instant sans fleurs, mais déjà garnies de boutons. Au centre, une grille de fer qui est fermée. On se rend compte que c'est la maison d'un notable du pays ou d'un habitant assez fortuné. Tout en effet indique, sinon la richesse, au moins l'aisance certainement. Il y a beaucoup d'ordre. Marie descend de sa monture et s'approche de la grille. Elle regarde à travers les barreaux et ne voit personne. Alors elle cherche à manifester sa présence. Une petite femme, qui, plus curieuse que les autres, l'a suivie, lui indique un bizarre agencement qui sert de clochette. Ce sont deux morceaux de métal fixés sur un axe. Quand on remue l'axe avec une corde, ils battent l'un contre l'autre en faisant un bruit qui imite celui d'une cloche ou d'un gong. Marie tire la corde, mais si gentiment que l'appareil teinte légèrement et personne ne l'entend. Alors la femme, une petite vieille, tout nez et menton et entre les deux une langue qui en vaudisse, s'accroche à la corde et tire, tire, tire. Un vacarme a réveillé un mort. C'est cela qu'il faut faire. Autrement, comment pouvez-vous faire entendre? Sachez qu'Elisabeth est vieille et aussi Zacharie. Et à présent, il est muet et sourd par-dessus le marché. Les domestiques sont aussi vieux. Le savez vous? N'êtes vous jamais venu? Connaissez vous Zacharie? Vous êtes. Pour délivrer Marie de ce déluge de renseignements et de questions, survient un petit vieux qui boite. Ce doit être un jardinier ou un agriculteur, car il a en main un sarcloir, et, attaché à la ceinture, une serpette. Il ouvre, et Marie entre en remerciant la petite vieille, mais Hélas, sans lui répondre. Quelle déception pour la curieuse! À peine à l'intérieur, Marie dit Je suis Marie de Joachim et d'Anne de Nazareth, cousine de vos maîtres. Le petit vieux s'incline et salue et se met à crier Sarah Sarah Il rouvre la grille pour faire entrer l'âne restée dehors. Parce que Marie, pour se défaire de la petite vieille importune, s'est glissée vite, vite à l'intérieur et que le jardinier, aussi rapide qu'elle, a fermé la grille au nez de la commère. Et tout en faisant entrer la monture, il dit, Ah, grand bonheur et grande peine en cette maison. Le ciel a donné un fils à la stérile, que le Très-Haut en soit béni. Mais Zacharie est revenu, il y a sept mois, Muet de Jérusalem. Il se fait comprendre par signes ou en écrivant. Vous l'avez peut-être appris. La patronne vous a tant désiré au milieu de cette joie et de cette peine. Souvent elle parlait de vous avec Sarah et disait Si j'avais encore ma petite Marie avec moi, si elle avait encore été au temple, j'aurais demandé à Zacharie de l'amener. Mais maintenant, le Seigneur l'a voulu comme épouse à Joseph de Nazareth. Elle seule pouvait me donner du réconfort dans cette peine, et m'aider à prier Dieu car elle est si bonne, et au Temple tout le monde la pleure. À la dernière fête, quand je suis allée avec Zacharie, la dernière fois à Jérusalem, pour remercier Dieu de m'avoir donné un fils, j'ai entendu ses maîtresses me dire. Le Temple semble avoir perdu les chérubins de la gloire depuis que la voix de Marie ne résonne plus en ses murs. Sarah, Sarah, ma femme est un peu sourde, mais viens, viens que je te conduise. Au lieu de Sarah, voilà en haut d'un escalier, au flanc d'un côté de la maison, une femme d'âge plutôt avancé, déjà toute ridée, avec des cheveux très grisonnants. Ses cheveux devaient être très noirs, parce que très noirs sont encore ses cils et ses sourcils, et qu'elle était très brune. Le teint de son visage l'indique clairement. Contrastant étrangement avec sa vieillesse évidente, sa grossesse est déjà très apparente, malgré l'ampleur de ses vêtements. Elle regarde en faisant signe de la main. Elle a reconnu Marie, elle lève les bras au ciel avec Oh, étonné et joyeux, et se hâte autant qu'il lui est possible à la rencontre de Marie. Marie, toujours aussi réservée dans sa démarche, se met à courir, agile comme un enfant, et elle arrive au pied de l'escalier en même temps qu'Élisabeth. Marie reçoit sur son cœur avec une vive allégresse sa cousine qui pleure de joie en la voyant. Elle reste embrassée un instant, et puis Élisabeth se détache de l'étreinte avec un Ah où se mêlent la douleur et la joie, et elle porte la main sur son ventre grossi. Elle penche son visage pâlissant et rougissant alternativement. Marie et le serviteur tendent les mains pour la soutenir, parce qu'elle vacille comme si elle se sentait mal. Mais Élisabeth, après être restée une minute comme recueillie en elle-même lève un visage tellement radieux qu'il semble rajeuni elle regarde marie avec vénération en souriant comme si elle voyait un ange et puis elle s'incline en un profond salut en disant bénis tu parmi les femmes bénis le fruit de ton sein elle prononce ainsi deux phrases bien détachées comment ai-je mérité que vienne à moi ta servante la mère de mon seigneur voilà qu'au son de ta voix l'enfant a bondi de joie dans mon sein et lorsque je t'ai embrassé l'esprit du seigneur m'a dit les très hautes vérités dans les profondeurs de mon cœur bienheureuse es-tu d'avoir cru Qu'à Dieu serait possible, même ce qui ne semble pas possible à l'esprit humain. Béni es-tu, parce que, grâce à ta foi, tu feras accomplir les choses qui t'ont été prédites par le Seigneur et les prophéties des prophètes pour ce temps-ci. Béni es-tu pour le salut que tu as engendré pour la descendance de Jacob. Béni tu pour avoir apporté la sainteté à mon Fils qui, je le sens, bondit comme une jeune chevrette pour la joie qu'il éprouve en mon sein. C'est qu'il se sent délivré du poids de la faute, appelé à être le précurseur, sanctifié avant la rédemption par le Saint qui croit en toi. Marie, avec deux larmes qui, comme des perles, descende de ses yeux qui rit vers sa bouche qui sourit, le visage levé vers le ciel et les bras levés aussi dans la pose que plus tard tant de fois aura son Jésus s'écrit. Mon âme magnifie son Seigneur et elle continue le cantique comme il nous a été transmis. À la fin, au verset, il a secouru Israël son serviteur, etc elle croise les mains sur sa poitrine s'agenouille prosternée jusqu'à terre en adorant Dieu. Le serviteur s'était respectueusement éclipsé quand il avait vu qu'Élisabeth ne se sentait plus mal et qu'elle confiait ses pensées à Marie. Il revient du verger avec un vieillard imposant aux cheveux blancs et à la barbe blanche qui de loin avec de grands gestes et des sons gutturaux Salut Marie. Zacharie arrive, dit Élisabeth en touchant à l'épaule la Vierge absorbée dans sa prière. Mon Zacharie est muet. Dieu l'a puni de n'avoir pas cru. Je t'en parlerai plus tard, mais maintenant j'espère le pardon de Dieu puisque tu es venue, toi, la pleine de grâce. Marie se lève et va à la rencontre de Zacharie et s'incline devant lui jusqu'à terre. Elle baise le bord du vêtement blanc qui le couvre jusqu'à terre. Il est très ample ce vêtement et attaché à la taille par un large galon brodé. Zacharie, par geste, souhaite la bienvenue et ensemble ils rejoignent Élisabeth. Ils entrent tous dans une vaste pièce très bien disposée. Ils y font asseoir Marie et lui font servir une tasse de lait qu'on vient de traire. Il écume encore avec des petites galettes. Élisabeth donne des ordres à la servante, finalement apparue avec les mains enfarinées et des cheveux encore plus blancs qu'ils ne le sont en réalité à cause de la farine dont ils sont saupoudrés. Peut-être était-elle en train de faire le pain. Elle donne aussi à un serviteur que j'entends appeler Samuel l'ordre de porter le coffre de Marie dans une chambre qu'elle lui indique. Tous les devoirs d'une maîtresse de maison à l'égard de son hôte. Marie répond entre-temps aux questions que lui fait Zacharie en écrivant avec un stylet sur une tablette enduite de cire. Je comprends par les réponses qui lui parle de Joseph et qui lui demande comment elle se trouve épousée. Mais je comprends aussi que Zacharie n'a eu aucune lumière surnaturelle sur l'état de Marie et sa condition de mère du Messie. C'est Élisabeth qui, approchant de son mari et lui mettant affectueusement une main sur l'épaule comme pour une chaste caresse, lui dit Marie est mère, elle aussi, réjouis-toi de son bonheur. Mais elle n'ajoute rien. Elle regarde Marie. Et Marie la regarde, mais ne l'invite pas à en dire plus, et elle se tait. Douce, très douce vision! Elle m'enlève l'horreur que j'avais ressentie à la vue du suicide de Judas. Hier soir, avant de m'endormir, j'ai vu les pleurs de Marie penchées sur la pierre de l'onction, sur le corps inanimé du Rédempteur. Elle était à sa droite, tournant le dos à l'entrée de la grotte sépulcrale. La lumière des torches éclairait son visage et me faisait voir son pauvre visage dévasté par la douleur, inondé de larmes. Elle prenait la main de Jésus, la caressait, la réchauffait sur ses joues, la baisait, en étendait les doigts, un par un, les baisait ses doigts, désormais inertes. Puis elle lui caressait le visage, se pencher pour baiser la bouche ouverte, les yeux à demi fermés, le front blessé. La lumière rougeâtre des torches fait paraître encore plus vives les plaies de tout ce corps torturé et plus visible la cruauté de la torture qu'il a subie et la réalité de sa mort. Je suis ainsi restée en contemplation tant que mon intelligence est restée lucide. Puis, Réveillée de ma somnolence, j'ai prié et me suis mise en position pour un vrai sommeil. C'est alors qu'a commencé la vision ci dessus. Mais la maman m'a dit. Ne remue pas, regarde seulement, tu écriras demain. Pendant le sommeil, j'ai de nouveau tout revu en songe. Réveillée à six heures trente, j'ai revu tout ce que j'avais vu la veille et en rêve. J'ai écrit tout en voyant. Puis vous êtes venu et j'ai pu demander si je devais mettre tout ce qui suit. Ce sont de petits tableaux séparés sur le séjour de Marie dans la maison de Zacharie. 2 avril 1944. Chapitre 33. Marie révèle le nom à Élisabeth. Je vois, il me semble que c'est le matin, Marie qui coud dans le vestibule. Élisabeth va et vient, s'occupant de la maison. Quand elle entre, elle ne manque jamais d'aller faire une caresse sur la tête blonde de Marie, encore plus blonde sur les murs plutôt sombres et sous un beau rayon de soleil qui entre par la porte ouverte sur le jardin. Élisabeth se penche pour regarder le travail de Marie, c'est la broderie qu'elle avait à Nazareth, et elle en loue la beauté. J'ai encore du lin à filer, dit Marie. Pour ton enfant? Non, je l'avais déjà quand je ne pensais pas. Marie n'achève pas, mais je comprends, quand je ne pensais pas devoir être la mère de Dieu. Mais maintenant tu devras t'en servir pour lui. Est il beau, fin? Les enfants, tu sais, ont besoin de linge très délicat. Je le sais. Moi, j'avais commencé, tard, parce que j'ai voulu être sûre que ce n'était pas une tromperie du malin. Malgré, j'avais ressenti une telle joie que cela ne pouvait venir de Satan. Puis, j'ai souffert tellement. Je suis vieille, Marie, pour être dans cet état. J'ai beaucoup souffert. Toi, tu ne souffres pas Moi, non. Je ne me suis jamais senti si bien. Eh oui, toi, en toi, il n'y a pas de tâche. Si Dieu t'a choisi pour être sa mère, alors tu n'es pas sujette aux souffrances d'Ève. Celui que tu portes est saint. Il me semble avoir des ailes au cœur et non un poids. Il me semble avoir en moi toutes les fleurs et tous les oiseaux qui chantent au printemps. La douceur du miel et tout le soleil, oh, je suis heureuse. Bénie, moi aussi, dès l'instant où je t'ai vue, je n'ai plus senti de poids, de fatigue et de douleur. Il me semble être neuve, jeune, délivrée des misères de ma chère de femme, mon enfant. Après avoir bondi de joie au son de ta voix, s'est installé tranquille dans sa joie. Il me semble la voir en moi comme en un berceau vivant, et le voir dormir, rassasié et heureux, respirer comme un oiseau qui repose tranquille sous l'aile de sa maman. Maintenant, je vais me mettre au travail. Il ne me pèsera plus. Je ne vois pas bien clair, mais laisse, Élisabeth J'y penserai, moi, à filer et à tisser pour toi et pour ton enfant. Je suis svelte et j'y vois clair. Mais tu devras penser au tien. Oh. J'aurai bien le temps. Je pense d'abord à toi et à ton petit, et puis je penserai à mon Jésus. Dire comme elle est douce, l'expression et la voix de Marie, et comme elle s'épanouit en le disant ce nom, comme ses yeux s'emperlent de douces larmes de joie pendant qu'elle regarde le ciel lumineux et azuré, cela dépasse les possibilités humaines. Il semble que l'extase s'empare d'elle, rien qu'à dire « Jésus ». Élisabeth dit « Quel beau nom Le nom du Fils de Dieu, notre Sauveur oh, !» Ô Élisabeth Marie devient triste, triste et elle saisit les mains que sa parente tient croisées sur son sein gonflé. Dis-moi, toi qui, à mon arrivée, as été rempli de l'esprit du Seigneur et qui a prophétisé ce que le monde ignore, dis-moi, que devra faire pour sauver le monde ma créature Les prophètes, ô oh, les prophètes qui parlent du sauveur, Isaïe, tu te rappelles, Isaïe? C'est l'homme des douleurs. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été percé et blessé à cause de nos crimes. Le Seigneur veut le consumer dans les souffrances. Après la condamnation, on l'a élevé. De quelle élévation parle-t-il? On l'appelle Agneau, et moi je pense à l'Agneau Pascal, à l'agneau de Moïse, et je le rapproche du serpent que Moïse éleva sur une croix. Élisabeth, Élisabeth, que feront-ils à ma créature Que devra-t-il souffrir pour sauver le monde Marie pleure. Élisabeth la console. Marie, ne pleure pas. C'est ton fils, mais c'est aussi le fils de Dieu. Dieu pensera à son Fils et à toi qui es sa mère, et s'il y en a tant qui se montreront cruels envers lui, il y en aura tant qui l'aimeront, tant. Pendant des siècles et des siècles, le monde regardera vers ton enfant et te bénira avec lui, toi, source d'où jaillit la rédemption. Le sort de ton Fils élevé à la royauté sur toute la création Marie, Roi, parce qu'il aura racheté tout ce qui a été créé, et comme tel il en sera le Roi universel. Et aussi sur la terre, au cours des temps, il sera aimé. Mon Fils précédera le tien et l'aimera. L'Ange l'a dit à Zacharie, et lui me l'a écrit. Ah. Quelle douleur que de le voir muet, mon Zacharie. Mais j'espère que, quand l'enfant sera né, le Père aussi sera libéré du châtiment qui l'a frappé. Prie, toi qui es le siège de la puissance de Dieu et la cause de la joie du monde. Pour l'obtenir, j'offre comme je puis ma créature au Seigneur. Elle est à Lui, en effet. Il l'a prêtée à sa servante pour lui donner la joie de s'entendre appeler mère. C'est le témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. Je veux qu'on l'appelle Jean. Est-ce que par hasard ce n'est pas une grâce, mon petit Et n'est-ce pas Dieu qui me l'a faite Et Dieu, j'en suis bien convaincu, te fera cette grâce. Je prierai avec toi. J'ai tant de peine de le voir muet. Élisabeth pleure. Quand il écrit. Puisqu'il ne peut plus parler, il me semble qu'il y ait des monts et des mers entre moi et mon Zacharie. Après tant d'années de douces paroles, maintenant sa bouche reste silencieuse, et maintenant, spécialement, où il serait si beau de parler de ce qui va arriver. Je me retiens même de parler, pour ne pas le voir se fatiguer à faire des gestes pour me répondre. J'ai tant pleuré. Je t'ai attendu, le pays regarde, bavarde et critique. Le monde est fait ainsi. Et quand on a une peine ou une joie, on a besoin de compréhension et pas de critique. Maintenant, il me semble que la vie soit tout à fait meilleure. Je sens la joie en moi depuis que tu es avec moi. Je sens que mon épreuve va passer et que je serai bientôt tout à fait heureuse. Il en sera ainsi, n'est ce pas? Je me résigne à tout. Mais si Dieu pardonnait à mon époux, pouvoir l'entendre prier comme avant. Marie la caresse, la réconforte, et, pour la distraire, l'invite à faire un tour dans le jardin ensoleillé. Elles se rendent sous une tonnelle bien entretenue jusqu'à une petite tour rustique, dans les trous de laquelle les colombes font leur nid. Marie répand des graines en riant, les colombes se précipitent sur elle avec des roucoulements en des vols qui décrivent tout autour des cercles iridescents. Sur la tête, sur les épaules, sur les bras et sur les mains, elles se posent, allongent leurs becs roses pour saisir les graines dans le creux des mains, becquetant gracieusement les lèvres roses de la Vierge et ses dents qui brillent au soleil. Marie tire d'un sac les graines blondes et rit au milieu de cette joute d'avidité envahissante comme elle t'aime dit élisabeth il n'y a que quelques jours que tu es avec nous et elle t'aime plus que moi qui les ai toujours soignées la promenade se poursuit jusqu'à un enclos fermé au fond du verger où se trouvent une vingtaine de chèvres avec leurs chevreaux tu es revenu du pâturage Dit Marie à un jeune berger qu'elle caresse. Oui, car mon père m'a dit Va à la maison, parce que bientôt il va pleuvoir, et il y a des bêtes qui vont avoir les petits. Et soin qu'elles aient de l'herbe sèche et une litière toute prête. Le voilà qui vient. Et il fait signe au-delà du bois, d'où vient un bêlement tremblotant. Marie caresse un chevreau blond, comme un enfant, qui la frôle et avec Élisabeth, boit du lait tout frais tiré que le petit berger lui offre. Le troupeau arrive avec un berger hirsute comme un ours, mais ce doit être un brave homme car il porte sur ses épaules une brebis toute plaintive. Il la pose doucement par terre et il explique « Elle va avoir un agneau et elle ne pouvait plus marcher que difficilement. Je l'ai chargée sur mes épaules. » Et j'ai fait très vite pour arriver à temps. La brebis, qui boite douloureusement, est conduite au bercail par l'enfant. Marie s'est assise sur un rocher et joue avec les chevreaux et les agneaux, présentant des fleurs de trèfle à leur museau rose. Un chevreau blanc et noir lui met les pattes sur les épaules et flaire ses cheveux. Ce n'est pas du pain, dit Marie en riant. Demain, je t'en apporterai une croûte. Sois tranquille maintenant. Élisabeth aussi, rassérénée, se met à rire. Chapitre 34. Marie parle de son enfant. Je vois Marie qui file, vite, vite, sous la tonnelle où le raisin grossit. Il a dû passer un certain temps parce que les pommes commencent à rougir sur les arbres et les abeilles ronronnent près des fleurs du figuier déjà mûres. Élisabeth est tout à fait grosse et marche lourdement. Marie la regarde avec une attention affectueuse. Marie elle-même, quand elle se lève pour ramasser le fuseau tombé trop loin, paraît s'arrondir sur les côtés et l'expression du visage est changée. Elle est plus mûre. C'était une jeune fille. Maintenant c'est une femme. Les femmes entrent dans la maison parce que le jour baisse et à l'intérieur on allume les lampes. En attendant le souper, Marie tisse. Mais, ne te fatigue-t-il pas réellement? demande Elisabeth en montrant du doigt le métier à tisser. Non, sois tranquille. Pour moi, cette chaleur me fatigue. J'ai été sans souffrir, mais maintenant le poids est lourd pour mes reins vieillis. Prends courage, tu seras bientôt libérée. Comme tu seras heureuse alors. Pour moi, je ne vois pas l'heure de ma maternité. Mon enfant, mon Jésus, Comment sera-t-il? Beau comme toi, Marie. Oh non, plus beau. Lui est Dieu. Je suis sa servante. Mais j'ai voulu dire, sera-t-il blond ou brun? Aura-t-il les yeux comme un ciel tranquille ou comme les serres de montagne? Moi, je me le représente plus beau qu'un chérubin, avec une chevelure couleur d'or, avec les yeux de la couleur de notre mère de Galilée quand les étoiles commencent à se lever sur l'horizon du ciel, une bouche petite et rouge comme une tranche de grenade quand elle s'ouvre à maturité, et les joues, eh bien voilà, comme le teint rosé de cette rose pâle, et deux petites mains qui tiendraient dans le calice d'un lys tant elles sont petites et belles et deux pieds petits au point de remplir le creux de la main et gracieux et veloutés plus qu'un pétale de fleurs vois j'emprunte l'idée que je me fais de lui à toutes les beautés que me suggère la terre et j'entends sa voix en pleurant il pleurera un peu de faim ou de lassitude mon petit et ce sera toujours grande douleur pour sa maman qui ne pourra, oh non, elle ne pourra le voir pleurer sans avoir le cœur transpercé. Son cri sera comme le bêlement qui nous arrive de ce petit agneau qui vient de naître et qui cherche la mamelle de sa mère et pour dormir la chaleur de sa toison. Son rire emplira de ciel mon cœur épris de ma créature. Je puis être enamourée de lui parce qu'il est mon Dieu et mon amour d'amante ne s'oppose pas à ma consécration virginale. Son rire sera comme le recoulement joyeux d'une petite colombe rassasiée et satisfaite dans la tiédeur de son nid. Je pense à ses premiers pas, un oiseau sautillant sur un pré fleuri. Le pré sera le cœur de sa maman qui soutiendra ses petits pieds roses avec tout son amour pour qu'il ne rencontre rien qui le fasse souffrir. Comme je l'aimerai, mon enfant, mon fils, Joseph aussi l'aimera. Mais tu devras le lui dire à Joseph. Marie s'assombrit et soupire. Je devrais pourtant le lui dire. J'aurais voulu que le ciel le lui fasse savoir. Car c'est très difficile d'en parler. Veux-tu que je lui en parle Que je le fasse venir pour la circoncision de Jean Non, j'ai remis à Dieu le soin de l'instruire de son heureux sort de nourricier du Fils de Dieu. Il s'en chargera. L'Esprit m'a dit ce soir Tais-toi, laisse-moi le soin, je te justifierai. Et il le fera. Dieu ne ment jamais. C'est une grande épreuve, mais avec l'aide de l'Éternel elle sera surmontée. En dehors de toi, à qui l'Esprit l'a révélée, personne ne doit connaître par ma bouche la bienveillance du Seigneur à l'égard de sa servante. J'ai toujours gardé le silence, moi aussi, avec Zacharie, qui en aurait éprouvé une grande joie. Il croit à ta maternité naturelle. Je le sais, et je l'ai voulu aussi par prudence. Les secrets de Dieu sont saints. L'ange du Seigneur n'avait pas révélé à Zacharie ma maternité divine il aurait pu le faire si Dieu l'avait voulu, car Dieu savait qu'était imminente l'époque de l'incarnation de son Verbe en moi. Mais Dieu a tenu caché cette joie lumineuse à Zacharie qui refusait comme impossible votre fécondité tardive. Je me suis conformée à la volonté de Dieu, et tu le vois, tu as su ce secret vivant en moi. Lui n'a rien remarqué. Tant que ne tombera pas le voile de son incrédulité à l'égard de la puissance de Dieu, il vivra à l'écart de la lumière surnaturelle. Élisabeth soupire et garde le silence. Zacharie entre. Il présente des rouleaux à Marie. C'est l'heure de la prière avant le souper. C'est Marie qui prie à haute voix à la place de Zacharie. Puis ils prennent place à table. Quand tu ne seras plus ici, comme nous pleurerons de n'avoir personne qui nous dise les prières, dit Élisabeth en regardant son mari muet. Tu prieras alors, Zacharie, dit Marie. Il secoue la tête et écrit. Je ne pourrai plus jamais prier pour les autres. J'en suis devenue indigne du moment où j'ai douté de Dieu. — Zacharie, tu prieras. Dieu pardonne. Le vieillard essuie une larmes et soupir. Après le repas, Marie retourne au métier à tisser. — C'est assez, dit Élisabeth. Tu te fatigues trop. — Le temps est très proche, Élisabeth. Je veux faire à ton enfant un trousseau digne de celui qui précède le roi de la race de David. Zacharie écrit. De qui naîtra-t-il et où? Marie répond. Là où les prophètes l'ont dit et de qui l'éternel fera choix. Tout est bien fait de ce que fait notre Seigneur le Très-Haut. Zacharie écrit. À Bethléem, donc, en Judée. Nous irons le vénérer, femme. Toi aussi, tu viendras à Bethléem avec Joseph. Et Marie, baissant la tête sur son métier, Je viendrai. C'est la fin de la vision. Chapitre 35 Le don de Dieu doit toujours nous rendre meilleurs. Marie dit. La première manifestation de l'amour du prochain s'exerce envers le prochain. Que cela ne te semble pas un jeu de mots. La charité a un double objet Dieu et le prochain. Dans la charité à l'égard du prochain est comprise celle qui s'exerce envers nous-mêmes. Mais si nous nous aimons plus que les autres, nous ne sommes plus charitables, nous sommes égoïstes. Et même, dans les choses permises, il faut être assez sain pour faire passer en premier lieu les besoins du prochain. Soyez tranquilles, mes enfants. Dieu, pour les âmes généreuses, supplée avec les moyens de sa toute-puissante bonté. Cette certitude m'a fait venir à Hébron pour aider ma parente dans la situation où elle se trouvait. Et à mon dessein de secours humain, en donnant au-delà de toute mesure comme c'est son habitude, Dieu a ajouté le don d'un secours surnaturel auquel je ne pensais pas. Je vais pour porter un secours matériel et Dieu sanctifie la droiture de ma démarche, opérant la sanctification du fruit du sein d'Élisabeth et, avec cette sanctification qui présanctifia le Baptiste, soulage la souffrance physique d'une fille d'Ève âgée et concevant à un âge inhabituel. Élisabeth, femme de foi intrépide et abandonnée avec confiance à la volonté de Dieu, mérita de comprendre le mystère renfermé en moi. L'Esprit lui parla par le bondissement de l'enfant en son sein. Le Baptiste a prononcé son premier discours d'annonciateur du Verbe à travers les voiles des veines et de la chair qui à la fois le séparaient de sa sainte mère. Et en même temps, l'unissait à elle. Et je ne refuse pas de dire, à elle qui en est digne et à qui la lumière se révèle, ma qualité de mère du Seigneur. Le refus de ma part aurait eu pour effet de refuser à Dieu la louange qui lui était due, la louange que je portais en moi et que, ne pouvant dire à personne, je confiais aux plantes, aux fleurs, aux étoiles, au soleil, aux chants mélodieux des oiseaux, aux brebis patientes et à la lumière d'or qui me donnait un baiser en descendant du ciel et au murmure des ruisseaux. Mais prier à deux est plus doux que de dire seul notre prière. J'aurais voulu que le monde entier connaisse ma destinée, pas pour moi, mais pour qu'ils s'unissent à moi pour la louange de mon Seigneur. La prudence m'a défendu de révéler à Zacharie la vérité saurait été outrepasser l'œuvre de Dieu. Si j'étais pour lui épouse et mère, je serais toujours sa servante et je ne devais pas, à cause de son grand amour pour moi, me permettre de me substituer à lui et de prendre une décision qui m'aurait mise au-dessus de lui. Élisabeth, en sa sainteté, se rend compte et se tait, car qui est saint est toujours soumis et humble un don de dieu doit toujours nous rendre meilleurs plus nous recevons de lui et plus nous devons donner car plus nous recevons et plus il est en nous et avec nous et plus nous devons nous efforcer de nous rapprocher de sa perfection voilà pourquoi en faisant passer au second plan mon travail personnel je travaille pour élisabeth je ne me laisse pas dominer par la crainte de n'avoir pas le temps. Dieu est le maître du temps. Quand on espère en lui, on profite de sa providence, même pour les choses matérielles. L'égoïsme n'avance à rien, il retarde tout. La charité ne retarde rien, elle avance les réalisations. Retenez bien toujours cela. Quelle paix dans la maison d'Élisabeth! Si je n'avais pas eu la pensée de Joseph, et celle 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 de mon enfant qui devait racheter le monde, j'aurais été heureuse. Mais déjà la croix projetait son ombre sur ma vie, et comme une sonnerie funèbre, j'entendais la voix des prophètes. Je m'appelais Marie. L'amertume se mélangeait toujours aux douceurs que Dieu versait en mon cœur. Et elle a toujours été en augmentant jusqu'à la mort de mon fils. Mais quand Dieu nous appelle, Marie, à la destinée de victime pour son honneur, oh, il est doux d'être moulu comme le grain sous la meule pour faire de notre douleur le pain qui fortifie les faibles et les rend capables de gagner le ciel. Maintenant, c'est assez. Tu es fatigué. Et heureuse repose avec ma bénédiction. Chapitre 36 La naissance du Baptiste. Au milieu des choses repoussantes que nous offre à cette heure le monde, voilà que descend du ciel, et je ne sais pas comment cela peut-il arriver, puisque je suis comme un fétu de paille que le vent soulève dans ces heures continuelles avec la méchanceté humaine si opposé à tout ce qui vit en moi descend du ciel cette vision de paix c'est encore et toujours la maison d'élisabeth par une belle soirée d'été encore éclairée par le soleil couchant et où déjà l'arc de la lune semble une virgule d'argent posée sur une immense draperie d'azur foncé les rosiers répandent leur forte odeur et les abeilles font leur dernier vol gouttes d'or bourdonnantes dans l'air tranquille et chaud du soir. Des prés, il arrive une forte odeur de foin séché au soleil, une odeur de pain, dirait-on, de pain chaud sorti du four. Peut-être vient-elle aussi des nombreux linges étendus à sécher un peu partout et que Sarah est en train de plier. Marie se promène lentement, donnant le bras à sa cousine. Tout doucement, elles montent et descendent sous la tonnelle à demi éclairée. Marie a l'œil à tout, et tout en s'occupant d'Elisabeth, elle voit que Sarah s'emploie à replier une longue pièce de toile qu'elle a enlevée de dessus une haie. Attends-moi, assieds-toi là, dit-elle à sa parente, et elle s'en va aider la vieille servante, en tirant sur la toile pour défaire les plis et en la pliant avec soin. Elle se ressent encore du soleil, elle est chaude, dit-elle avec un sourire. Et pour faire plaisir à la femme, elle ajoute Cette toile, depuis ton blanchissage, est devenue belle comme elle ne l'a jamais été. Il n'y a que toi pour faire si bien les choses. Sarah s'en va toute fière avec sa charge de toile parfumée. Marie retourne vers Élisabeth et lui dit Encore quelques pas, ça te fera du bien. Mais puisqu'Élisabeth ne voudrait pas bouger, elle lui dit, Allons seulement voir si les colombes sont toutes dans leur nid et si l'eau de leur baignoire est propre. Puis nous revenons à la maison. Les colombes doivent être les préférées d'Élisabeth. Quand elles sont devant la petite tour rustique, les colombes sont déjà toutes rassemblées, les femelles sur les nids, les mâles immobiles devant elles. Mais en voyant les deux femmes, il roucoule encore pour les saluer. Élisabeth en est tout émue. La faiblesse due à son état la domine et lui inspire des craintes qui la font pleurer. Elle s'appuie sur sa cousine. Si j'allais mourir, mes pauvres colombes, toi tu ne restes pas. Si tu restais à la maison, il ne m'importerait pas de mourir. J'ai eu la plus grande joie qu'une femme puisse avoir. Une joie que je m'étais résignée à ne jamais connaître, et même de la mort, je ne pourrais me plaindre au Seigneur. Lui, qu'il en soit béni, m'a comblé de ses bontés. Mais il y a Zacharie, et il y aura l'enfant, l'un vieux et qui se trouverait comme perdu dans un désert sans sa femme, l'autre pauvre petit et qui serait comme une fleur destinée à mourir de froid. Parce qu'il n'aurait pas sa maman. Pauvre bébé sans les caresses de sa mère. Mais pourquoi cette tristesse Dieu t'a donné la joie d'être mère et il ne te l'enlèvera pas quand elle est à son comble. Le petit Jean aura tous les baisers de sa maman et Zacharie tous les soins de son épouse fidèle jusqu'à la vieillesse la plus avancée. Vous êtes deux branches du même arbre. L'une ne mourra pas en laissant l'autre à sa solitude. Tu es bonne, et tu me réconfortes mais moi, je suis tellement vieille pour avoir un fils, et maintenant que le moment de le mettre au monde est venu, j'ai peur. Oh. Non, Jésus est ici. Il ne faut pas avoir peur là où Jésus se trouve. Mon enfant, a allégé ta souffrance, tu l'as dit. Quand il était comme un bouton tout juste formé. Maintenant qu'il se développe de plus en plus et qu'il est déjà en moi comme un être bien vivant, je sens battre son petit cœur tout près de ma poitrine et j'ai l'impression d'avoir un petit oiseau au nid par le battement léger de son petit cœur. Maintenant, il t'épargnera tout danger. Tu dois avoir foi. Oui, j'ai foi, mais si je venais à mourir, N'abandonne pas tout de suite, Zacharie. Je sais que tu penses à ta maison, mais reste encore un peu pour aider mon homme dans les premiers jours de deuil. Je resterai pour jouir de ta joie et de la sienne, et je ne partirai que lorsque tu seras forte et joyeuse. Mais tiens-toi tranquille, Élisabeth, tout ira bien. Ta maison ne manquera de rien à l'heure de ta souffrance. Zacharie sera servi. Par la plus affectueuse servante. Tes fleurs seront soignées, et tes colombes aussi, et tu retrouveras les unes et les autres, joyeuses et belles, pour fêter le joyeux retour de leur maîtresse. Rentrons maintenant. Je te vois pâlir. Oui, il me semble que ma souffrance redouble. Peut-être l'heure est elle venue, Marie. Prie pour moi. Je t'aiderai par ma prière jusqu'au moment à peine s'épanouira en joie. Les deux femmes rentrent lentement à la maison. Élisabeth se retire dans son appartement. Marie, adroite et prévoyante, donne des ordres, prépare tout ce qu'il est possible de prévoir et réconforte Zacharie inquiet. Dans la maison où on veille cette nuit et où on entend les voix étrangères des femmes qu'on a appelées à l'aide, Marie reste vigilante comme un phare dans une nuit de tempête. Toute la maison gravite autour d'elle, et elle, douce et souriante, veille à tout. Elle prie quand elle n'est pas appelée par une chose ou une autre, elle se recueille dans la prière. Elle est dans la pièce où on se rassemble toujours pour le repas et pour le travail, et avec elle se trouve Zacharie qui pousse des soupirs et circule inquiet. Ils ont déjà prié ensemble, puis Marie a continué de prier. Même à présent que le vieillard fatigué a pris un siège et s'est assis près de la table et se tait tout songeur, elle prie. Et quand elle le voit dormir pour de bon, la tête sur les bras croisés qui s'appuient sur la table, elle délasse ses sandales pour faire moins de bruit et chemine les pieds nus. Elle fait moins de bruit qu'un papillon tournoyant dans une pièce. Elle prend le manteau de Zacharie et le pose sur lui si délicatement il continue à dormir dans la tiédeur de la laine qui le défend de la fraîcheur de la nuit, entrant par bouffée par la porte souvent ouverte. Puis elle revient prier et toujours avec plus d'âme, elle prie à genoux, les bras étendus, lorsque les cris de la malade se font plus perçants. Sarah entre et lui fait signe de sortir. Marie sort déchaussée dans le jardin. La maîtresse vous désire, dit-elle. Je viens, et Marie longe la maison, monte l'escalier. On dirait un ange blanc qui tourne dans la nuit tranquille et constellée d'étoiles. Elle entre chez Élisabeth. Ô oh Marie, Marie, quelle douleur Je n'en puis plus Marie, quelle souffrance il faut endurer pour être mère Marie la caresse affectueusement et lui donne un baiser. Marie, Marie, laisse-moi mettre la main sur ton sein. Marie prend les deux mains ridées et gonflées et se les pose sur l'abdomen arrondi en les tenant pressées de ses mains lisses et légères. Et elle parle doucement maintenant qu'elles sont seules. Jésus est là, qui se rend compte et voit, confiance, Élisabeth. Son cœur sain bat plus fort parce qu'il travaille en ce moment pour ton bien. Je le sens palpiter comme si je le tenais entre mes mains. Je comprends les paroles que par ces battements l'enfant me dit. Il me dit en ce moment Dis à la femme qu'elle ne craigne pas. Encore un peu de douleur. Et puis, au lever du soleil, au milieu de tant de roses qui attendent pour s'ouvrir sur leurs tiges ce rayon matinal, sa maison aura sa rose la plus belle, et ce sera Jean mon précurseur. Élisabeth pose aussi son visage sur le sein de Marie et pleure doucement. Marie reste ainsi quelque temps parce qu'il lui semble que la douleur s'endort, se relâche et se calme. Elle fait signe à tous de rester tranquilles. Elle reste debout, blanche et toute belle, dans le faible rayonnement de la lampe à huile, comme un ange qui veille sur la souffrance. Elle prie. Je la vois remuer les lèvres. Mais même si je ne les voyais pas remuer, je comprendrais qu'elle prie par l'expression extasiée de son visage. Le temps passe et la douleur reprend Elisabeth. Marie la baise de nouveau. Elle descend rapide dans le rayon de lune et court voir si le vieillard dort encore. Il dort et gémit tout en rêvant. Marie a un geste de pitié. Elle se remet à prier. Le temps passe. Le vieillard se réveille et jette un regard étonné comme s'il se souvenait mal pourquoi il se trouve là. Puis il se rappelle, il a un geste et une exclamation gutturale. Puis il écrit N'est-il pas encore né Marie fait signe que non. Zacharie écrit Quelle douleur Ma pauvre femme en sortira-t-elle sans mourir Marie prend la main du vieil homme et le rassure. À l'aube, sous peu, le bambin sera né, tout ira bien. Élisabeth est forte! Comme il va être beau ce jour, puisqu'il va bientôt faire jour où ton enfant verra la lumière. Le plus beau jour de ta vie. Ce sont de grandes grâces que le Seigneur te réserve pour toi et ton enfant en est l'annonciateur. Zacharie secoue la tête tristement et montre sa bouche muette. Il voudrait dire tant de choses et ne le peut. Marie comprend et répond. Le Seigneur te donnera une joie complète. Crois en lui complètement, espère infiniment, aime totalement. Le Très-Haut t'exaucera au-delà de ce que tu espères. Il veut cette foi totale pour laver ta défiance passée. Dis en ton cœur avec moi, je crois. Dis-le à chaque battement de ton cœur. Les trésors de Dieu s'ouvrent pour qui croit en lui et en sa puissante bonté. La lumière commence à pénétrer par la porte entrouverte. Marie l'ouvre. L'aube répand une lumière blanche sur la terre humide. Il y a une forte odeur de terre et de verdure humide. On entend les premiers pépiments des oiseaux qui s'appellent d'une branche à l'autre. Le vieil homme et Marie vont sur le seuil de la porte. Ils sont pâles, après une nuit sans sommeil, et la lumière de l'aube les fait encore plus pâles. Marie remet ses sandales, va au pied de l'escalier et écoute. Quand une femme se montre, elle fait un signe et revient. Rien encore. Marie va dans une pièce et revient avec du lait chaud qu'elle donne à boire au vieillard. Elle va voir aux colombes, elle revient pour disparaître dans cette pièce. Peut-être est-ce la cuisine. Elle fait un tour, surveille. Elle semble avoir eu un sommeil merveilleux, tant elle est vive et tranquille. Zacharie fait les cent pas, nerveux, monte et descend à travers le jardin. Marie le regarde avec pitié. Puis elle entre de nouveau dans la même pièce et agenouillée près de son métier. Elle prie de toute son âme, parce que les plaintes de la malade se font plus déchirantes. Elle se courbe jusqu'à terre pour prier l'Éternel. Zacharie rentre et la voit prosterner ainsi, et il pleure, le pauvre vieux. Marie se relève et le prend par la main. Elle semble être la mère de cette vieillesse désolée, et verse sur elle le réconfort. Ils se tiennent ainsi, l'un près de l'autre, dans le soleil qui rosit l'air du matin, et c'est ainsi que les rejoint la nouvelle joyeuse. Il est né! Il est né! Un garçon! Heureux père! Un garçon, frais comme une rose, beau comme le soleil, fort et vigoureux, et bon comme sa mère. Joie à toi, père béni par le Seigneur, qu'un fils t'a été donné pour que tu l'offres à son temple. Gloire à Dieu qui a accordé une postérité à cette maison, Bénédiction à toi et au Fils qui est né de toi, puisse sa descendance perpétuer ton nom dans les siècles des siècles, à travers les générations et les générations, et qu'elle conserve toujours l'alliance du Seigneur éternel. Marie, avec des larmes de joie, bénit le Seigneur, et puis les deux reçoivent le petit, apporté au Père pour qu'il le bénisse. Zacharie ne va pas trouver Élisabeth. Il reçoit le bambin qui crie comme un perdu, mais ne va pas trouver sa femme. C'est Marie qui y va, portant affectueusement le bébé qui se tait tout à coup. À peine Marie l'a-t-elle pris dans ses bras. La commère qui la suit remarque le fait. Femme, dit-elle à Élisabeth, ton enfant, sais-tu, tout d'un coup, quand elle l'a pris Regarde comme il dort tranquille, et Dieu sait s'il est remuant et fort. Maintenant, Regarde, on dirait une petite colombe. Marie met la créature près de la mère et la caresse en remettant en ordre ses cheveux gris. La rose est née, lui dit-elle doucement. Et tu es en vie, Zacharie est heureux. Il parle Pas encore, mais espère dans le Seigneur. Repose-toi maintenant, je resterai avec toi. Chapitre 37. L'espérance s'épanouit comme une fleur pour celui qui appuie sa tête sur mon sein maternel. Marie dit Si ma présence avait sanctifié le baptiste, elle n'avait pas enlevé pour Élisabeth la condamnation venue d'Ève. Tu auras des fils dans la douleur, avait dit l'Éternel. Moi seul, sans tâche et sans union humaine, et exempte de la douleur de l'enfantement la tristesse et la douleur sont les fruits de la faute moi qui étais là sans faute je devais connaître pourtant la douleur et la tristesse parce que j'étais la corédentrice mais je ne connus pas le déchirement de l'enfantement non je n'ai pas connu cette souffrance mais crois-moi ma fille qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais tourment d'enfantement semblable à mon enfantement de martyr, d'une maternité spirituelle accomplie sur le plus dur délit, celui de ma croix au pied du gibet de mon fils qui mourait. Quelle est la mère qui est contrainte à générer de telle façon et à mêler le tourment de ses entrailles qui se déchiraient en entendant le râle de sa créature agonisante au déchirement intérieur pour avoir à surmonter l'horreur de devoir dire, je vous aime. Venez à moi qui suis votre mère, aux assassins de son fils, qui est né du plus sublime amour qu'ait jamais vu le ciel, de l'union d'amour d'un dieu avec une vierge, d'un baiser de feu, de l'embrassement de la lumière qui se firent chair, et du sein d'une femme firent le tabernacle de Dieu, que de douleur pour être mère, disait Élisabeth, si grande, mais un rien en comparaison de la mienne. Laisse-moi mettre les mains sur ton sein. Oh, si dans votre souffrance, vous me demandiez toujours cela. Je suis l'éternelle porteuse de Jésus. Il réside en mon sein, comme tu l'as vu l'an passé, comme une hostie en l'ostensoir qui vient à moi le trouve, qui s'appuie sur moi le touche, qui s'adresse à moi lui parle. Je suis son vêtement, il est mon âme. Encore plus, plus uni maintenant qu'il ne le fut pendant les neuf mois qu'il se développait en mon sein. Mon fils est uni à moi, sa maman. Et toute douleur se calme, et toute espérance fleurit, et toute grâce coule pour qui vient à moi, et pose sa tête sur mon sein. Je prie pour vous, rappelez-le. La béatitude d'être au ciel, vivant dans le rayonnement de Dieu, ne me fait pas oublier mes fils qui souffrent sur la terre, et je prie. Le ciel entier prie, car le ciel aime. Le ciel, c'est la charité vivante, et la charité a pitié de vous. Mais s'il n'y avait que moi, ce serait déjà une prière suffisante pour les besoins de qui espère en Dieu, puisque je ne cesse de prier pour vous tous, saints et dépravés, pour donner aux saints la joie, pour donner aux méchants le repentir qui sauve. Venez, venez, ô fils de ma douleur, je vous attends au pied de la croix pour vous faire grâce. Chapitre 38 la circoncision du Baptiste. Je vois la maison en fête. Fait. C'est le jour de la circoncision. Marie a pris soin que tout soit beau et en ordre. Les pièces brillent de lumière et aussi les plus belles étoffes, les plus beaux meubles. C'est une splendeur. Il y a beaucoup de monde. Marie se déplace, agile parmi les groupes, toute belle dans son plus beau vêtement blanc. Élisabeth, révérée comme une matrone, jouit délicieusement de la fête. Le bébé est sur son sein, repu de lait. Vient le moment de la circoncision. Nous l'appellerons Zacharie. Tu te fais vieux et il convient que ton nom soit donné à l'enfant, disent les hommes. Certainement non, s'écrie la mère. Son nom est Jean. Son nom doit être un témoignage de la puissance de Dieu. Mais quand donc y a-t-il eu un Jean dans notre parenté n'importe, il doit s'appeler Jean. Que dis tu, Zacharie? Tu veux qu'il ait ton nom, n'est ce pas? Zacharie fait signe que non. Il prend la tablette et écrit. Jean est son nom, et il a à peine fini d'écrire, qu'il ajoute avec sa langue libérée. Puisque Dieu a fait une grande grâce à moi, son père et à sa mère, et à ce petit, son nouveau serviteur, qui passera en effet sa vie à glorifier le Seigneur, et il sera appelé grand dans la suite des siècles et aux yeux de Dieu, parce qu'il s'emploiera à convertir les cœurs au Seigneur très haut. L'ange l'a dit, et moi je ne l'ai pas cru, mais maintenant je crois, et la lumière se fait en moi. Elle est parmi nous, et vous ne la voyez pas. Son sort sera d'être ignoré, parce que les hommes ont l'esprit encombré, endormi. Mais mon Fils la verra, et parlera d'elle, et tournera vers elle les cœurs des justes d'Israël. Ô bienheureux ceux qui croiront en elle, et croiront toujours à la parole du Seigneur. Et toi, sois béni, Seigneur éternel, Dieu d'Israël, parce que tu as visité et racheté ton peuple en lui suscitant un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur comme tu as promis par la bouche des saints prophètes, depuis les temps anciens, de nous délivrer de nos ennemis et des mains de ceux qui nous haïssent, pour exercer ta miséricorde envers nos pères et montrer que tu n'oublies pas ta sainte alliance. Tel est le serment que tu as fait à Abraham notre Père, de nous accorder que, sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous te servions dans la sainteté et la justice, en ta présence, pendant toute la vie et ainsi jusqu'à la fin. Les personnes présentes sont dans la stupeur pour le nom, pour le miracle et pour les paroles de Zacharie. Élisabeth, à la première parole de Zacharie, avait hurlé de joie. Maintenant, elle pleure pendant que Marie la tient embrassée et la caresse joyeusement. On porte ailleurs le nouveau-né pour la circoncision. Quand on le rapporte le petit Jean crie de toute sa voix même le lait de sa maman ne le calme pas il se débat comme un jeune poulain mais Marie le prend et le berce et lui se tait et se calme mais regardez dit Sarah il ne se tait que lorsqu'elle le prend les gens s'en vont lentement dans la pièce il ne reste que Marie avec le bébé dans les bras et Élisabeth toute heureuse Zacharie entre et ferme la porte. Il regarde Marie avec les larmes aux yeux. Il veut parler, puis se tait. Il s'avance. Il s'agenouille devant Marie. Bénis le misérable serviteur du Seigneur, lui dit-il. Bénis-le, puisque tu peux le faire, toi qui le portes en ton sein. La parole de Dieu m'a parlé quand j'ai reconnu mon erreur, et que j'ai cru à tout ce qui m'avait été dit. Je te vois, et aussi ton heureuse destinée. J'adore en toi le Dieu de Jacob. Toi mon premier temple, où le premier prêtre devenu conscient peut à présent prier l'Éternel. Tu es béni, toi qui as obtenu grâce pour le monde et lui porte le Sauveur. Pardonne à ton serviteur s'il n'a pas vu au premier abord ta majesté. C'est toutes les grâces que tu nous as apportées avec ta venue, parce que où tu vas, ô pleine de grâce, Dieu opère ses miracles, et saints sont les murs où tu entres, saintes deviennent les oreilles qui entendent ta voix et les chairs que tu touches, saints les cœurs, parce que tu donnes les grâces. Mère du Très-Haut, Vierge annoncée par les prophètes et attendue pour donner au peuple de Dieu le sauveur. Marie sourit, allumée par l'humilité, et elle parle. Louange au Seigneur, à lui seul, c'est de lui, pas de moi, que vient toute grâce, et lui t'a accordé sa grâce pour que tu l'aimes et le serves à la perfection le reste de ta vie, pour mériter son royaume que mon Fils ouvrira au patriarche, au prophète, au juste du Seigneur. Et toi, maintenant, qui peux prier devant le Saint, prie pour la servante du Très-Haut, parce que être la mère du Fils de Dieu, c'est une bienheureuse destinée. Être mère du Rédempteur, c'est une destinée d'atroce douleur. Prie pour moi, qui, heure après heure, sans grandir le poids de ma souffrance, et c'est toute une vie qu'il me faudra le porter. Et si je n'en vois pas les détails, je sens que ce sera un poids plus lourd que si sur mes épaules de femme se posait le monde, et que je dusse l'offrir au ciel. Moi, moi seule, pauvre femme, mon enfant, mon fils. Ah. Qu'à présent le tien ne pleure pas si je le berce. Mais pourrais je, moi, bercer le mien pour calmer sa douleur? Prie pour moi, prêtre du Seigneur. Mon cœur tremble comme une fleur sous la bourrasque je regarde les hommes et je les aime mais derrière leurs visages je vois apparaître l'ennemi qui en fait des ennemis de Dieu de Jésus mon fils la vision s'évanouit avec la vue de la pâleur de Marie de ses larmes où brille son regard chapitre 39 disposez votre esprit à accueillir la lumière marie dit à qui reconnaît sa faute et s'en repent et s'accuse humblement d'un cœur sincère dieu pardonne il ne pardonne pas seulement il récompense ô oh, mon seigneur comme il est bon envers qui est humble et sincère envers celui qui croit en lui et se fie à lui Désencombrez votre esprit de tout ce qui l'encombre et le rend inerte. Disposez-le à accueillir la lumière. Comme un phare dans les ténèbres, elle vous est un guide et un saint réconfort. Amitié avec Dieu, béatitude de ceux qui lui sont fidèles, richesse que rien n'égale, qui te possède n'est jamais seul et ne ressent pas l'amertume et le désespoir. Tu ne supprimes pas la douleur, ô sainte amitié, car la douleur a été le destin d'un Dieu incarné, et elle peut être le destin de l'homme. Mais tu rends cette douleur douce en son amertume, tu y mélanges une clarté et une caresse qui, comme une touche céleste, soulève la croix. Et, quand la bonté divine vous donne une grâce, usez du bienfait reçu pour rendre gloire à Dieu. Ne soyez pas des fous, qui, d'un objet utile, se font une arme nuisible, ou comme des prodigues qui transforment leur richesse en misère. C'est trop de douleur que vous me donnez, ô Fils, derrière le visage de qui je vois paraître l'ennemi, celui qui se rue contre mon Jésus. Trop de douleur. Je voudrais être pour tous la source de la grâce. Mais trop d'entre vous ne veulent pas de la grâce. Vous demandez grâce? mais avec une âme qui ne possède pas la grâce. Et comment la grâce peut elle vous secourir si vous en êtes les ennemis? Le grand mystère du vendredi saint approche. Tout dans les temples le rappelle et le célèbre mais il faut célébrer et en rappeler le souvenir dans vos cœurs, en vous battant la poitrine comme ceux qui descendaient du Golgotha, et dire Celui là est vraiment le Fils de Dieu le Sauveur, et dire Jésus, par ton nom, sauve nous, et dire Père, pardonne nous, et finalement Seigneur, je ne suis pas digne, mais si tu me pardonnes et viens vers moi, mon âme sera guérie, et je ne veux pas, non, je ne veux plus pécher pour retourner à mon mal et en haine envers toi. Priez mes fils avec les paroles de mon fils. Dites avec lui au oh Père pour vos ennemis. Père, pardonne-leur. Appelez le Père qui s'est retiré de vous, indigné par vos erreurs. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis pécheur, mais si tu m'abandonnes, je périrai. Reviens, Père Saint, pour que je me sauve. Confiez à l'unique qui peut le conserver à l'abri des coups du démon. Votre bien éternel, votre esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Oh, si humblement et d'un cœur affectueux, vous remettez votre esprit à Dieu, lui vous conduit comme un père son petit, et ne permet pas que rien ne lui fasse tort. Jésus, en ses agonies, a prié pour vous enseigner à prier. Je vous le rappelle en ces jours de la passion et toi Marie toi qui vois ma joie de mère et en es extasiée ramène à ta mémoire cette pensée que j'ai possédé Dieu à travers une douleur sans cesse grandissante il est descendu en moi avec le germe de Dieu et comme un arbre gigantesque a grandi jusqu'à toucher le ciel de sa cime et aussi l'enfer par ses racines quand j'ai reçu sur mon sein la dépouille inanimée de la chair de ma chair, quand j'en ai vu et compté les déchirures atroces, quand j'ai touché son cœur qui avait été lacéré pour consommer la douleur jusqu'à la dernière goutte de son sang. Chapitre 40. La présentation du Baptiste au temple. Dans la nuit du mercredi au jeudi de la semaine sainte, Voici ce que je vois. D'un char confortable auquel est attachée aussi la monture de Marie, je vois descendre Zacharie, Élisabeth et Marie, qui tient le petit Jean, et Samuel avec un agneau, et dans une cage une colombe. Ils descendent devant l'écurie habituelle où doivent s'arrêter tous les pèlerins qui se rendent au temple pour remiser leur monture. Marie appelle le petit homme qui en est propriétaire et lui demande si aucun Nazaréen n'est venu le jour précédent ou aux premières heures de la matinée. Personne, femme, répond le petit vieux. Marie demeure étonnée, mais n'ajoute rien d'autre. Elle fait détacher son âne par Samuel et puis rejoint Zacharie et Élisabeth. Elle explique le retard de Joseph. Il aura été retenu par quelque chose, mais il viendra certainement aujourd'hui. Elle reprend le bébé qu'elle avait donné à Élisabeth et il se dirige vers le temple. Zacharie reçoit les honneurs des gardes, les saluts et les compliments des autres prêtres. Il est splendide aujourd'hui, Zacharie, avec ses vêtements sacerdotaux et sa joie de père heureux. On dirait un patriarche. Je pense qu'Abraham devait lui ressembler quand il se réjouissait d'offrir Isaac au Seigneur. Je vois la cérémonie de la présentation du nouvel Israélite et la purification de la mère. Elle est encore plus pompeuse que pour la présentation de Marie, parce que Jean est le fils d'un prêtre et les prêtres font grande fête. Ils accourent en nombre et s'affairent autour du petit groupe des femmes et du nouveau né. Des gens aussi se sont approchés par curiosité, et j'entends les commentaires. Comme Marie a l'enfant sur les bras pendant qu'on se dirige vers l'endroit coutumier, les gens croient que c'est la mère. Mais une femme dit, ce n'est pas possible, ne voyez-vous pas qu'elle est enceinte? Le bambin n'a que quelques jours, et elle, elle est déjà grosse. Pourtant, dit un autre, il n'y a qu'elle qui puisse être la mère, l'autre est vieille, ce doit être une parente, mais elle ne peut être mère à l'âge qu'elle a. Suivons-les, et nous verrons qui a raison. Et la stupeur augmente quand on voit que celle qui accomplit le rite de la purification, c'est Élisabeth. Elle offre son agneau bêlant pour l'holocauste et la colombe pour le péché. C'est-elle la mère, tu as vu Non, oui Les gens chuchotent, incrédules encore. Ils font tant de bruit qu'un pschut impérieux part du groupe des prêtres qui assistent à la cérémonie. Les gens se taisent un moment, mais les chuchotements se font plus forts quand Élisabeth, rayonnante d'une sainte fierté, prend le bambin et pénètre dans le temple pour en faire la présentation au Seigneur. C'est bien elle C'est toujours la mère qui fait l'offrande Quel miracle est-ce donc jamais Que sera cet enfant accordé à un âge si avancé à cette femme Qu'est-ce que cela présage vous ne savez pas, dit quelqu'un qui arrive tout essoufflé, c'est le fils du prêtre Zacharie, de la descendance d'Araon, celui qui devint muet pendant qu'il offrait l'encens au sanctuaire. Mystère. Mystère. Et maintenant il parle de nouveau? La naissance de son fils lui a délié la langue. Quel esprit lui aura parlé et rendu morte sa langue pour l'habituer à garder le silence sur les secrets de Dieu? Mystère. Quelle vérité sera révélée à Zacharie? Son fils serait il le Messie qu'attend Israël? Il est né en Judée, mais pas à Bethléem et pas d'une vierge il ne peut être le Messie. Qui donc est il? Mais la réponse reste dans le secret de Dieu, et les gens restent avec leur curiosité. La cérémonie est achevée. Les prêtres font fête maintenant à la mère aussi et au bébé. La seule à qui on ne fait pas attention, qu'on évite même dédaigneusement quand on s'aperçoit de son état, c'est Marie. Une fois les félicitations finies, la plupart se remettent en route et Marie veut retourner à l'hôtellerie pour voir si Joseph est arrivé. Il n'est pas arrivé. Marie reste déçue et pensive. Élisabeth se préoccupe de sa situation. Nous pouvons rester jusqu'à la sixième heure, mais ensuite nous devons partir pour être à la maison avant la première veille. Il est encore trop petit pour rester la nuit tombée. Et Marie, calme et triste. Je resterai dans une cour du temple. J'irai trouver mes maîtresses. Je ne sais, mais je ferai quelque chose. Zacharie intervient avec un projet immédiatement accepté comme une bonne solution. Allons chez les parents de Zébédée, c'est sûrement là que Joseph va te chercher et s'il ne venait pas, il te sera facile de trouver quelqu'un pour t'accompagner vers la Galilée. Dans cette maison, il y a un va-et-vient continuel de pêcheurs de Génézaret. Ils prennent la monture de Marie et vont chez les parents de Zébédée qui, au fond, ne sont que ceux qui ont donné l'hospitalité à Marie et Joseph quatre mois auparavant. Les heures passent vite, et Joseph ne paraît point. Marie maîtrise sa peine en berçant le petit, mais on voit qu'elle est pensive. Comme pour cacher son état, elle n'a pas enlevé son manteau, bien qu'il fasse une chaleur qui fait transpirer tout le monde. Finalement, un grand coup à la porte annonce Joseph. Le visage de Marie resplendit, rasséréné. Joseph la salue, après qu'elle s'est présentée tout d'abord, le saluant avec respect. La bénédiction de Dieu sur toi, Marie. Et sur toi, Joseph. Et louange au Seigneur que tu sois venu. C'est que Zacharie et Élisabeth allaient partir pour être à la maison avant la nuit. Ton messager est arrivé à Nazareth pendant que j'étais à Cana pour des travaux. J'ai été informé hier soir, et je suis parti tout de suite. Mais, ayant marché sans arrêt, je suis en retard parce que l'âne avait perdu un fer. Pardonne-moi. C'est à toi de me pardonner d'être resté si longtemps loin de Nazareth. Mais regarde, ils étaient si heureux de m'avoir avec eux. C'est pourquoi j'ai voulu leur faire plaisir jusqu'à maintenant. Tu as bien fait, femme. Et le bambin, où est-il Ils entrent dans la pièce où se trouve Élisabeth, qui donne son lait à Jean avant de partir. Joseph complimente les parents pour la robustesse de l'enfant. Élisabeth l'enlève de son sein pour le montrer à Joseph, mais il crie et se débat comme si on l'écorchait. Tout le monde rit de ses protestations, même les parents de Zébédé qui sont accourus apportant des fruits frais pour tout le monde, du lait, du pain et un grand plat de poisson. Ils rient et s'unissent à la conversation des autres. Marie parle très peu. Elle reste tranquille et silencieuse, assise dans son coin, les mains sur son sein sous son manteau. Et même quand elle boit une tasse de lait et mange une grappe de raisin doré avec un peu de pain, elle parle peu et ne bouge guère. Elle regarde Joseph avec un mélange de peine et d'inquiétude. Lui aussi la regarde et après quelque temps, se penchant sur son épaule, lui demande. Es tu fatigué? souffres tu? Tu es pâle et triste j'ai de la peine de me séparer du petit Jean. Je l'aime bien. Je l'ai porté sur mon cœur, presque dès sa naissance. Joseph ne pose pas d'autres questions. L'heure du départ est venue pour Zacharie. Le char s'arrête à la porte et tout le monde s'approche. Les deux cousines s'embrassent affectueusement. Marie baise plusieurs fois le bébé avant de le reporter sur le sein de sa mère, déjà assise dans son char. Puis, elle salue Zacharie et lui demande sa bénédiction. Quand elle s'agenouille devant le prêtre, le manteau glisse de ses épaules et ses formes apparaissent dans la lumière intense d'un après-midi d'été. Je ne sais si Joseph le remarque à ce moment occupé qu'il est à saluer Élisabeth. Le char s'éloigne. Joseph rentre avec Marie qui reprend sa place dans un coin à moitié éclairé. S'il ne te déplaisait pas de voyager de nuit, je proposerais de partir au crépuscule. La chaleur est forte dans la journée. La nuit, au contraire, est fraîche et tranquille. C'est pour toi que je le dis, pour ne pas t'exposer trop au soleil. Pour moi, ce n'est rien d'être exposé à la canicule. Mais toi? Comme tu veux, Joseph. Oui, je crois que ce serait bien de voyager de nuit. La maison est bien en ordre et aussi le jardinet. Tu verras quelles belles fleurs. Tu arrives à temps pour voir tout fleuri. Le pommier, le figuier, la vigne sont chargés de fruits comme jamais. Et le grenadier. J'ai dû lui mettre des tuteurs tant ses branches sont chargées de fruits déjà bien formés qu'on n'a jamais vu chose pareille en ce temps-ci. Et puis l'olivier. Tu auras de l'huile en abondance. Il a eu une floraison miraculeuse et pas une fleur ne s'est perdue. Toutes ont déjà donné une petite olive. Quand elles seront mûres, l'arbre sera couvert de perles noires. Il n'y a que toi pour avoir un si beau jardin dans tout Nazareth. Même les parents en sont étonnés. Et Alphée dit que c'est un miracle. Tes soins l'ont créé. Oh non, pauvre homme que je suis Qu'ai-je donc fait, moi Un peu de soin aux arbres et un peu d'eau aux fleurs, sais-tu Je t'ai fait une fontaine tu n'auras pas besoin de sortir pour avoir de l'eau. Je l'ai amenée au fond près de la grotte et j'y ai mis une vasque. Je l'ai conduite de la source qui se trouve au-dessus de l'olivier de Mathias. Elle est pure et abondante. C'est par un petit ruisseau que je te l'ai amenée. J'ai fait un petit canal bien couvert et maintenant l'eau arrive et chante comme une harpe. Ça me faisait de la peine de te voir aller à la fontaine du pays et en revenir chargé d'un fort rempli d'eau. Merci Joseph, tu es bon. Les deux époux se taisent maintenant, comme fatigués. Joseph sommeille même. Marie prie. Le soir arrive. Les hôtes insistent pour qu'ils mangent encore avant de se mettre en route. Joseph mange du pain et du poisson. Marie seulement des fruits et du lait. Puis c'est le départ ils montent sur leurs ânes. Comme à l'aller, Joseph a installé sur le sien le coffre de Marie, et avant que Marie ne monte, il regarde si la selle est bien en place. Je remarque que Joseph regarde Marie quand elle monte en selle mais il ne dit rien. Le voyage a commencé au moment où les étoiles, les premières, se mettent à clignoter dans le ciel. Ils se hâtent vers les portes pour les atteindre avant qu'elles ne soient fermées, peut-être. Quand ils sortent de Jérusalem et ils prennent la grande route qui va vers la Galilée, déjà les étoiles fourmillent dans toute l'étendue du ciel. Il y a grand silence dans la campagne. On n'entend que le chant d'un rossignol et les pieds des deux ânes qui battent en cadence le terrain de la route durcie par la sécheresse de l'été. Chapitre 41 Si Joseph avait été moins saint, Dieu ne lui aurait pas accordé sa lumière. Marie dit C'est la veille du Jeudi Saint. À certains, cette vision paraîtra hors de propos. Mais ta douleur d'amante de Jésus crucifié est en ton cœur et y persiste même si une douce vision se présente, c'est comme la tiédeur qui se développe d'une flamme qui est encore du feu et ce n'est plus du feu. Le feu c'est la flamme, pas la tiédeur qu'elle répand autour d'elle. Aucune vision béatifiante ou purifiante ne viendra t'enlever du cœur cette douleur. Regarde-la comme précieuse, plus que ta vie même. C'est en effet le plus grand don que Dieu puisse faire à celui qui croit en son Fils. D'ailleurs, ma vision dans sa paix s'harmonise bien avec la commémoration de cette semaine. Mon Joseph aussi a eu sa passion, et elle commença à Jérusalem quand il se rendit compte de mon état, et elle a duré des jours comme pour Jésus et pour moi et spirituellement elle ne fut pas moins douloureuse c'est uniquement par la sainteté de joseph mon époux qu'elle s'est maintenue sous une forme tellement digne et secrète qu'elle est passée peu connue à travers les siècles ô oh, notre première passion qui peut en dire l'intime et silencieuse intensité qui peut en dire ma douleur en constatant que le ciel ne m'avait pas encore exaucé en révélant à Joseph le mystère, qu'il l'ignorait, je l'avais compris en le voyant à mon égard simplement respectueux comme à l'ordinaire. S'il avait su que je portais en moi le Verbe de Dieu, il aurait adoré ce Verbe en mon sein avec des actes de vénération dus à Dieu, et il n'aurait pas manqué de les faire comme moi. Je n'aurais pas refusé de les recevoir, non pas pour moi, mais pour celui qui était en moi que je portais comme l'arche d'alliance portait les tables de la loi et les vases de la manne. Qui peut dire mon combat contre le découragement qui tentait de m'accabler pour me persuader que j'avais espéré en vain dans le Seigneur? Oh. Je crois que ce fut une rage de Satan. Je sentais le doute me saisir aux épaules et allonger ses tentacules pour emprisonner mon âme et l'arrêter dans sa prière. Le doute, si dangereux, mortel pour l'esprit, mortel car c'est bien la première attaque de la maladie qui se nomme désespoir et contre laquelle l'esprit doit réagir de toutes ses forces pour ne pas voir périr son âme et perdre Dieu. Qui pourrait dire avec une exacte vérité la douleur de Joseph, ses pensées, le trouble de ses affections? Comme une petite embarcation prise dans une grande bourrasque, il se trouvait dans un tourbillon d'idées opposées, de réflexions plus pénibles et plus cruelles l'une que l'autre. En apparence, c'était un homme trahi par sa femme. Il voyait crouler en même temps son bon renom et l'estime du monde à cause d'elle. Il se voyait déjà montré du doigt et l'objet de la compassion du pays. Il voyait l'amour et l'estime qu'il avait pour moi tomber mort devant l'évidence du fait. Ici, sa sainteté resplendit encore plus que la mienne, et j'en témoigne avec mon amour d'épouse, car je veux que vous l'aimiez, mon Joseph, cet homme sage et prudent, patient et bon, qui n'est pas étranger au mystère de la Rédemption, auquel il a été intimement lié, parce qu'il usa de sa douleur et lui-même pour celui-ci, en sauvant le Sauveur au prix de son sacrifice et par sa grande sainteté. S'il avait été moins saint, il aurait agi humainement en me dénonçant comme adultère pour me faire lapider et faire périr avec moi le fruit de mon péché. S'il avait été moins saint, Dieu ne lui aurait pas donné la lumière pour le guider en une telle épreuve. Mais Joseph était saint. Son esprit, toute pureté, vivait en Dieu. La charité en lui était ardente et forte et par sa charité il vous sauva le Sauveur, tant en ne me dénonçant pas auprès des anciens, qu'en laissant tout par une prompte obéissance pour emmener Jésus en Égypte. Journées peu nombreuses mais terribles par leur intensité, celles de la passion de Joseph et de ma passion, de cette première passion dont je dus souffrir. Car je comprenais sa souffrance et ne pouvais la lui enlever Aucunement pour rester fidèle à l'ordre de Dieu qui m'avait dit, tais-toi. Et quand, à notre arrivée à Nazareth, je le vis me quitter, après un laconique salut, courbé et vieilli, pour ainsi dire, en peu de temps, quand je vis qu'il ne venait pas chez moi le soir comme il en avait l'habitude, je vous le dis, mes fils, mon cœur éploré eut à souffrir une douleur aiguë. Enfermé dans ma maison, seul, dans la maison où tout me rappelait l'Annonciation et l'Incarnation, et où tout me ramenait au cœur le souvenir de Joseph uni à moi dans une virginité sans tache, je dus résister au découragement, aux insinuations de Satan, et espérer, 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 et prier, 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 et pardonner, pardonner. Pardonnez à Joseph son soupçon, sa révolte de juste indigné. Mes fils, il faut espérer, prier, pardonner, pour obtenir que Dieu intervienne en notre faveur. Vous aussi vous avez à vivre votre passion vos fautes l'ont méritée. Je vous enseigne comment la surmonter et la transformer en joie. Espérez sans mesure, Priez sans défiance, pardonnez pour qu'il vous soit pardonné. Le pardon de Dieu, mes fils, sera la paix à laquelle vous aspirez. Je ne vous dirai rien d'autre pour le moment, sauf qu'après le triomphe de Pâques ce sera le silence. Compatissez à ce qu'endure votre Rédempteur, écoutez ses plaintes et comptez ses blessures et ses larmes. Chaque larme a été versée pour vous, et ses blessures, c'est pour vous qu'il les a reçues. Toute autre vision s'efface devant celle qui vous rappelle la rédemption qu'il a accomplie pour vous. Chapitre 42. Marie de Nazareth s'explique avec Joseph. Après cinquante-trois jours, la maman recommence à se manifester avec cette vision qu'elle me dit de noter dans ce livre. La joie renaît en moi parce que voir Marie, c'est posséder la joie. Je vois donc le petit jardin de Nazareth. Marie file à l'ombre d'un pommier à la frondaison touffue et surchargée de fruits qui commencent à rougir. On dirait des joues d'enfant arrondies et rosées. Mais Marie n'a pas ces belles couleurs. Le teint que ses joues avaient à Hébron a disparu le visage est pâle comme de l'ivoire. Seules les lèvres y dessinent une courbe de pâle corail. Sous les paupières abaissées, deux ombres obscures, et le bord des yeux est gonflé comme après des pleurs. Je ne vois pas les yeux, parce qu'elle a la tête plutôt inclinée, attentive à son travail, et plus encore à des pensées attristantes, car je l'entends soupirer comme quelqu'un qui souffre douloureusement dans son cœur. Elle est toute habillée de blanc, de vêtements de lin blanc parce qu'il fait très chaud, bien que la fraîcheur encore intacte des fleurs me dise que c'est le matin. Elle a la tête découverte, et le soleil qui joue avec le feuillage du pommier, remué par un vent très léger, et qui filtre, en faisant des raies de lumière sur la terre brune des parterres, dessine des ronds lumineux, sur sa tête blonde et sur les cheveux qui ont des reflets d'or pur. De la maison ne vient aucun bruit, ni non plus du voisinage. On entend le murmure d'un filet d'eau qui coule dans une vasque au fond du jardin. Marie sursaute en entendant un coup frapper résolument à la porte extérieure de la maison. Elle pose sa quenouille et son fuseau et se lève pour aller ouvrir. Bien que son habit soit souple et ample, elle n'arrive pas à cacher complètement la rondeur du bassin. Elle se trouve en face de Joseph. Elle pâlit jusqu'aux lèvres. En ce moment, son visage semble une hostie, tant il est exsangue. Marie regarde d'un œil qui interroge avec tristesse. Le regard de Joseph paraît suppliant. Il garde le silence en se regardant. Puis Marie ouvre la bouche. À cette heure, Joseph As-tu besoin de quelque chose Que veux-tu me dire Viens. Joseph entre et ferme la porte. Il ne parle pas encore. Parle, Joseph. Qu'est-ce que tu veux Ton pardon. Joseph s'incline comme s'il voulait s'agenouiller. Mais Marie, toujours si réservée pour le toucher, le prend résolument par les épaules et l'en empêche. La couleur va et vient sur le visage de Marie. Tantôt rouge, tantôt pâle, comme il était avant. Mon pardon Je n'ai rien à te pardonner, Joseph. Je n'ai qu'à te remercier encore de tout ce que tu as fait ici en mon absence et pour l'amour que tu me portes. Joseph la regarde et je vois deux grosses larmes qui se forment dans la cavité de son œil profond. Elles restent comme sur le bord d'un vase et puis roulent sur les joues et sur la barbe. Pardon, Marie, j'ai manqué de confiance. Maintenant, je sais. Je suis indigne d'avoir un tel trésor. J'ai manqué de charité. Je t'ai accusée en mon cœur. Je t'ai accusée sans justice, puisque je ne t'avais pas demandé de me dire la vérité. J'ai failli envers la loi de Dieu en ne t'aimant pas comme je me serais aimée. Oh, non. Tu n'as pas manqué. Oui, Marie. Si j'avais été accusé d'un pareil crime, je me serais défendu. Toi, je ne t'ai pas permis de te défendre, puisque j'allais prendre une décision sans t'interroger. Je t'ai manqué en t'offensant par un soupçon. Rien qu'un soupçon, c'est une offense, Marie. Qui soupçonne méconnaît. Je ne t'ai pas connu comme je le devais. Mais pour la douleur que j'ai soufferte, trois journées de supplice, Pardonne moi, Marie. Je n'ai rien à te pardonner, mais plutôt je te demande pardon de la douleur que je t'ai causée. Oh. Oui, quelle douleur ça a été. Quelle douleur. Regarde, ce matin on m'a dit que j'avais des cheveux blancs sur les tempes et des rides sur le visage. Plus de dix ans de vie se sont écoulés en ces jours. Mais pourquoi, Marie, as tu été humble au point de me cacher à moi, ton époux, ta gloire, et permettre que je te soupçonne. Joseph n'est pas à genoux, mais il est tellement courbé que c'est tout comme. Et Marie pose sur sa tête sa petite main en souriant. Il semble qu'elle absolve. Elle dit Si mon humilité n'avait pas été parfaite, je n'aurais pas mérité de concevoir celui qu'on attendait. Celui qui vient d'annuler la faute d'orgueil qui a ruiné l'homme, et puis j'ai obéi. Dieu m'a demandé cette obéissance, elle m'a coûté tellement pour toi, pour la douleur que tu en éprouverais. Mais je n'avais qu'à obéir, je suis la servante de Dieu, et les serviteurs ne discutent pas les ordres qu'ils reçoivent. Ils les exécutent. Joseph, même s'ils leur font pleurer du sang, Marie pleure doucement en disant cela, si doucement que Joseph, tout courbé, ne s'en aperçoit que quand une larme tombe à terre. Alors il redresse la tête, et c'est la première fois que je le vois faire cela. Il serre les petites mains de Marie dans ses mains fortes et allées, et baise l'extrémité de ses doigts délicats qui sortent comme des boutons de péché de l'étreinte des mains de Joseph. Maintenant, il faut pourvoir, parce que. Joseph n'ajoute rien, mais regarde le corps de Marie qui s'assied tout de suite pour ne pas rester ainsi exposée au regard qui se pose sur elle. Il faudra faire vite. Je viendrai ici. Nous accomplirons le mariage. La semaine prochaine, ça va Tout ce que tu fais est bien, Joseph. Tu es le chef de la maison. Moi, je suis ta servante. Non, c'est moi qui suis ton serviteur. Je suis le bienheureux serviteur de mon Seigneur qui grandit en ton sein. Toi, tu es la bénie entre toutes les femmes d'Israël. Ce soir, je préviendrai les parents. Et après, quand je serai ici, nous travaillerons pour préparer tout à sa venue. Oh. Comment pourrais je recevoir dans ma maison mon Dieu? Dans mes bras, Dieu. J'en mourrai de joie. Je ne pourrai jamais oser le toucher. Tu le pourras comme moi je le pourrai avec la grâce de Dieu. Mais toi, c'est toi. Moi je suis un pauvre homme, le plus pauvre des fils de Dieu. Jésus vient pour nous qui sommes pauvres, pour nous faire riches en Dieu. Il vient vers nous deux parce que nous sommes les plus pauvres et que nous le reconnaissons. Réjouis toi, Joseph. La race de David a le roi qu'elle attendait et notre maison devient plus fastueuse que le palais royal de Salomon. Car ici il y aura le ciel, et nous partagerons avec Dieu le secret de paix que plus tard les hommes apprendront. Il grandira parmi nous, et nos bras seront un berceau pour le Rédempteur qui grandit, et nos fatigues lui procureront le pain. Ô oh Joseph, nous entendrons la voix de Dieu nous appeler père et mère. Oh, Marie pleure de joie, des larmes si heureuses! Et Joseph, agenouillé maintenant à ses pieds, pleure, la tête cachée dans l'ample vêtement de Marie qui descend en faisant des plis sur le pauvre carrelage de la petite pièce. La vision se termine là. Chapitre 43 Laissez au Seigneur le soin de vous proclamer ses serviteurs. Marie dit que personne n'interprète d'une manière inexacte ma pâleur. elle ne provenait pas d'une crainte humaine humainement. j'aurais dû m'attendre à la lapidation, mais ce n'était pas le motif de ma crainte. Je souffrais de la douleur de Joseph, même la pensée qu'il m'aurait accusée ne me troublait pas en elle-même, seulement il me déplaisait qu'en s'arrêtant à la pensée de m'accuser. Il manqua à la charité. Quand je le vis, mon sang ne fit qu'un bond à cause de cela. C'était le moment où un juste aurait pu offenser la justice en manquant à la charité, et qu'un juste y manquât, lui qui n'y manquait jamais, cela m'aurait causé la plus extrême douleur. Si je n'avais pas porté l'humilité à son extrême limite comme je l'ai dit à Joseph, je n'aurais pas mérité de porter en moi celui qui, pour effacer l'orgueil de la race humaine, s'anéantissait. Lui qui était Dieu jusqu'à devenir un homme. Je t'ai fait voir cette scène qu'aucun évangile ne rapporte parce que je voulais attirer l'attention des hommes trop étrangères aux conditions essentielles pour plaire à Dieu et recevoir dans le cœur sa continuelle venue. Foi. Joseph a cru aveuglément à la parole du messager céleste. Il ne demandait qu'à croire parce qu'il était sincèrement convaincu que Dieu est bon et qu'à lui, qui avait espéré dans le Seigneur, le Seigneur n'aurait pas réservé la douleur d'être trahi, trompé, bafoué par son prochain. Il ne demandait qu'à croire en moi parce que, honnête comme il l'était, il ne pouvait penser qu'avec douleur que les autres ne le fussent pas. Il vivait la loi, et la loi dit Aime ton prochain comme toi-même. Nous nous aimons tellement que nous nous croyons parfaits, même quand nous ne le sommes pas. Pourquoi alors cesser d'aimer le prochain à la pensée qu'il est imparfait? Charité absolue, la charité qui sait pardonner, qui veut pardonner, pardonner d'avance, en excusant dans son cœur les défauts du prochain. Pardonner tout de suite, en accordant toutes les circonstances atténuantes au coupable. Humilité absolue comme la charité, savoir reconnaître qu'on a manqué même par une simple pensée, et ne pas avoir l'orgueil, plus nuisible encore que la faute qui précède, de se refuser à dire je me suis trompé. Dieu excepté, tout le monde se trompe. Quel est celui ou celle qui peut dire Je ne me trompe jamais Et l'humilité encore plus difficile, celle qui sait tenir cachées les merveilles de Dieu en nous quand il n'est pas nécessaire de les faire connaître pour lui en donner la louange, pour ne pas déprécier le prochain qui n'a pas reçu ses dons particuliers de Dieu. S'il le veut, oh s'il le veut, Dieu se révèle lui-même en son serviteur. Élisabeth me vit. Tel que j'étais. Mon époux me reconnut pour ce que j'étais quand ce fut l'heure pour lui de le savoir. Laissez au Seigneur le soin de vous proclamer ses serviteurs. Il en est amoureusement pressé, car toute créature qu'il élève à une mission particulière est une gloire nouvelle qui s'ajoute à la sienne infinie, parce que c'est le témoignage de ce qu'est l'homme tel que Dieu le voulait une perfection mineure qui reflète son auteur. Restez dans l'ombre et dans le silence, ô privilégié de la grâce, pour pouvoir entendre les uniques paroles qui sont vies, pour pouvoir mériter d'avoir au-dessus de vous et en vous le soleil qui éternellement resplendit. Ô lumière plus que bienheureuse, qui est Dieu, qui est la joie de tes serviteurs, resplendis sur ces serviteurs qui t'appartiennent qu'ils en exultent en leur humilité en te louant toi seul qui disperses les orgueilleux mais qui élèves les humbles qui t'aiment jusqu'aux splendeurs de ton royaume chapitre 44 l'édit de recensement je vois encore la maison de Nazareth la petite pièce où se tient habituellement Marie pour les repas en ce moment, elle est occupée à un ouvrage de toile blanche. Elle pose son travail pour aller allumer une lampe. La nuit descend, et la lumière verdâtre qui entre par la porte entr'ouverte sur le jardin devient insuffisante. Elle la ferme. Je me rends compte que sa grossesse est très avancée mais elle est encore si belle. Sa démarche est aisée et gracieux est tout son comportement. Rien de cette lourdeur que l'on remarque chez la femme qui va bientôt donner le jour à un enfant. Seul le visage est changé. Maintenant, c'est la femme. Tout d'abord, au temps de l'annonciation, c'était une toute jeune fille au visage calme, mais qui ignore, un visage d'enfant innocent. Depuis, dans la maison d'Élisabeth, au moment de la naissance du Baptiste son visage s'était plus affiné, sa beauté avait mûri. Maintenant, c'est le visage tranquille, mais empreint d'une douce majesté de la femme qui atteint sa perfection dans la maternité. Marie, maintenant, est devenue réellement la femme, pleine de dignité et de grâce. Même son sourire s'est épanoui en une douceur majestueuse. Comme elle est belle. Joseph entre, il semble revenir du pays car il entre par la porte extérieure et non par celle de l'atelier. Marie lève la tête et lui sourit. Aussi Joseph lui sourit mais il semble fatigué, préoccupé. Marie l'observe, se demandant ce qu'il y a. Puis elle se lève, prend le manteau que Joseph est en train d'enlever et le pose sur une banquette. Joseph s'assied près de la table. Il y appuie le coude la tête sur une main, pendant que préoccupé, il caresse, caresse sa barbe de l'autre main. Tu as quelque préoccupation qui te fait souffrir demande Marie. Puis-je te consoler Tu es toujours ma consolation, Marie. Mais cette fois, c'est un gros souci. Pour toi. Pour moi, Joseph Qu'y a-t-il donc Ils ont affiché un édit sur la porte de la synagogue. C'est l'ordre de recensement de tous les Palestiniens. Il faut aller se faire inscrire au lieu d'origine. Pour nous, nous devons aller à Bethléem. Oh. Interrompt Marie en mettant la main sur son sein. Cela t'impressionne, n'est ce pas? C'est dur, je le sais. Non, Joseph, ce n'est pas cela. Je pense, je pense aux saintes Écritures, Rachel, mère de Benjamin et épouse de Jacob, dont naîtra l'étoile, le sauveur. Rachel a enterré à Bethléem, dont il est dit Et toi, Bethléem Ephrata, tu es le plus petit canton de Juda, mais de toi sortira le dominateur, le dominateur promis à la race de David. Il naîtra là. Tu crois Tu crois que le moment est déjà venu Oh comment ferons-nous Joseph est complètement désemparé. Il regarde Marie d'un regard de pitié. Elle s'en aperçoit. Elle sourit. C'est à elle-même qu'elle sourit, plutôt qu'à lui. Un sourire qui semble dire, c'est un homme, injuste, mais un homme. Il voit les choses en homme. Il pense en homme. Aie pitié de lui, mon âme, et amène-le à juger des choses par l'esprit. Mais sa bonté la pousse à le rassurer. Elle ne ment pas, mais cherche à le distraire de sa peine. Je ne sais pas, Joseph. Le temps est proche. Mais le Seigneur ne pourrait il pas le retarder pour t'enlever cette préoccupation? Lui peut tout. Ne crains pas. Mais le voyage. Qui sait? Quelle foule? Trouverons nous un bon logement? Aurons nous le temps de retourner? Et si, si tu devais être mère là-bas, comment ferons nous? Nous n'avons pas de maison, nous ne connaissons plus personne. Ne crains pas, tout ira bien. Dieu fait trouver un refuge à l'animal qui doit avoir son petit. Voudrais tu qu'il ne le fasse pas trouver pour son Messie? Fions nous à lui, n'est ce pas? Fions nous toujours à lui. Plus l'épreuve est grande, et plus il faut avoir confiance. Comme deux enfants, mettons notre main dans sa main de père. Lui nous guide, soyons lui tout à fait abandonnés. Vois comme il nous a conduits jusqu'ici avec amour. Un père, le meilleur des pères, n'aurait pu nous apporter tant d'attention. Soyons ses fils et ses serviteurs, accomplissons sa volonté. Rien de mal ne peut nous arriver. Même cet Édit, c'est sa volonté. Qui est il donc, César? Un instrument entre les mains de Dieu. Depuis le moment où le Père décida de pardonner à l'homme, il a fixé d'avance les événements pour que son Christ naquitte à Bethléem. Elle, la plus petite cité de Juda, n'existait pas encore, et déjà sa gloire était annoncée, il fallait que cette gloire se manifeste. La parole de Dieu ne saurait mentir, et elle mentirait si le Messie naissait ailleurs. Et voilà qu'un puissant se lève si loin d'ici. Il nous a conquis et veut connaître le nombre de ses sujets, maintenant, et alors que le monde est en paix, Oh qu'est-ce que notre petite fatigue, si nous pensons à la beauté de cet instant de paix, Joseph Pense-y, un temps où il n'y a pas de haine dans le monde Peut-il exister une heure plus heureuse pour le lever de l'étoile, dont la lumière est divine et l'influence est rédemption Oh, n'aie pas peur, Joseph Si les routes ne sont pas sûres, si la foule rend difficile le voyage, les anges nous défendront et nous feront escorte pas à nous mais à leur roi si nous ne trouverons pas de refuge ils nous abriteront sous leurs ailes rien de mal ne nous arrivera rien ne peut arriver dieu est avec nous joseph la regarde et l'écoute extasié les rides de son front s'effacent le sourire revient il se dresse sans ennui et sans tristesse il sourit. Tu es la bénie, soleil de mon âme, toi la bénie, tu sais tout voir dans la lumière de la grâce dont tu es remplie. Ne perdons pas de temps, alors. Il faut partir au plus vite et revenir au plus vite, car tout ici est prêt pour le pour le pour notre fils, Joseph. Tel il doit paraître aux yeux du monde. Rappelle toi le. Le Père a entouré de mystères sa venue, et ce n'est pas à nous d'en enlever le voile. Lui, Jésus, le fera quand ce sera l'heure. La beauté du visage, du regard, de la physionomie, de la voix de Marie quand elle dit Jésus ne peut pas se décrire. C'est déjà l'extase, et sur cette extase la vision s'évanouit. Chapitre 45 Aimer et satisfaire celui qu'on aime au-delà du sentiment et de l'intérêt. Marie dit Je n'ajoute pas beaucoup, car mes paroles sont déjà un enseignement. J'attire pourtant l'attention des épouses sur un point. Trop d'unions se défont par la faute des femmes qui n'ont pas cet amour qui est tout. Gentillesse, pitié, attention affectueuse, Réconfort pour le mari. Sur l'homme ne pèse pas la souffrance physique qui pèse lourdement sur la femme, mais sur lui pèsent toutes les préoccupations morales, nécessité du travail, décision à prendre, responsabilité devant les pouvoirs constitués et devant sa propre famille. Oh, que de choses ne pèsent-elles pas sur l'homme, et combien il a besoin lui aussi de réconfort. Eh bien, l'égoïsme est tel qu'au mari fatigué, Découragée, méconnue, préoccupée, la femme ajoute le poids de ses plaintes inutiles et parfois injustes. Tout cela parce qu'elle est égoïste, elle n'aime pas. Aimer, ce n'est pas chercher sa propre satisfaction sensible ou intéressée. Aimer, c'est satisfaire celui qu'on aime en dépassant la sensibilité et l'intérêt, c'est donner à son esprit l'aide dont il a besoin pour pouvoir tenir ses ailes ouvertes dans les cieux de l'espérance et de la paix. Autre point sur lequel j'attire votre attention j'en ai déjà parlé, mais j'insiste la confiance en Dieu. La confiance résume en elle les vertus théologales. Qui a confiance cela veut dire qu'il a la foi. Avoir confiance suppose qu'on espère. Avoir confiance c'est faire preuve d'amour. Aimer une personne, espérer et croire en elle, c'est là la confiance autrement, non. Dieu mérite une telle confiance qui doit être la nôtre. Si nous l'accordons à de pauvres hommes capables de n'y pas correspondre, pourquoi la refuser à Dieu qui ne nous manque jamais? La confiance est aussi humilité. L'orgueilleux dit. Je me suffis à moi même. Je ne me fie pas à celui-ci parce que c'est un incapable, un menteur, un prétentieux. L'humble dit Je me fie à lui. Pourquoi ne m'y fierais-je pas Pourquoi devrais-je penser que je suis meilleur que lui Et avec plus de raison encore, il parle ainsi de Dieu Pourquoi dois-je me défier de celui qui est bon Pourquoi dois-je penser. Que je puis me suffire à moi-même. Dieu se donne à celui qui est humble, mais s'éloigne de l'orgueilleux. La confiance est aussi obéissance, et Dieu aime l'obéissant. L'obéissance signifie que nous nous reconnaissons pour ses fils, et que nous reconnaissons Dieu pour notre Père. Et un Père ne peut qu'aimer lorsqu'il est un vrai Père. Dieu, et notre vrai Père et un Père parfait. Le troisième point que je veux que vous méditiez se base toujours sur la confiance. Aucun événement ne peut survenir sans la permission de Dieu. Es-tu donc un puissant Tu l'es parce que Dieu l'a permis. Es-tu soumis à l'autorité Tu l'es parce que Dieu l'a permis. Cherche donc au puissant à ne pas faire de ta puissance un mal, ce serait toujours ton mal, même si pour commencer c'était le mal des autres. Parce que si Dieu permet, il ne permet pas tout, et si tu dépasses les bornes, il te frappe et te brise. De ton côté, toi qui es simple sujet, cherche à faire de cette condition qui est la tienne un aimant qui attire sur toi la protection céleste. Et ne maudis jamais. Laisse-en à Dieu le soin. C'est à lui, Seigneur de tous les hommes, qu'il appartient de bénir et de maudire ses créatures. Va en paix. Chapitre 46. Le voyage vers Bethléem. Je vois une grande route. Il y a une énorme foule, des ânes qui vont, chargés de meubles et de personnes. Des ânes qui reviennent. Les gens éperonnent leurs montures, et qui va à pied se hâte, parce qu'il fait froid. L'air est pur et sec le ciel est serein, mais tout a ce semblant précis des jours de plein hiver. La campagne dépouillée semble plus vaste. Les pâturages ont une herbe courte, brûlée par les vents d'hiver sur les pâturages, les troupeaux cherchent un peu de nourriture et cherchent le soleil qui naît lentement. Ils se serrent l'un contre l'autre parce qu'ils ont froid, eux aussi. Ils bêlent, levant le museau, et regardant le soleil comme pour lui dire. Viens vite, qu'il fait froid. Le terrain présente des ondulations qui se font de plus en plus nettes. C'est un vrai paysage de collines il y a des dépressions herbeuses et des pentes de petites vallées et des crêtes. La route passe au milieu et se dirige vers le sud est. Marie est sur son âne gris tout enveloppée dans un épais manteau. Sur le devant de la selle se trouve ce dispositif déjà vu au voyage vers Hébron et, par dessus, le coffre avec les objets les plus nécessaires. Joseph marche à côté Tenant la bride, es-tu fatigué demande-t-il de temps en temps. Marie le regarde en souriant et dit non. À la troisième fois, elle ajoute, c'est toi plutôt qui dois marcher à pied, qui serais fatigué. Oh moi, pour moi, ce n'est rien. Je pense que si j'avais trouvé un autre âne, tu aurais pu être plus à ton aise et nous aurions pu aller plus vite. Mais je n'en ai pas trouvé. Tout le monde a besoin de monture en ce moment. Mais courage Bientôt nous serons à Bethléem. Au-delà de cette montagne, c'est Ephrata. Il reste silencieux. La Vierge, quand elle ne parle plus, paraît se recueillir en une prière intérieure. Elle sourit doucement à une de ses pensées et tout en ayant les yeux sur la foule, elle ne semble plus voir si c'est un homme, une femme, un vieillard, un berger, un riche ou un pauvre. Mais ce qu'elle voit, c'est à elle seulement. As tu froid? demande Joseph, parce que le vent se lève. Non, merci. Mais Joseph n'a pas confiance. Il lui touche les pieds qui pendent sur le flanc de l'âne, les pieds chaussés de sandales et qu'on voit dépasser à peine de son long vêtement. Il doit les trouver froids, car il secoue la tête. Il enlève une couverture qu'il porte en bandoulière et l'étend sur les jambes de Marie et jusque sur son sein de façon que les mains soient bien au chaud sous la couverture et le manteau. Il rencontre un berger qui coupe la route avec son troupeau, qu'il fait passer d'un pâturage sur la droite à un autre sur la gauche. Joseph se penche pour lui dire quelque chose. Le berger lui répond par un signe d'assentiment. Joseph prend l'âne, et le fait passer derrière le troupeau dans le pâturage le berger tire un bol grossier de sa besace trait une grosse brebis aux mamelles gonflées et passe le bol à joseph qui l'offre à marie dieu vous bénisse tous les deux dit marie toi pour ton amour et toi pour ta bonté je prierai pour toi vous venez de loin de nazareth répond joseph et vous allez à bethléem Long voyage pour la femme en cet état. C'est ta femme? Oui, c'est ma femme. Avez vous où aller? Non. C'est bien ennuyeux. Bethléem est pleine de gens venus de partout pour se faire inscrire ou pour aller ailleurs faire la même démarche. Je ne sais si vous trouverez un logement. Connaissez vous l'endroit? Pas beaucoup. Eh bien, je te renseigne. À cause d'elle, et il désigne Marie. Cherchez l'auberge, elle sera pleine, mais je vous l'indique pour vous donner un point de repère. Elle est dans une place la plus grande. Vous partez de la rue principale. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a une fontaine devant l'auberge qui est grande et basse, avec un portail. Elle sera pleine. Mais si vous ne trouvez rien à l'auberge et dans les maisons, passez par derrière de l'auberge dans la direction de la campagne. Il y a des écuries dans la montagne qui parfois servent aux marchands allant à Jérusalem pour y mettre leurs animaux quand il n'y a pas de place à l'auberge. Ce sont des écuries, vous comprenez? Dans la montagne. Elles sont humides, froides et sans porte. Mais c'est toujours un refuge parce que la femme ne peut rester sur la route. Peut-être là vous trouverez une place avec du foin pour dormir et aussi pour l'âne. Et que Dieu vous accompagne. Et que Dieu te donne joie, répond Marie. Joseph, à son tour, lui dit La paix soit avec toi. Ils reprennent la route. Une dépression plus vaste apparaît de l'escarpement qu'ils ont franchi. Dans la dépression, en haut et en bas des pentes qui l'entourent, il y a des maisons et encore des maisons. C'est Bethléem. Nous voici sur la terre de David, Marie. Maintenant tu vas te reposer. Tu me sembles tellement fatiguée. Non, je pensais je pense. Marie prend la main de Joseph et lui dit avec un sourire radieux. Je crois vraiment que le moment est venu. Dieu de miséricorde, comment allons nous faire? Ne crains pas, Joseph, ne te laisse pas troubler. Vois comme je suis calme, moi. Mais tu souffres beaucoup. Oh non. Je suis remplie de joie, une telle joie si forte, si belle, si irrésistible que mon cœur bat fort, fort et me dit, il naît, il naît. Il le dit à chaque battement. C'est mon petit qui frappe à la porte de mon cœur et qui me dit, maman, me voici pour te donner le baiser de Dieu. Oh, quelle joie, mon Joseph. Mais Joseph n'est pas à la joie. Il pense à l'urgence de trouver un abri et il y hâte le pas. Porte après porte, il demande un abri. Rien, tout est occupé. Ils arrivent à l'auberge. Elle est pleine jusque sous les portiques rustiques qui entourent la grande cour intérieure, de gens qui bivouacent. Joseph laisse Marie sur l'âne à l'intérieur de la cour, et il sort pour chercher dans d'autres maisons. Il revient découragé. Il n'y a rien le précoce crépuscule d'hiver commence à étendre ses voiles. Joseph supplie l'aubergiste, il supplie des voyageurs. Eux sont des hommes en bonne santé. Ici c'est une femme sur le point de mettre au monde un enfant. Qu'ils aient pitié. Rien. Voici un riche pharisien qui le regarde avec un mépris visible, et quand Marie s'approche, il s'écarte comme s'il s'était approché d'une lépreuse. Joseph le regarde et la rougeur de l'indignation lui monte au visage. Marie met la main sur le poignet de Joseph pour le calmer et dit. N'insiste pas, partons. Dieu y pourvoira. Ils sortent, ils suivent le mur de l'auberge, ils tournent par une ruelle encastrée entre elles et de pauvres maisons. Ils contournent l'auberge, ils cherchent. Voilà des espèces de grottes, de caves, dirais je, plutôt que des écuries, tant elles sont basses et humides. Les plus belles sont déjà occupées, Joseph est accablé. Ohé, Galiléen lui crie par derrière un vieil homme. Là au fond, sous ces ruines, il y a une tanière. Peut-être n'y a-t-il encore personne. Il s'approche de cette tanière. C'est vraiment une tanière. Parmi les décombres d'un bâtiment en ruine, il y a un refuge, au-delà duquel se trouve une grotte, un trou dans la montagne plutôt qu'une grotte. On dirait que ce sont les fondations d'une ancienne construction auxquelles servent de toit. Les matériaux étayés par ces troncs d'arbres à peine écarris. Pour y voir plus clair, car il y a très peu de jours, Joseph sort de l'Amadou et un briquet et allume une petite lampe qu'il sort de la besace qu'il porte en bandoulière. Il entre. Un mugissement le salue. Viens, Marie, elle est vide, il n'y a qu'un bœuf. Joseph sourit. Ça vaut mieux que rien. Marie met pied à terre et entre. Joseph a fixé la petite lampe à un clou dans l'un des troncs qui servent de pilier. On voit la voûte couverte de toiles d'araignée, le sol en terre battue et tout disloqué, avec des trous, des cailloux, des détritus et des excréments, et couvert de tiges de paille. Au fond, un bœuf se retourne et regarde avec ses grands yeux tranquilles pendant que du foin lui pend des lèvres. Il y a un siège grossier. Et deux pierres dans un coin près d'une fente. Le noir de ce recoin indique que c'est là qu'on fait du feu. Marie s'approche du bœuf. Elle a froid. Elle lui met les mains sur le cou pour en sentir la tiédeur. Le bœuf mugit et se laisse faire. Il semble comprendre. De même, quand Joseph le pousse plus loin pour enlever beaucoup de foin au râtelier et faire un lit pour Marie. Le râtelier est double. Celui où mange le bœuf est par-dessus une sorte d'étagère où se trouve une provision de foin. C'est celle-là que prend Joseph. Le bœuf laisse faire. Il fait aussi une place pour l'âne qui, fatigué et affamé, se met tout de suite à manger. Joseph découvre aussi un seau renversé tout cabossé. Il sort parce que dehors il y a un ruisseau et revient avec de l'eau pour l'âne. Puis, il s'empare d'une botte formée de branches déposées dans un coin et essaye de balayer le sol. Ensuite il étend du foin, en fait un lit près du bœuf, dans l'angle le plus sec et le plus abrité. Mais il le trouve humide, ce pauvre foin, et il soupire. Il allume le feu, et avec une patience de chartreux, il sèche le foin par poignée en le tenant près du feu. Marie assise sur un tabouret fatiguée regarde et sourit c'est fini marie s'installe de son mieux sur le foin moelleux avec les épaules appuyées sur un tronc joseph complète l'ameublement en étendant son manteau qui fait office de tente sur le trou qui sert d'entrée un abri très relatif puis il offre du pain et du fromage à la vierge et lui donne à boire de l'eau d'une gourde. Dors maintenant, lui dit-il après. Moi, je veillerai pour que le feu ne s'éteigne pas. Il y a du bois, heureusement. Espérons qu'il dure et brûle. Je pourrai épargner l'huile de la lampe. Marie s'allonge obéissante. Joseph la couvre avec le manteau même de Marie et la couverture qu'elle avait d'abord aux pieds. Mais toi, tu auras froid. Non, Marie, je reste près du feu. Tâche de te reposer. Demain ça ira mieux. Marie ferme les yeux sans se faire prier. Joseph se rencogne dans son coin sur le tabouret avec des brindilles à côté. Il y en a peu. Je ne pense pas qu'elles durent longtemps. Voici comme ils sont situés. Marie à droite, avec les épaules tournées vers la porte, à moitié caché par un tronc d'arbre et par le corps du bœuf qui s'est accroupi dans la litière. Joseph à gauche tourné vers la porte et par conséquent en diagonale avec le visage tourné vers le feu et les épaules vers Marie. Il se retourne de temps en temps pour la regarder et la voit tranquille comme si elle dormait. Il utilise peu à peu les branches et les jette une par une sur le feu pour qu'il ne s'éteigne pas pour qu'il donne de la lumière et pour que ce peu de bois dure. Il n'y a plus que la lueur, tantôt plus vive, tantôt presque morte du feu, car la lampe est à bout de combustible et dans la pénombre se détache seulement la blancheur du bœuf, du visage et des mains de Joseph. Tout le reste n'est qu'une masse qui se fond dans l'épaisseur de la pénombre. On ne vous dit rien, dit Marie. La vision parle d'elle-même. À vous d'en tirer la leçon de charité, d'humilité et de pureté qui en découle. Repose-toi, repose-toi en veillant comme j'ai veillé en attendant Jésus. Il viendra t'apporter sa paix.